1, 2, oula. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'hippodrome de La Teste pour ces vacations, pour cette vacation de Yearling aux Arus. On va décaler la vente de quelques minutes. Début de la vente vers midi 20 à peu près. Voilà, midi 15, midi 20. Laurence, en attendant, montez. Voilà.
Laura. Très bien. Oui, donc les premiers numéros sont appelés au rond de présentation, s'il vous plaît. On va commencer la vente dans 3 minutes. Merci de venir avec les premiers poulains au rond. Est-ce que nous avons du son ? Son. Ok. Nous allons débuter la vente dans quelques instants, dans 2 minutes exactement. Est-ce que nous avons du son ? Nous sommes en dernière phase de test. On peut commencer. Bon. On les attend. Ouais. Alors, nous allons débuter dans quelques secondes. On va se mettre en place. Ouais. Alors, nous avons des conditions un petit peu particulières pour cette première vente. Notre réalisateur va me faire un geste ou un signe pour me dire que ça débute. Ouais. Et voilà, ça débute. Bien. Effectivement, bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur France Cire TV, en direct de cet hippodrome de la Teste de Buch, l'hippodrome du Becquet à Arcachon. Oui, alors, on n'a pas l'habitude de voir cet hippodrome sous un temps pareil, parce qu'effectivement, ici, d'habitude, c'est baigné de soleil avec une arrière-saison extrêmement agréable. Mais là, c'est un petit peu différent car il pleut. Il pleut pas pour rigoler, comme vous pouvez le constater derrière moi. Et encore, ce n'est rien par rapport au déluge dantesque qui s'est abattu sur l'hippodrome hier soir avec des orages tellement forts qu'ils en ont coupé les réseaux téléphoniques. Néanmoins, les mesures ont été prises. Hein. Pour l'instant, on conserve la possibilité, le fait de faire la vente en extérieur. Vous voyez que le ring a été recouvert de paille pour éviter la gadoue. Les gens sont protégés, d'habitude qui sont un peu étalés en tribune. Les gens ici là sont protégés par le toit du restaurant panoramique de l'hippodrome de la Teste, donc qui a été refait, comme vous le savez, il y a 2 ans. Ouais. Et nous attendons le premier lot. La vente, le début de la vente a été retardé d'une vingtaine de minutes. Et donc, nous allons démarrer très bientôt. Alors, le profil de cette vente, 300 chevaux. Hein, jamais il y a eu autant de chevaux à cette vente, étalés sur 2 jours. 150 aujourd'hui, 150 demain, des ventes voilà, sélectionnées. Le premier 300 numéro chevaux arrive. Retenus parmi 1000 inscrits. C'est ce que m'a expliqué dans le détail tout à l'heure Emmanuel Viau. Emmanuel Viau qui bonjour va madame, débuter messieurs, la vente. Bienvenue donc. Il pour sera ses vacations aux Arus 2016. Au micro des auctionneurs par John O'Kelly et Antoine Gronfier. John O'Kelly qui lui vient de Tattersall, bien sûr Tattersall, l'associé aujourd'hui d'Ozarus. Les annonces d'Emmanuel.
Le soleil devrait faire son apparition dans l'après-midi. Nous l'espérons. Alors, le numéro 1 ne devrait pas tarder. Vous pouvez annoncer les conditions. Le maître, mesdames et messieurs, bonjour. Annonce les conditions de vente. C'est le numéro 1 qui va rentrer. C'est un fils de Raj Saman. Dans quelques instants, après les conditions de vente. Au-dessus de l'adjudication, vous avez des frais de vente qui sont de 7% hors taxe jusqu'à 15 000 euros. Et au-delà de 15 000 euros, 6%. Vous avez également de la TVA. Pour chaque cheval, au moment de son passage aux enchères, on vous précisera s'il est soumis ou non à TVA et pour quelle proportion. Deux observations encore. La première, enchère minima, 3 000 euros. La deuxième, en cas de folle enchère ou de double enchère, on remettra le cheval aux enchères aussitôt ou le plus tôt possible dans la même vacation. Voilà, bonnes enchères, merci à vous. Merci maître. Le numéro 1, Jean-Paul. Merci, maître. Allez, numéro 1. Bonjour à tous. Thierry présenté par la rade de Saint-Vincent, une pouliche grise. Elle se nomme For You. Elle est née le 6 avril par Raj Saman et d'Outre-mer. Et c'est une fille de Raj Saman étant notamment le père de Bramto, deuxième du critérium du fonds européen de l'élevage labellisé Listed Race. Exactement. Raj Saman, tête de lice, étalon français de première production. Petit alors Raj Saman, ici c'est la deuxième production de Raj Saman, puisque la première production est âgée de 2 ans, il était de liste des 2 ans pour l'instant. Raj Saman, c'est un étalon qui a beaucoup saillé au haras de la Covinière. En ce qui concerne la mère d'Outre-mer, elle est ici de choisir, un champion australien qui a bien fonctionné dans les deux hémisphères en tant qu'étalon. Et elle-même est une fille de Askill Clara, gagnante à 2 ans du prix Roland de Chambure, une liste qui se dispute sur l'hippodrome de Longchamp le 14 juillet. Enfin, pas cette année, bien sûr, puisque à Chantilly, mais bon, bref, d'ordinaire, en tout cas, quand Askill Clara a couru, a gagné cette liste, c'était sur l'hippodrome de Longchamp. Raj Saman, un fils de Dynamix, For You, présenté par le haras de Saint-Vincent, à côté de Tarbes, dans le sud-ouest, bien sûr. 4 000 par vous et contre vous, l'enchère, 4 000. À 4 000 euros, Nathalie, l'enchère par vous et contre vous, toujours à gauche, 4. À 4 000 euros, que fait-on, 4. À 4 000 euros, mettez vos s'il vous plaît, 4 000. À 4 000 euros, l'enchère est à gauche par Nathalie, on peut être jugé. 4 000, vous laissez partir la fille de Raj Saman, mère, choisir la petite fille de Linamix à 4 000 euros seulement. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la mère pour l'instant? Elle est mère de un vainqueur sur deux premiers nages de courir. Cette lauréate, c'est Caderousse qui a gagné à Vichy l'an dernier à l'âge de 3 ans. Une fille de Muaymin. Le deuxième produit qui est un 2 ans par recharge est à l'entraînement. Et voici le troisième produit, à 4 000 euros seulement. Enchère par Nathalie. Dernier appel, pas en face, rien à droite. Le marteau se lève à 4 000. Dernière fois, on peut être jugé. On la juge. 4 000, Nathalie. Tandis que... qui a laissé de très bons souvenirs à l'agence de vente aux Arus, puisque c'est le père de Soutsio, gagnant de l'Istud à l'âge de 2 ans à Royal Ascot, donc sur les podiums de Ascot pendant le meeting royal. Donc un fait marquant bien sûr pour l'histoire, pour la jeune histoire de l'agence de vente aux Arus. Le seul Youmzen, donc comme vient de le préciser Emmanuel Vio. La mère d'Akla Oasis a gagné groupe 2 en Allemagne, et pas n'importe quel groupe 2, parce qu'il s'agit des 1000 guinées allemandes, l'équivalent de la poule d'essai en Allemagne. Et il s'agit ici du 7e produit. Il y a déjà 6 produits en âge de courir, dont 5 vainqueurs, donc une mère qui produit bien, issue de la souche, une mère qui est une sœur du sprinteur Diamond Green, et de l'autre sprinteur, enfin sprinteuse en l'occurrence, puisque c'est une femelle, Creaking Board. Voilà, belle page de catalogue ici. 4 000 à gauche, 4 000, 5 000, 5 000 maintenant, 5 000 euros, 5 000, allons-y, 5 000, à 6 maintenant, 6 000 euros, l'or à l'enchère à 6 000, à 6 000 euros, voulez-vous 8, qui met 8, à 6 000, à 6 000 euros, allons-y, mettez vos enchères s'il vous plaît, 6 000, à 6 000 euros, l'enchère à droite à 6 000, Youmzen à 6 000, 8, 8, 8, 8 000 euros. Laetitia ?
Votre enchère, Fresh Bidder, 8000. À 8000 euros, il faut mettre 10 maintenant. Allons-y, contre vous, Nathalie, 8000. À 8000, 10000, 10000 l'or à l'enchère à droite, l'enchère à 10000. 10000, à 10000 euros. Yumzen compte ici à 10000. Le seul Yumzen de la vente, je le répète, par le père de Sikalizi, de Sweet You. À 10000, nous sommes seulement à droite, l'enchère. Laura, votre enchère, on est d'accord. À droite, à 10000. Qui couvre l'enchère de 10000 euros seulement? Vu, à 10000 euros, qui couvre l'enchère de 10000. Mettez vos enchères, il vaut beaucoup plus, poulain. 10000, à 10000, 12000, 12, 14, 14, 14 en face. À 14000, 14000, 14000. Laetitia, c'est vous, 14, 14000. À 14000 euros, qui couvre l'enchère? 16, 16, 15, 15, si vous voulez 15000. À 15000 euros, Laura, toujours chez vous, l'enchère à 15000. À 15000 euros, vraie belle page, je le répète, à 15000. Enchère à droite par vous, Laura, le marteau se lève et on va juger. À 15000 euros seulement, vous le laissez, 17000, à 17000, on y revient Nathalie, c'est chez vous, à 17000 euros, 17, à 17000 euros, qui met 20, mettez 20, à 17000, 17000, against you, rien à droite, à 17000, Nathalie, c'est vous pour le moment, 17, à 17000 euros, qui couvre l'enchère, 17000, à 17000 euros, que fait-on Laura? Terminé, on met 18 si vous voulez, à 17, à 17000 euros, enchère à gauche par Nathalie, Nathalie, votre enchère, on est d'accord, à 17, 18, 18, on y revient. Allez, 8000, allez, 8000 euros, ah oui, à droite, oui. L'enchère toujours. Allez, 8000 euros, que fait-on? Faut mettre 20, 20. Vous voulez, allez, 9000, l'opposition faiblit, toujours là, l'enchère à gauche. À 9000, qui met 20? Qui essaie 20000? On essaie 19, on essaie 20. Voilà, nous sommes à 19000, pas étonnant, c'est un beau, c'est une, un beau poulain, né le 21 février, puis avec un joli pédigré. La mère produit bien, hein, produit sérieux. 5 vainqueurs déjà. Yumzen, un étalon qui fait la monte à 3500 euros. Donc là, on a un très bon coefficient multiplicateur. L'enchère à gauche. On a toujours. 19 000, Nathalie. Le numéro 3 présenté par... Monsieur Michel Douaneau, monsieur Charles L'Écrivain. Merci, messieurs. Présenté par... Ah, Charles L'Écrivain, entraîneur en Mayenne. Elles en est le 26 mars. C'est un fils d'Evasie. C'est fait adjuger pour son client, Michel Guano, le numéro 2 à 19 000 euros. Le père de Pierre. Alors maintenant, on va passer à un mâle d'Evasive. Alzan, très signé de son père d'ailleurs. Il s'appelle Dr. Shepherd. C'est le premier produit donc d'une fille de peintre célèbre qui est... Evasive, donc, qui avec sa première génération de 2 ans, il y a 2 ans, a sorti Evasive First Piment Rouge, un bon début. L'année dernière, il a fait un gagnant d'ailleurs, à 2 ans aussi. Je ne sais plus sur quel hippodrome, mais il a fait un gagnant. La mère est par peintre célèbre, un profil complètement différent, mais qu'il souhaite Alzan aussi. Evasive était un 2 ans, peintre célèbre, un cheval plutôt classique, puisqu'il a gagné le prix de l'Arc de Triomphe ainsi que le Jockey Club à l'âge de 3 ans. La mère est sœur de Night Chapter, un fils de Night Shift qui a gagné le prix du Rana sur le 1400 mètres de Longchamp, une listode. Une famille Abdullah, on retrouve Zambezison, Calabar, Midships, intérim, mais aussi d'autres chevaux qui sont illustrés sous d'autres casaques comme la précoce Much Faster. À 5000 euros qui couvre l'enchère de 5000. Letty, c'est vous. Qui était celle sous la casaque de Jean-Louis Bouchard. 5000, 6000, 6000. On y revient à droite, l'enchère à 6000. C'est le premier produit de Dame du Floc. Qui n'a pas gagné, mais a pris, qui n'a pas gagné en plat, mais il a pris des places et qu'il s'est imposé après en obstacle. Dame du Floc, le poulain nous est présenté par le haras de Grand Camp, le haras chez Eric Lermite, le haras qui abrite d'ailleurs Evasive. Nous en sommes à 7000 euros. Laetitia, 8 à droite, on y revient, 8000, à 8000 euros, il faut mettre 10 maintenant. À 8000 euros, qui met 8, on met 9 si vous voulez également, 8000, à 8000 euros, chic poulain ici, regardez-le. 8000, à droite l'enchère, vu, à 8000 euros qui prend le relais, à 8000, on fait 9 si vous voulez, à 8000, 8, 9, 9, 9000, Laetitia l'enchère, 9000, 10, 10000, Fresh Bidder, 10000 en face de moi l'enchère, à 10000, à 10000, à 10000 euros l'enchère là-haut, debout par vous Laurence, pas d'erreur, ici, à 10000, à 10000 euros qui couvre l'enchère de 10000 euros, pas là, pas là-bas, 10, 12, 12, 12, on y revient, 12000 par vous Laetitia l'enchère à 12000, bon poulain vraiment ici, regardez-le. Ici d'une jeune mère. Voilà, très signé du père. À 12000 euros seulement. Ce docteur Shepherd, fils d'Evasive. 14000, on y revient. Alors est-ce que nous avons Michel Chesneau en train de monter les enchères? Et de l'autre côté, je crois qu'on défend avec. Laetitia, que fait-on? On défend avec Eric Lermite. On ne va plus défendre, je crois, avec Eric Lermite. Merci de votre aide. Rien là, pas là-bas. Donc effectivement. À 14000, Laurence, c'est chez vous. On est d'accord. Le marteau se lève. Dernier appel. On a toujours.
14 000 en face. Laurence. Le numéro 4 est présent. Oui, j'ai l'impression que c'est Michel Chesneau qui a obtenu l'enchère gagnante. Le 20 avril, fille de Penis Picnic et d'Anoya. Elle arrive, la fille de Penis Picnic. Alors, elle va faire le tour. Elle va faire le tour pour rejoindre l'hôtesse, pour rejoindre Michel Chesneau. Pendant ce temps-là, nous accueillons sur le ring une fille de Penis Picnic. La première génération de Penis Picnic, fils de Kelef. Cheval extrêmement précoce. Et premier produit de la mère également, donc un fils de jeune, une fille de jeune, pardon, elle est née le 20 avril. La mère d'Anoya, fille de Ravenspass, nous présente donc ici son premier produit. Elle-même a gagné à Deauville à l'âge de 4 ans. C'est la souche de jeune homme. Un placé de groupe 1, gagnant groupe 2 aux États-Unis, après avoir débuté sa carrière en France, où il a pris pas mal de places dans les groupes, notamment la deuxième place. Non, il a gagné même un groupe, les prix Messi d'or, mais c'était placé aussi de la Coupe, du Guillaume Dornano. La souche de Royal Academy, la souche de Storm 4 et de Reckless Abandon. Belle souche, hein, bon, sous la cinquième mère, certes. Alors, plus près de nous, ce qu'on va trouver, c'est qui ? C'est Damoiselle, la grand-mère, qui a gagné le prix Eclipse. Un groupe qui se dispute. Alors, ça s'est disputé à Saint-Cloud et à Maison-Lafitte. Alors, cette année-là, je ne sais plus entre les deux, mais en tout cas, ça se dispute au mois de novembre. En France, et c'est réservé aux deux ans. C'est une épreuve qui se dispute sur 1300 mètres. Pré-éclipse, doté du label Groupe 3. Donc ça, il s'agit de la grand-mère de cette pouliche par Penis Picnic, jeune étalon du Radio Ognay. Très précoce, Penis Picnic, et fils du également précoce, Kelef. Donc là, on est vraiment dans le registre du deux ans de précocité. Hein. Même si la mère a gagné à 4 ans. Voilà, pour l'instant, nous sommes déjà arrivés à 18 000 euros. Belle pouliche de Penis Picnic, les premiers Penis Picnic, fils de Kelef, ex-talon et talon, cheval précoce, l'un des meilleurs de sa génération en France. À 18 000, nous sommes maintenant. À 18, il faut mettre 20. Qui m'appelle ? Qui met 20 ? 18. À 18 000 euros, qui prend le relais à 18 000 ? Laetitia ? C'est vous toujours, on est d'accord. Hein, 18. À 18 000 euros, qui prend le relais à 18 000 euros ? La fille de Penis Picnic, le premier produit d'une fille de Rennes passe gagnante. À 18 000 euros. 19, si vous voulez 19, 20, 20, on y revient, 20 000, Laetitia, 20 000, à 20 000 euros en face de moi, l'enchère à 20 000 euros, vu, à 20 000 euros la belle pouliche ici, fille de Penis Picnic, à 20 000 euros les premiers Penis Picnic, je le répète, à 20 000, Laetitia, votre enchère, Laura, que fait-on ? On peut adjuger, merci de votre aide, en face l'enchère par vous, Laetitia, je le répète, Nathalie, rien là-bas, à 20 000 euros le marteau se lève, belle pouliche de Penis Picnic, on peut adjuger. Laetitia, votre enchère. Dernier appel. Fini. Pas regret. Laura, terminé. On la juge. 20 000. Voilà. Le marteau est tombé. Le marteau est tombé chez Paul Basquin. Chez Paul Basquin, qui est pas loin et qui va recevoir sa coupe de champagne. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. C'est-à-dire que là, c'est un peu compliqué. Comme il pleut, tous les gens sont très rassemblés, sont très concentrés. Donc c'est pas facile de pouvoir repérer les acheteurs. Mais là, Paul se lève. Il est rejoint ici par les garçons père et fils. Jean-Pierre et Guillaume du Haras de l'hôtellerie qui présentaient ce numéro 4. Dans sa région. Paul Basquin, le Haras de Sebois, il achète très probablement pour repasser lors des ventes de deux ans montées. En Espagne, en France, qui est parti à Hong Kong, et la souche maternelle de Snurge. Regardez-le, le poulain, le fils de Montares. Combien pour débuter les enchères ? 10, 8, 5, voulez-vous 5, 5, 5, 1000, 5 000, 5 000. Le petit-fils de Green Desert à 5 000, à 5 000, 3, voulez-vous 3, 3, à 3 000 euros. Du physique ici, regardez-le. Alors, le numéro 5, alors ça c'est un cas intéressant. Il s'appelle The Best Barolière, présenté par le rat de la Barolière, qui situe dans la région de la Vienne, pas très loin de chez Jean-Marc Lucas. Aura du Berlet. Motassared, le père, totalement inconnu, mais fils de Green Desert, crack Green Desert, issu d'une mère qui s'appelle Saïdati Elmaïja, qui elle-même est une sœur de Erab, gagnant du derby d'Epsom. C'est la famille de Partipral, super cheval qui a gagné en France et après qui a gagné toutes les bonnes courses en Italie, qui était chez Lelouch à l'entraînement et qui est parti à Hong Kong. Où il a remporté le Hong Kong International Vase. Formidable.
physique ici. Beau poulain, fils. C'est une souche qui s'est illustrée récemment en Espagne. Cher à droite à 3000, à 3000 euros le marteau se lève. Le rat de barrelière est dirigé par un couple franco-espagnol. 3000 euros, pas de regain du pas, 3 à 3000 euros. Dernier. Mais bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas le père, ni trop le père de mer. Spartacus. Et donc, malgré le physique plaisant du poulain, les enchères n'ont pas monté. Alors maintenant, on passe au numéro 6. Le rat du Degmorte qui s'appelle Ashki, il est né le 27 février. On retrouve Pénis Picnic, donc on a beaucoup parlé il y a de l'eau, avec un poulain vendu à 20 000 euros, une pouliche vendue à 20 000 euros. Dille, la mère, est par le défunt Aïcha Paral. On vous a vendu une pouliche tout à l'heure. Voici c'est la famille de Politain, à Politain, qui a été un cas très très particulier. Vainqueur du prix du Jockey Club chez Antonio Spanu, monté par un jeune jockey alors totalement méconnu, Franky Dettori. Italien, hein, comme Fort Antonio Spanu, son entraîneur, installé en France. Politain avait été acheté à réclamer à la Gardère. Pour ce beau fils de Pénis Picnic, voulez-vous 10, 8, 5, on débute à 5. Alors plus récemment, hein, on parle de sous la deuxième mère de Mojo Rizin, fille de Lope de Vega, qui a gagné le prix Caravelle à Ras des Granges sur l'hippodrome de Toulouse. 3000 pour débuter, 3000. L'approche famille de Mojo Rizin à 3000. Ça, c'est tout récent, hein, Mojo Rizin. 3 pour débuter, 3000. Nathalie, votre enchère à 3000 euros qui prend le relais. Donc une vieille souche Lagardère. À 3000 euros qui couvre l'enchère. Croisée ici avec Pénis Picnic. À 3000 euros, c'est vu. 3000. À Nathalie, votre enchère pour le moment à 3000. Mettez vos enchères. Poulain qui ressemble beaucoup à son père. Le père Pénis Picnic, comme ça, un bébrun foncé. Très volontaire. 3000 euros, c'est vraiment pas cher. Enchère à gauche à 3000 euros, qui prend le relais 3000. À 3000 euros, que fait-on? Qui m'appelle? 3 à 3000 euros. Nathalie, c'est vous, on est d'accord. Hein? 3 à 3000 euros, qui prend le relais 3000. 3000 à 3000 euros, qui m'appelle, qui prend le relais en face à 3000. Rien à 3000 euros, c'est vu. Dernier appel à 3000 euros, le poulain, fils de Pénix Picnic, famille de Mojo Rizin, ici la souche maternelle Lagardère, celle de Politain, à 3000 euros seulement, nous sommes. Enchère à gauche, bien vu. 4 000, Fresh Bidder, 4 000, Harvey, votre enchère, à 4 000 euros, 4 000 euros, l'enchère est en face de moi, on peut adjuger contre vous, Nathalie, cette fois, 4 000, à 4 000 euros, je vous laisse faire à gauche, 4, à 4 000 euros, Harvey, Siobid, à 4 000 euros, enchère en face de moi, Nathalie, terminée, dernière fois, à 4 000 euros, le marteau se lève, fini, 4 000 euros, dernière fois, on adjuge, 4 000 en face, Harvey, votre enchère. Tandis que nous avons les têtes de pont, hein, locales, bien sûr, aperçues dans les tribunes Philippe Sogorb, Didier Guillemin, Alain Chopard. La fille de Deportivo ici, la propre sœur d'un excellent cheval de course en obstacle, notamment Optimus Prime. Allez. Vrai bon cheval. 4000 euros seulement pour le 6. S'il en a peut-être, il sera peut-être autrement pour le numéro 7. Optimax, fille de Deportivo. Qui tire sa robe grise de son grand-père maternel, Khaldoun. Professeur d'Optimus Prime ici, gagnant de course principale en obstacle. Oui, alors ce qu'il y a de particulier ici, c'est que Optimax n'est autre que la propre sœur de Optimus Prime, fils de Deportivo, mais gagnant du Camille Duboc, que listed sur l'hippodrome de Pau cette année, enfin au tout début de l'année. 3000 euros, 3 à 3000, à 3000 euros, 3 à 3000, à 3000 euros. C'est une pouliche née le 9 mai. De Deportivo, belle pouliche de Deportivo ici à 3000. Que fait-on? 3000 à 3000 euros, 3 à 3000 euros l'enchère par vous, Laura, qui couvre l'enchère de 3000 seulement. 3000 en face, 4, 4000 vu au catalogue. J'ai pris 4 ici, 5 si vous voulez, 5000 à droite, 5000 à 5000 euros. Que fait-on? 5000, 5000 à 5000 euros l'enchère de nouveau à droite à 5000. C'est pas son prix, 5000. La propre sœur d'un excellent cheval de course, la sœur de American Deal également, gagnant à plusieurs reprises. L'enchère est là à droite. À bon, elle marche très bien pourtant cette pouliche. Hein, Optimus Prime, présenté par le rat de Saint-Vincent, HSV à la Vjancy, c'est-à-dire Thierry Dallalonga. Toujours en face de moi, l'enchère de la région Tarbes. À 6000 euros, qui couvre l'enchère de 6000. 7, 7. On met 8? On essaie 8? 8000. Oui, 8000 par mois. À 8000 euros, c'est mon enchère cette fois-ci à 8000. Que fait-on? À 8000 euros, il faut mettre 10 si vous voulez. 8000. À 8000 euros, 9, 9. 9000 à droite. On peut essayer 10. On essaie 10. C'est une bonne tête en plus, cette Optimax. Non, les enchères montent doucement. Si vous voulez, messieurs. Contre vous, 10.
10 000. À 10 000 euros, mon enchère à 10 000. À 10 000, 10. C'est mon enchère par vous, Laetitia. 10 000. À 10 000 euros qui couvre l'enchère, c'est contre vous à droite. À 10 000. À 10 000 euros, le marteau se lève. Je vais l'adjuger. Rien à gauche. Fini à droite, Laura. On peut adjuger. Dernier appel. On adjuge. 10 000 en face. Laetitia, merci. Le numéro 8 est présenté par le Hara des Embruns, une pouliche grise. Elle est née le 1er avril, fille de Rajaman et d'Inora. La voici, la Rajaman. La mère est gagnante de 10 courses. Elle est placée de course principale. Judgement, mère d'un gagnant. Alors, qui a acheté à 10 000 euros? Connue dans la famille, dans la région. Famille de vitesse aussi, celle de Sissios, de Baroud d'honneur. La petite mal à distinguer, je vais me déplacer. Rajaman, je le disais, est à l'entrée de liste de première production en France. Combien pour débuter? Il vient de faire des, il a fait des gagnants. Ara de Plassence. Pour débuter, la fille de Rajaman, je ne sais pas si c'est vendu ou si c'est racheté. Pouliche bien amenée ici, à 5 000, à 5 000, à 5 000 euros pour débuter. En tout cas, on passe au numéro 8. À 3 000 euros qui m'appelle, mettez vos enchères. Présenté par le Ara des Embruns. À 3 000 euros par un étalon tête de liste. Une fille de Rajaman. À 3 000 euros. Une fille de Rajaman, très typée du père, hein, comme l'immense majorité des produits de Rajaman, grise. Et la mère d'Inora est par Laint, cheval américain qui avait été ramené en France par... À 6 000 euros qui prend le relais. John. Je vais me rappeler de leur nom. Ça va revenir. Ceux qui avaient ramené Baudelaire aussi. Sandor, voilà, la famille Sandor. Georges Sandor. À 8 000 euros qui prend le relais à 8 000, 8 000, 8 000. Dinora la mère est Black Tie puisqu'elle a été troisième du Critérium de l'Ouest. C'est une listote qui se dispute lors du week-end d'ouverture de Cran, c'est-à-dire les trois glorieuses de Cran, début septembre. Course sur 1600 mètres. Et c'est la famille, c'est la vieille souche de Sigi, Sissios, Baroud d'honneur, Black Escort. Et un petit peu plus près de nous, Greshop, le gagnant du Grand Prix de Bordeaux, listote. 9 000. À 9 000 euros, l'enchère est toujours à gauche. C'est le troisième produit. Le premier produit, Baldino, Anna Bavlou, n'a pas réussi. Mais par contre, Valberg, le deuxième produit, 2012. À 9 000 euros, le marteau. Un membre de la dernière génération de Hold That Tiger a gagné en obstacle à 3 ans sur l'hippodrome de Bordeaux. Et nous en sommes à 9 000 euros pour le rat des Embruns. Tandis que la pluie qui s'était calmée reprend en puissance, malheureusement. Pouliche grise née le 5 avril. Alors, je ne sais pas si c'est vendu à 9 000 euros. Ah, ce sont quand même des conditions assez difficiles, mais enfin bon. La petite fille de Smart Strike par Zanzibari, père de bons gagnants, le père de Bagadur notamment, de Thank You Bye Bye, récent performeur. Comme on dit, hein, on n'est pas en sucre. Alors, il y a une solution de repli. Si la pluie vraiment devenait insupportable, ce serait à l'intérieur du hall. Combien pour débuter les enchères, la famille d'Ancien Régime? Alors pour l'instant, il ne fait que pleuvoir, entre guillemets, donc il n'est pas encore question d'utiliser cette solution de repli, mais elle avait été envisagée, bien sûr, hier, lorsqu'il y avait des véritables orages et un déluge qui faisait qu'on ne pouvait pas rester dehors. Et puis des orages avec des éclairs, ça, ce qui pouvait faire peur quand même, notamment aux chevaux, et puis ça peut être un peu dangereux. Nous n'en sommes pas là, et nous en sommes au numéro 9. L'enchère plus basse à 3 000, l'enchère minimum de 3 000, à 3 000 euros, allons-y. Alors, le numéro 9, présenté par le Radio Gay. 3000. La fille de est une fille de Zanzibari, la mère par El Prado. Ah, très important, la mère par El Prado, le père de Spanish Moon et surtout le père de Kitten Joy, le crack américain Kitten Joy. Crack cheval, crack étalon. La grand-mère par Riverman. Ça va se calmer. Le Hara du Hoguet. Donc nous présente. Le Hoguet, bah, ça tombe bien par un temps de pluie. Votre enchère, on est d'accord. Download, la mère. Elle a fait 4 vainqueurs pour 6 produits vivants en âge de courir. À 3 000 euros, que fait-on? Dont un qui a frôlé la listote puisqu'il a été quatrième du derby du Languedoc à 4 ans. À 3 ans, il s'agissait de Albahar, un Archangel. Et là, nous en sommes qu'à 3 000 euros. On a dû. 3 000 en face. Le numéro 10 est présenté par le Hara du Petit Ailier, Patrick Chedeville. Un poulain B né le 17 mars, un fils de Siyuni et Drago Dessa. Le fils de Siyuni, le premier Siyuni donc de la vacance. Alors attention, on va passer un étalon star maintenant. Donc là, on va changer de régime, j'imagine. Que ce poulain a été vu marcher de façon occasionnelle dans le box. Puisque c'est un fils de Siyuni, dès le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick, Patrick comme Patrick Chedeville, son éleveur. Le patron du Hara du Petit Ailier qui le présente, en tout cas. La mère Dragonessa,
jeune jument qui a gagné. De la famille de Zagora, de la famille de Asmar. Enfin, grande famille maternelle, puisque la troisième mère, c'est parti d'Ol. Et puis ben voilà, c'est un fils de Siyuni avec une mère par Red Ransom. Des Siyuni, bien sûr, il n'y en aura pas beaucoup dans ce catalogue, mais c'est le premier qui se présente ici. Devant, à 10 000. À 10 000, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, 10, 12, 12 à droite. À 12 000 euros, qui prend le relais à 12 000. Le Siyuni à 12 000. À 12 000 euros par Boulora, 12. 14, 14 000, 14 000, Nathalie Lanchère, 14. À 14 000 euros, qui prend le relais, 14, 16, 16, Fred, j'ai 16, 18 à droite, 18 000. À 18 000 euros, qui prend le relais, 20 maintenant, 20, 2, 2, 2, John Lanchère, à 20. Donc là, sans surprise, les enchères montent rapidement, même s'il n'y a pas de black type dans les deux premières mères, mais bon, c'est quand même une très bonne famille. Et puis deux premières mères qui sont jeunes, hein. 28, à 28 000 euros, qui met 30, faut mettre 30 000 si vous voulez, à 28. Le Siyuni ici à 28 000 euros, belle page ici. La grand-mère et la propre sœur de Titus Lim. Pas oublier qu'il y a des parts de Siyuni qui sont vendues 250, 300 000 euros pour des parts. À 30 000 euros par vous, Nathalie Lanchère, à 30. Qui m'appelle 30. À 30 000 euros, le fils de Siyuni à 30 000. Alors pendant que les enchères du Siyuni montent, je vous invite à suivre en parallèle de la vente l'article sur le grand guide que vous voyez en page d'accueil de Francir, le grand guide des ventes qui a été préparé par Xavier Bougon, avec des tas de plein de tableaux tout à fait et des statistiques tout à fait instructives. Je pense notamment au prix de saillie des étalons et leur situation, leur lieu de stationnement depuis deux ans, depuis 2014, c'est-à-dire depuis l'année de la conception des Yearlings. Il y a aussi les croisements qui ont été faits par les pères ou par les pères de mère. Et puis, bien sûr, il y a les Pinooking. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire de pouvoir repérer les chevaux qui ont été achetés. Dernier appel. On a dû. En général, foal, aux ventes publiques, dans leur immense majorité, à 30 000 euros, on a vendu le cheval. Dans leur immense majorité, aux ventes d'Arcana décembre. Et puis il y en a un autre aussi qui a été acheté à Tattersall. Alors là, très difficile de voir qui a acheté. Je ne vois pas la boîte partir. Airchief Marshall, il est tête de liste en France, en termes de nombre de gagnants depuis le début de l'année. Voilà, les conditions sont quand même assez sérieux qui marche ici. Complexes, assez atypiques. La mère par Miss Walkie. J'ai essayé de me renseigner, de savoir qui a acheté. Un bon gagnant de 18 courses aux États-Unis, la famille de Futuriste. Le voilà, le fils d'Airchief Marshall, mère Miss Walkie. Voulez-vous 10 000, 8 000, 5 000, 5 000 pour débuter les enchères, 5 000. Un bon poulain par Airchief Marshall. Peu des fils de Daniel Dancer. Poulain sérieux, 3 000. Voulez-vous 3 à 3 000 pour débuter bas, 3 000, 3 000. Le fils de Airchief Marshall à 3 000 euros. Mettez vos enchères à 3 000 euros, 3 000, 3 000. À 3 000 euros seulement. Letty, 3 000 euros, Laetitia, votre enchère. À 3 000 euros, 3 000, qui prend le relais à 3 000, 3. À 3 000 euros, Laetitia, c'est chez vous, 3 000. À 3 000 euros, l'enchère en face de moi par Laetitia. À 3 000 euros, qui prend le relais, 3 000. À 3 000 euros, vrai bon poulain ici, regardez-le, 3 000. À 3 000 euros seulement, Airchief Marshall, tête de lice, par le nombre de gagnants en France. À 3 000. À 3 000 euros, qui couvre l'enchère de 3 000 euros, Laetitia, toujours chez vous, à 3 000. Qui prend le relais, 3 000. À 3 000 euros, qui prend le relais, le fils d'accord de Airchief, à 3 000. La mère sœur de bons chevaux aux États-Unis, la famille de futurs à 3 000 euros seulement. Alors le lot précédent a été racheté. La Siyuni a été rachetée. À 3 000 euros, dernier appel. 3 000, on peut l'adjuger, le fils de Archif Marshall. Pas de regret. À 3 000 euros seulement, Laetitia, votre enchère. Dernière fois, on l'adjuge. 3 000, Laetitia. Voilà, donc la Siyuni a été rachetée. Tandis que là, French 15 et étrangère. Les Airchief Marshall, 3000 euros. Ah tiens, French 15, la première génération de French 15 avec une mère qui s'appelle étrangère par Fusaishi Pegasus. Le fils de French 15, issu d'une jeune jument ici, la mère et sœur de Street of Gold, notamment la grand-mère Hyatt Lane, bonne jument aux États-Unis. Une page de black type ici, combien pour débuter les enchères? Voulez-vous 10, 8, 5, 5 000, voulez-vous 5, 5 000, 5 000, 5 000, à 5 000 euros pour débuter. Donc jeune jument étrangère qui nous propose ici son troisième produit. Elle a 1-2 ans par Ken d'Argent qui a l'entraînement. Étrangère et mère de et sœur de Street of Gold, une fille de Street Sense américaine qui a gagné les studs aux États-Unis et s'est placée de groupe. Elle est aussi sœur de Aiko. Donc voilà, c'est une souche typiquement américaine, enfin très internationale, puisque nous avons aussi des vainqueurs australiens là-dedans.
6. Mais qui remonte quand même une grande référence française. 7000 euros par bout, toujours les années 80. La cinquième mère, Fitna, une lauréate du prix Saint-Talary. Alors Fitna, est-ce que c'était chez Boutin ou chez Cricatel, je ne me rappelle plus. En tout cas, nous en sommes à 9000 euros pour ce membre dans la première génération de French 15, né le 15 février. Très joli poulain d'ailleurs, très élégant, bien présenté par Laura de Montaigu. Désormais sous la férule de Sybille Gibson, la fille d'Aliette Forien. Alors j'ai 12 ici, French Bidder, 12000. À 12000 euros, que fait-on? 14. Alors French 15, bien sûr, est un élève de Gilles Forien. Il ne fait pas la monte au rat de Montaigu puisqu'il est installé au rat du logis Saint-Germain. Mais c'est un élève de Gilles Forien auquel il tient beaucoup, ce passionné de rugby, Gilles Forien, qui a noté French 15, bien sûr, le 15 tricolore, le 15 français. 17 000. Merci de votre aide. 17 000 en chair. Voilà, enfin la pluie se calme. À 17 000 et Laura compte. Un petit peu. Moins forte que tout à l'heure, les moins démentes que tout à l'heure. À 17 000 euros, le marteau se lève. Je vais la juger par vous, Laetitia. Dernier appel. Fini. On met 18 si vous voulez. 18, oui. Oui, 18. On y revient. Laetitia, que fait-on? On met 20. 18 000 euros, l'enchère est à gauche, cette fois-ci par mois, 18 000. À 18 000 euros qui couvre l'enchère de 18 000 euros, pas de regret. Fini, Laetitia. À 18 000 euros, c'est mon enchère. Fini. 19, 19, on y revient. Merci de votre aide. 19 000, Laetitia l'enchère. Dernière fois, pas de regret, on a juge. 19 000, Laetitia. Le numéro 13 est présenté par le Monsieur Christophe Ferland, merci. Messieurs agents Swips, monsieur Hervé Bunel, merci messieurs beaucoup. Et merci à gauche pour votre aide. Voilà. C'est pas toujours facile de voir qui a acheté, là, vu que tout le monde est bien rassemblé dans les tribunes, mais c'est effectivement l'agence FIP, c'est-à-dire Hervé Bunel. Hervé Bunel qui a acheté. Classé deuxième du prix des sources sur l'hippodrome de Vichy. Qui a acheté ce lot pour le compte d'un client de Christophe Ferland, qui est à côté de lui. A produit un gagnant à 2 ans. Entraîneur Christophe Ferland. Alors deux générations différentes, hein. Il y a au moins 20 ans d'écart entre Christophe Ferland et Hervé Bunel. Belle famille américaine. Sleekly et Talon confirmé. Qui ne refuse pas sa petite coupe de champagne, Hervé. L'agence FIPS. Combien pour débuter? 10, 8, 5, voulez-vous 5. Qui a donc fait l'acquisition du produit de French 15, la première génération. 19 000. Alors. On dit que c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Le 13, oui. C'est le 13, effectivement, le 13. Merci Jean. C'est le 13, on recommence. George Vancouver, exhibitor. Voilà, la mère gagnante à 3 ans, elle a produit 6 gagnants. Le 13. Je vais aller plus vite que la musique, voilà. Voilà, bah, il y avait des feuilles qui avaient collé hein, avec la pluie. Donc George Vancouver, la première génération aussi de George Vancouver. Elle nous est présentée par Bailey, c'est-à-dire le rat des Trois Chapelles. Une femelle née le 6 avril par George Vancouver. Exhibiteur, les premiers Georges Vancouver, une famille qu'on connaît bien chez le Hara des Sablonnais avec Acadia, Acaledi, Private Banking, Dancing Lady, mais aussi les excellents juments d'obstacles Lascaline et un mâle King Salka, gagnant du Duc d'Anjou, groupe 3, gagnant du Léopold d'Orsetti, groupe 3, respectivement à Auteuil et à Anguin. Voilà, vraie souche maternelle très solide au niveau de la deuxième mère. Alors au niveau de la première mère, qu'est-ce qui se passe? C'est du sérieux également, 6 vainqueurs pour 8 produits en âge de courrier. Pas de black tape, certes, mais de bons vainqueurs. À 9000 euros par vous, Nathalie Lanchère à 9000. En plat et en plat. Voilà, en plat. Voilà, on s'est focalisé sur le plat et d'ailleurs on continue de se focaliser sur le plat. Avec Georges Vancouver, qui est un vrai 2 ans, un gagnant de la Breeders' Cup Juvenile Turf sous la Kazakh Tabor et l'entraînement d'Aiden O'Brien aux États-Unis, bien sûr, avant de devenir étalon au Haras de la Hettraie, un fils de Henry the Navigator qui nous présente ici sa première génération. À 10 000 euros, l'enchère en face de moi. Le marteau se lève, on peut la juger. 12, on y revient. 12 000. À 12 000 euros, 12, 12. À 12 000 euros, de nouveau à gauche, l'enchère à 12 000. À 12 000 euros par vous, Nathalie, l'enchère, pas d'erreur, 12. À 12 000 euros, cette fois-ci, c'est contre vous, Laurence. À 12 000. À 12 000 euros, 12. À 12 000 euros, qui prend le relais à 12 000 euros, l'enchère par vous, à gauche, Nathalie, à 12 000. On met 13 quelque part, si vous voulez. Laurence, que fait-on? Ah voilà, la pluie enfin se calme. 12 000, c'est à gauche, pas d'erreur. 13 si vous voulez, et rien à droite pour le moment. À 12 000, le marteau se lève et on va la juger. À 12 000 euros, la fille de Georges Vancouver, vous la laissez partir. Dernier appel, Laurence, on peut adjuger?
Fini. Dernière fois. Pas de regret. En haut à gauche l'enchère. Nathalie, c'est chez vous, on est d'accord. 12 000. Dernier appel. Fini. On la juge. 12 000. Nathalie. Le numéro 14 est présenté. 12 000 euros. Mont-le-Père, Fanner, un poulain B, né le 29 avril. C'est un fils de Sligli et Fernand. Alors attendez, Nathalie, voilà, c'est qui Sligli, donc. La mère Pargone West et propre sœur. Je ne vais pas avoir la boîte, pour être tout à fait honnête. Une page américaine de qualité. Combien pour débuter les enchères pour le petit-fils de l'inami? Écoutez, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Néanmoins, chers amis, ce n'est pas un problème, puisque dans quelques instants, vous pourrez suivre, voir le lauréat. Le lauréat de l'enchère, en l'occurrence, dans les pages de résultats. Allons-y, 5 000. À 5 000 euros, regardez-le, poulain. Sérieux. Les pages de résultats officiels que vous avez voyées sur osarus.com et Francir TV. Les deux diffuseurs de cette vente en direct de la test. Alors pour l'instant, chers amis, vous êtes peut-être un peu mieux que nous devant votre canapé, dans votre voiture ou au travail. Parce que pour l'instant, il a beaucoup plu hein, depuis le début de cette journée. Mais là, enfin, une éclaircie semble poindre à l'horizon. Donc, pendant ce temps-là, nous en sommes avec un fils de Sligli, dont le père, l'Inamix, vient de mourir. Vous l'avez vu sans doute dans un article sur Francir. Sligli, un poulain, un étalon extrêmement sérieux, extrêmement confirmé, Sligli, avec une mère Pargone West, étalon confirmé s'il en est également, américain, mais qui a très bien réussi en France. La mère Fairwest a gagné 2 courses dans le sud-ouest, ici sur l'hippodrome de la Teste, également à Mont-de-Marsan. Et elle est propre sœur de Calgorly, gagnant de l'Eastud. Dernier appel à 4 000 euros aux États-Unis après s'être imposé en Angleterre et en Irlande. Mais nous n'en sommes qu'à 4 000 euros. Rien, pas là-bas. À 4 000 euros. Dernier appel, on peut l'adjuger. Le poulain Sligli, petit-fils de l'Inamix, à 4 000. Dernier appel. Laetitia, c'est vous? On est d'accord. On l'adjuge. 4 000. Laetitia. Voici le numéro 15 qui est présenté par le Rat des Loges, un poulain B né le 13 mars par Zanzibari et famille Soniaré, dont c'est le premier produit. Le mâle de Zanzibari. Alors, le numéro 15 est un fils de Zanzibari qui nous est présenté par le Rat des Loges en Normandie. Gagnant à 2 ans, placé 2e du prix des réservoirs. Groupe 3, combien pour débuter les enchères? La famille de Final Moment, ici, 10, 8, 5, voulez-vous 5, 5, 5, le fils de Zanzibari, petit-fils de Smart Strike, à 5 000, à 5 000, on a peu à vous présenter les Zanzibari. Allons-y, mettez vos enchères, 5 000, 5 000, 5, 5, 5, 3, voulez-vous 3, à 3 000, 3 000 euros, 3, 3, en face, Laurence, l'enchère, 3 000, 3, 4, 4 000, par vous Laura maintenant, 4 000, 4 000, Zanzibari, 4 000. Bon, il ne pleut plus, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc nous en sommes au numéro 15 présenté par le Rat des Loges, un Zanzibari. Zanzibari est talon de vitesse, de précocité, fils de Zanzibérine, un fils de Smart Strike, un étalon désormais confirmé. Il ne pleut plus, donc on peut imaginer que les gens vont commencer à s'étaler un peu plus dans les tribunes, bien que les sièges soient bien mouillés là. Mais bon, nous sommes dans le sud-ouest au bord de la mer, donc les choses vont forcément revenir au beau. 14. À droite, 14 000, c'est Laura pour le moment, 14, à 14 000 euros qui couvre l'enchère de 14, on continue, allons-y, 14, 14, le fils de Zanzibari à 14, 14, à 14 000 euros qui couvre l'enchère de 14 000, c'est vu, mettez vos enchères, 16, 16, 16, 15, 15, si vous voulez, à 15 000 en face de moi l'enchère, à 15 000, à 15 000 euros, poulain intéressant, ici regardez-le, la mère, premier produit d'une jument gagnante à 2 reprises en Grande-Bretagne, à 15 000 nous sommes, Laurence c'est votre enchère, on est d'accord? 15 000, rien à gauche, fini à droite, Laura. Laura, fini, merci de votre aide. Le marteau se lève, enchère en face et on va juger. Dernier appel, fini. Laurence, c'est chez vous. Et on adjuge. 15 000 en face, monsieur Kevin Borgel. Laurence, c'est ça? Merci, messieurs, merci. Ah, à 15 000 euros, j'étais en train de causer avec Charles Gourdin qui a donc fait en sorte que l'arnaque contre le docteur Vigemalia ait été déjouée. Et donc, tandis que c'est John O'Kelly qui va reprendre le micro de l'auctionneur, un Anglais hein, qui ne travaille que quand il ne peut pas, bien sûr. Et c'est Kevin Borgel, le Marseillais Kevin Borgel, qui a acheté
maintenant à 5000. Le lot précédent à 15 000 euros. À 3000 qui m'appelle là, 3000, à 3000, tu bouges pour là, ici. Oui, merci, Laurent, à 3000. Allez, 3000, Laurent, l'enchère maintenant à 3000, à 3000, 4000, 4000, 4000, l'enchère. À 4000, nous sommes avec 6000, 6000, 6000, nous sommes maintenant à 6000. À 6000 euros maintenant, enchère à droite, pas Laurent, maintenant à 6000. À 6000, 6000, 8000, 10000, 10000, l'enchère maintenant à 10000. À 10000, pas Laurent, toujours l'enchère maintenant à 10000. À 10000, à 10000, à 10000, n'arrêtez pas, s'il vous plaît, Laetitia. Allez, maintenant, nous en sommes au numéro 16, présenté par le Rat des Loges. Qui présente deux lots supplémentaires, deux lots de suite consécutifs. Un fils de Monsieur Bond, Monsieur James Bond évidemment. Non, Monsieur Bond était un bon étalon, un cheval de vitesse, précocité, un fils de Daniel Danseur, mais aussi un très très bon étalon lui-même. Et la mère Black Type, Fanny's Fancy, troisième de l'Easthead en Angleterre. À 10000, à 10000, ça va dans à 10000, on va juger alors. À 10000, père de My Name is Bond, à 10000, c'est sûr, Guilt Edge Girl aussi à 10000. Fini, c'est sûr, le marteau se lève, n'attendez pas que le marteau tombe, s'il vous plaît, maintenant, à 10000, dernière fois, dernière chance, maintenant, à 10000, on la juge. Laura, merci beaucoup, 10000. Le numéro 17 va arriver, le Art des Ombres nous présente. Alors, c'est vendu à 10000 euros. Ça, c'est un fils de quinte d'argent et fascinating. De les produits de la mer. Alors maintenant, on va passer donc au 17. Des Black Type aussi, dans grande famille de Fragrant Mill, Fragrant Mix, et tu ça. Premier produit, premier. Produit de Ken d'Argent, né le 12 mars. Ah, la grande famille. La grande famille Lagardère, puisque la grand-mère, c'est Fragrant Hill. Alors, la grand-mère est une véritable matrone, hein, mère de Fragrant Mix, Alpine Rose, Fracassant, Fascinating Mix, que des super chevaux. Et donc, Fascinating Hill, une Dan Hill qui est la mère de ce produit. Alors Fascinating Hill a 21 ans désormais, elle a déjà donné naissance à Mussori, une Linamix, qui a été quatrième du prix de Diane, deuxième du prix de la Seine, qui est devenue mère d'une gagnante de l'Easthead, d'un gagnant de l'Easthead, pardon, Dare to Archive. Elle a fait d'autres vainqueurs. Et nous présente ici donc ce fils de Ken d'Argent. À 4000, on commence déjà très bas. À 4000, 4000, 5000, 5000, nous sommes. À 7000, l'enchère, 6000, 6000, Nathalie. À 6000, l'enchère, 7000, 7000 euros maintenant, 7000. Ce fils, ce qu'il y a d'argent ici, à 7000 euros. Le frère de 6 vainqueurs, la grand-mère et les mères de 7 vainqueurs quand même. À 7000 euros. Une seule enchère en passant, là, Nathalie. 8000, l'enchère, l'enchère maintenant. À 8000, nous sommes. À 8000, à 8000. Il ne pleut plus, c'est bien agréable. À 8000, nous sommes dans 8000, l'enchère, c'est grand. On va pouvoir enfin se sentir dans le vrai sud-ouest. Alors, le Rat des Embruns, c'est l'éleveur de Punch Nantais, la star des ventes du Lion d'Angers, le meilleur 4 ans d'Auteuil sur les gros obstacles. Il a déjà été le meilleur 3 ans d'Auteuil sur les gros obstacles, d'ailleurs. 16, 18, 18, l'enchère maintenant à 18000. À 18000, mon enchère. L'entraînement de Guillaume Macaire. Contre vous, Nathalie, l'enchère à plus. Voilà pour le Rat des Embruns qui se situe en région nantaise. 18000, l'enchère. C'est et qui vient. C'est un jeune rat encore, hein, mais qui vient depuis ses débuts ici sur la vente de Osarus. 19000 euros. Et c'est pas fini, 20000. Maintenant, pas Nathalie, maintenant, toujours à 20 000. À 20 000, c'est bien. Peut la juger, 20 000 euros. Plouler là, monsieur. 21 000 euros, on est revient. C'est pas fini, 21 000. 21 000, plus haut téléphone là, monsieur. À 21 000, enchère ici, mon enchère, contre vous, Nathalie. À 21 000, maintenant, se lève. On va juger à 21 000, dernière fois, dernière chance. On la juge. Tout le monde au marre, merci beaucoup, monsieur. 21 000, l'enchère à gauche, Nathalie. Prenez l'escalier là, c'est 21 000, ok, monsieur Omara. Voici le numéro 18 qui est présenté par le Harad de Fresnel Buffard. Fascinateur, Polish B, elle est née le 14 avril. C'est une fille de planteur et Fedora. Jolie Polish ici, une fille de Cape Cross, excellente origine aussi, mesdames et messieurs, regardez bien la famille en vision, Saffron Walden Inside, toute bonne famille aussi des Polish, la mère et sœur de Moilolite. Alors 21 000 euros. Parution du catalogue aussi, premier produit de planteur. Ah, l'acheteur est caché dans un couloir, donc je ne pourrais pas le voir d'ici. C'est Robin. Tandis que la lumière revient sur l'hippodrome de la Teste. C'est classique aussi, comme on retourne ici, cette lot présentée par
Frédéric Buffard, combien on entend 10 000, qui a 10 000, Danois 10 000, qui a Capard 10 000, 10 000, 5, 3 000, allons-y à 3 000. À 3 millions, voulez-vous maintenant à 3 000, à 3 000, à 3 000. Alors, le 17 donc, vient d'être vendu à 21 000. Maintenant, on passe au 17, Fascinateur, il est nommé, il est... Elle est, c'est une pouliche, nommée le 14 février, le 14 avril, pardon, elle est fille de planteur, première génération de planteur. Souche Nyarkos. À 3 000 voulez-vous maintenant à 3 000. Attends, quelle souche maternelle 3 000 en enchère. À 3 000 voulez-vous maintenant à 3 000. À 3 000 le père vainqueur du prix Gagné, deuxième du Jockey Club, troisième du Dubai World Cup aussi. 3 000 seulement sa fille ici à 3 000, voulez-vous? À 3 000. Non, c'est sûr. 3 000, une pouliche si bien née à 3 000, voulez-vous maintenant? Alors 3 000 euros effectivement pour une pouliche très bien née, c'est vraiment pas beaucoup. Présenté par le rat Fresnel Buffard, son éleveur, la famille Nyarkos. Bah, pas d'enchère pour pouliche de planteur. Étonnant. Nièce de Insight. Une pouliche B. Le rat de groupe 1 aux États-Unis. Bon, bah écoutez, on va passer au suivant, c'est pas grave. Voilà, donc juste une petite information. Suite à des lâchés il y a quelques minutes, cette pouliche s'est fait quelques éraflures, donc sans conséquence. Puisqu'elle se déplace correctement, mais donc elle n'est pas à l'origine des lâchés en l'occurrence. Mais voilà, juste pour vous informer de ça. De toute façon, c'est une toute belle pouliche ici. Joli modèle par l'excellent Orpen qui ne cesse de faire des grands vainqueurs. Premier produit d'une fille de Bering, la grand-mère par Fazliev. Donc la vitesse sur la famille là aussi, combien de temps? Le père de Precision Dome, Vorda, Gracefully Torres, Strella, combien de temps? On débute. Ouh, oui, attention là. Attention, là, on débute à 10 000, allons-y, 10 000, qui a 10 000, donnez-moi 10 000, quelques barres, 10 000, 5, 3 000, allons-y, 3 000, qui a 3 000, 3 000. Alors voici le numéro 19, Filrine, une fille d'Orpen présentée par le rat d'Aspel. La mère est par Bering. Ah, Bering, mère par Bering, c'est marrant ça. C'est le premier produit de la mère. La grand-mère a fait 6 produits en âge de courir, un vainqueur, Foresight. Après, on monte à la troisième mère, sous lequel on retrouve le très bon italien Sunstratch, qui a gagné le premier Roma, un groupe 1. Jolie pouliche, cette fille d'Orpen, précoce donc. Enfin, on l'espère, puisque les Orpen sont supposés amener de la précocité, hein, Vorda, et puis bah, beaucoup d'autres aussi. Il y avait eu Célimène. Non, pas Célimène. Je sais plus. Contre vous, là, Laura, 15, 18 000, 18 000, 18 000, mettez 20 maintenant, à 18 000, à 18 000 euros. La mère. Une fille de Bering, 20 000, 20 000 enchères maintenant, 20 000, la grand-mère par Fazliev, à 20 000, 20 000, la famille Sunstroke aussi, à 20 000, à 20 000, belle pouliche ici, à 20 000, par cher du tout, vraiment, à 20 000 enchères en face par Laetitia, rien à gauche, rien en face, à 20 000, nous sommes, rentre-vous là, Laura, à 20 000, nous sommes, n'attendez pas que la marque tombe, s'il vous plaît, à 20 000, on va juger, à 20 000, dernière fois, dernière chance là, on est juge. Ah, 20 000 euros. Merci beaucoup, Laetitia. 20 000 euros pour la fille de Orpen. Frozen Berry, un poulain B, né le 20 avril. Il porte le numéro 20 et c'est un fils de Pirjint et Fitness Queen. Une paire de flamboyant, double vainqueur groupe 2 aux États-Unis. L'écurie Saf-Saf qui a acheté, très fidèle de ses ventes aux Arus. Saf-Saf Scanarias. Pirjint ici à 10 000, à 10 000 pour début de bas, 10 000 petits-fils. Sunday Silence 5, 3 000, voulez-vous qu'il y a 3 000, 3 000, 4 000. Tony Ford, bien sûr, j'avais un trou de mémoire. À 3 000, mettez vos enchères, à 3 000, 3 000 enchères à droite, à 3 000, nous sommes, à 3 000, le père, 3 000, 4 000. Voilà, qui achète à 20 000 la fille d'Orpen. Alors maintenant, on va passer à Frozen Berry, un fils de Pirgin, présenté par le rat de la N9. C'est là où Pirgin fait la monte. Fitness Queen, la mère, jument... Force solide, puisqu'elle a déjà produit Raphaël Berry, une vergla qui a été troisième du prix Policeman sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de vainqueurs. 6 vainqueurs pour 9 produits en âge de courir. Alors à noter, c'est assez atypique que Fitness Queen la mère, en fait, elle avait débuté sa carrière de poulinière aux États-Unis avant d'arriver en Mayenne chez Alain Régnier. Et là-bas, elle avait donné un premier produit qui s'appelait Barbel, qui n'a pas couru, bon, dans l'anonymat, mais qui est devenue la mère de Best Time, un 6 mètres triomphe qui a gagné l'Easted.
au Chili. Vous devez encore maintenant, c'est 14 000. À 14 000, l'enchère à gauche ici, à 14 000. Un joli poulain ici, 4 16. Ouais, les enchères montent. Hein. Ouais, que la mère est très sérieuse. Bon, le père, on le connaît. À 16 000 là, ah, excusez-moi, 18 000 par là, on enchaîne l'enchaîne maintenant à 18 000. 20 000 nous sommes, à 20 000, à 20 000, 20 000 enchaîne maintenant, à 20 000, à 6 000, 21 000, arrêt des bains encore maintenant, vous l'avez presque, 21 000. Alors, beaucoup d'enchères se font en raison des conditions climatiques depuis le restaurant. Là, la pluie s'est calmée. Et alors, comme la pluie s'est calmée, c'est peut-être un fait, eh bien, les enchères recommencent à s'élever, tel le soleil et la lumière qui inonde de nouveau l'hippodrome de la Teste. 22 000 euros. On va juger peut-être bien. À 22 000 nous sommes. On va juger à gauche enchère. À 22 000. L'enchère à gauche par Nathalie. Contre vous là-haut. Rien à droite. À 22 000. Fini là. À 22 000. On la juge. Nathalie, merci beaucoup. Nathalie, 22 000. Voici le numéro 21 qui est présenté par le haras de l'hôtellerie, Jean-Pierre et Guillaume Garçon. Un mâle alezan, il est né le 4 février par Pastoral Pursuit et Flame. Alors, c'est assez loin de moi, donc je vais essayer de voir qui a posé l'enchère gagnante pour ce lot. Pendant qu'ici, on accueille le numéro 21, dont je vous reparlerai dans quelques instants. Bien, dans ces aplans qu'on vient entendre, un joli poulain ici, 10 000, allons-y, qui a 10 000, donnez-moi 10 000, joli poulain là, 10 000, bien profond, 10 000, 5, 3 000, allons-y, il y a 3 000. C'est Sébastien Leforban, Sébastien Leforban qui vient de signer le bulletin vainqueur pour le lot 20 à 22 000 euros même. Alors maintenant c'est le 21 donc, le 21, un alezan. Fils de Pastoral Poursuite, né le 4 février, présenté par le haras de l'hôtellerie, Guillaume Garçon et son père Jean-Pierre. La mère Flamme, fille de Singspiel. À 5 000, nous sommes 6 000, nous sommes à 6 000 enchères. À 6 000, à 6 000. Fille de Singspiel, donc la mère, avec une grand-mère par Machiavellian. Ah, c'est la famille des sprinteurs Patavellian et Avonbridge. Sous la troisième mère, il y en a un cheval qui s'est illustré au Japon, qui s'appelle Tazan Keiza. Et cité Morora, course japonaise. Ah, peut-être enfin le Japon aura son vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe cette année avec Maka Iki, qui vient de faire si belle impression dans le prix de Niel. Revenons à ce produit de Pastoral Poursuite, cheval de vitesse confirmé. Lui-même fils de Bahamian Bounty, le sprinter Bahamian Bounty, alezan, et qui a donné beaucoup, beaucoup d'alezan, dont Pastoral Poursuite, et dont ici son petit-fils, qui n'est pas nommé. Donc je vous rappelle qu'il est né le 4 février. Nous, les enchères, nous en sommes à 11 000 euros actuellement. À 11 000, pas cher, à 11 000. À 11 000, 12 000 enchères maintenant, à 12 000. À 12 000, nous sommes à une toute belle robe ici, à 12 000. À 12 000, 13 000 enchères. À 13 000 enchères. À 14 000, 14 000. À 14 000, 14 000, vous ne voulez pas mettre 16 maintenant, à 14 000. À 14 000 enchères maintenant, 16 000 enchères. À 16 000, rien là-haut là. Voilà, tandis que les conditions sont revenues tout à fait normales et les prix aussi. 22 000 le lot précédent, la 19, 20 000 même. Ce fils de Pastoral Poursuite présenté par l'aura de l'hôtellerie. 22 et 5 maintenant, voulez-vous encore? À 22, 25, 7, voulez-vous? À 25, tu se passes par. Là, on est toujours à 25, voulez-vous pas mettre 7? À 25 000, nous sommes à 25, 25, bon, les jolis poulains. À 25, tout beau. Calédieu à 25 000, 7, 27, bravo, à 27 000, à 27 000, avec une toute belle arrière-main aussi, à 27 000, 30 000. Ah, le top price. Je vous rappelle que le top price tout à l'heure, c'était 30 000 euros, mais il a été racheté. Donc là, nous en sommes au niveau du top price. À 30 000, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, 30 000 là? À 30 000, à 30, je vous en parle, 32 l'enchère maintenant, à 31, ok, 31 000, tant mieux, 31 000, plus que j'avais maintenant, 31, 32, 31 000, à 30 000, voulez-vous mettre 32? À 31 000, à 32, non, à 31 000, enchère à droite ici, alors à 31 000, dernière fois, dernière jeune, dernier tour d'horizon ici, à 31 000, on va juger alors, méfiez-vous, cette fois-ci, on va juger à 31 000, on la juge. Laura, merci beaucoup, 31 000. On continue avec le haras de l'hôtellerie pour le numéro 22, qui est une pouliche B. J'ai cru voir Guylain Bozo. Fille de Master Truck. J'ai cru voir, effectivement, Guylain Bozo. Gagnant 10 courses, multiples voies placées, place et gros bain aussi. Méridien International, qui vient d'acheter Guylain.
l'excellent Monsoon. Par Massesson, grand vainqueur de Grand Prix de Deauville, troisième derrière Solomia dans le prix de la République du Jockey Club. Premier produit sont des Yearling, la seule dans. Voilà donc Guylain Bozo, qu'on va peut-être interviewer au moment où il va recevoir sa petite coupe de champagne, Guylain. Bravo pour ton achat, une petite coupe de champagne, ça fait du bien. Alors explique-moi un peu pour. T'as arrêté de boire, bah donne-la-moi alors à ce moment-là. Merci. Alors parle-moi un peu de ton achat. Bah, c'est un très beau poulain athlétique, voilà, qui se déplaçait vraiment très très bien. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, maintenant j'espère qu'il sera bon. Le but de l'opération, la pastorale poursuite, c'est quoi? C'est de faire du 2 ans précoce? Ouais, exactement. Mais c'est ce qu'il fait physiquement. Il va rester en France? Il va rester en France, il va aller chez Pierre Brandt avec qui je travaille beaucoup et qui fait du bon travail. Donc voilà. Merci Guylain, je te rends ta coupe. C'est vrai? Bah, d'accord, je la garde. 10 000 enchères maintenant, 10 000, à 10 000 essais maintenant, à 10 000, à 10 000 d'une jument, très très bonne jument de course, 10 000, 12 000, à 12 000, place groupant ici, à 12 000, à 12 000, 15 000, 15 000 essais maintenant, à 15 000, à 15, 18 000 maintenant, agréable. 15 000, à 15 000. Il est bon ce champagne. Alors, un peu de sérieux, chers amis, avec de nouveau le haras de l'hôtellerie qui nous présente cette fois-ci le numéro 22, fille de Masterstroke, qui fait la monte, Masterstroke. Au haras du logis en France, donc en Normandie, Masterstroke, un fils de Melika, donc un petit-fils d'Urban Si. Melika, la mère, c'est une sœur de Galiléo, c'est une sœur de See the Stars. Et peut-être va-t-on, dans la foulée du premier top price à 31 000, eh ben, rebattre le top price, puisque là nous en sommes à 27, et c'est pas fini, 28, 30, voilà. Alors très rapidement, une souche qui se titrise sur les obstacles au niveau de la quatrième aire, la championne royale Athénia. Une souche galop à la base. Et puis, bah, quand même, Fleur Enchantée, hein, la mère par Marchand de Sable. 10 victoires. Deuxième du prix Urban Sea, hein, c'est marrant d'ailleurs. Liste d'adresse de Longchamp, du Lion d'Angers. Et puis, troisième du prix de l'Opéra à Groupin de Longchamp. Voilà, donc le deuxième produit de Fleur Enchantée par Masterstroke, présenté par le Radeau Tellerie, qui va faire de nouveau 31 000. 31 000, merci beaucoup, Nathalie. Place au numéro 23. Alors là, ça se passe complètement de l'autre côté des tribunes. Alzon, il est né le 27 avril par Mouyemine. De l'autre côté des tribunes, et on va voir ce qui s'est passé, qui a acheté. Milena John vient de s'imposer sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan, et ce, bien sûr, depuis la parution du catalogue. Carrément, de l'autre côté de la tribune, à 31 000, se produit cette fille de Masterstroke. 1000 excuses, John. 100% sans TVA, il est vendu. Hein. Sans TVA, voilà. La mère est bonne jument de course. Il y a Deauville aussi, la mère déjà, de deux vainqueurs. C'est un rachat. Merci à l'hôtesse. C'est un rachat. Qui a 3 000, vous débutez, allons-y, à 3 000. Qui a 3 000, près de 3 000 euros, seulement 3 000, allons-y, à 3 000. À 3 000, le fils de Mouhéman ici en face, l'enchère Laurence. À 3 000, à 3 000, ce matin, à 3 000. Un joli poulain, 3 000. À 3 000, le petit-fils Happy Andy ici, à 3 000. La mère Bazaminda, à 3 000. Ah, le soleil, voilà, enfin, qui revient. 4 000. Donc, racheté le 22. Donc, maintenant, c'est le 23. C'est le 23. Muaymin. Ah, on aime bien Muaymin. Présenté par le Haras des Faunes. Là, c'est où l'étalon a fait toute sa carrière. Muaymin, c'est le portrait craché de son père, Alzan, avec trois balzanes blanches. Muaymin, un super étalon. Méconnu, je veux dire, souvent mésestimé, Muaymin, mais vraiment, vraiment un super étalon. À 8 000 euros, à 8 000, à 8 000 le sabaton, 8 000 enchères. Donc présenté par le Haras des Faunes, Alain Chopard, pour le compte Régis Bess et Denis Pica, les propriétaires pour l'instant en tout cas de cette Yaya Jaune qui est née le 27 avril, la mère Flower. À 8 000 le sabaton, oui, on va juger alors à 8 000, n'attendez pas s'il vous plaît, à 8 000, on va juger cette fois-ci à 8 000 euros. On le juge. Laurence, merci beaucoup, 8 000 euros. 8 000 euros, donc, la mère Flower. Ah, on va... Oh là là, le numéro 24, c'est qui, c'est quoi? C'est une fille de Wooten Bassett. Alors, l'étalon dont tout le monde parle, évidemment, en ce moment, Wooten Bassett, puisque c'est le père d'Almanzor. Almanzor que vous avez pu... avec qui vous avez pu vivre la victoire dans l'Irish Champions Stakes? Avec Almanzor et avec, bien sûr, son entraîneur, grâce à Loïc Stecher et Noémie Bellard, qui étaient partis envoyés spéciaux de Francir en Irlande. Pour ce reportage sensationnel de la victoire non moins sensationnelle
d'Almanzor dans les Irish Champion Stakes, sous l'entraînement donc de Jean-Claude Rouget et la montre de Christophe Semillon. Wootton Bassett, donc, jeune étalon. La mère Flower of Freedom est une fille de Saddleswells et Krajina, gagnante de Listed. Krajina, très bonne jument de course. La nièce de Tuzla également, gagnante de Groupe 1, elle aux États-Unis. Présentée par le Hara du Hoguet. Donc une Wootton Bassett à 3000, on ne va pas en rester là, bien entendu. C'est 3000, j'ai eu à 3000 ce bâton, 3000, à 3000 pression quand même, à 3000 une pouliche calitus ici, à 3000, à 3000 par chair de tout, à 3000, à 3000, 4000, 4000 là-haut, à 3000 à gauche, 4000, 5000, 5000, 6000, 6000 en chemin maintenant, 6000, à contre là monsieur, à 6000 nous sommes plus là non plus monsieur, 7000 euros, 7000 nous sommes, à 7000, à 7000, à 7000 euros maintenant, à 7000, à gauche l'enchaîne pas Nathalie, 8000, à 8000 nous sommes, 9000, 9000 l'enchaîne maintenant, 9000, à 9000 balles l'enchaîne maintenant, maintenant, 9000 tubes, à 10000, 10000 enchaîne, à 10000 nous sommes maintenant, à 10000, à 10 000, 12 000, ah oh, tu me dis 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, derrière, contre là, à l'extérieur, 15 000, 15 000, l'enchaîne, 17, 17, mon enchaîne maintenant à 17 000, à 17 000, la fille de Wootton Bassett d'ici à 17 000, à 17, à 17, à 17, 18, voulez-vous, à 17 000, à 10, l'enchaîne à l'extérieur là, 17 000, à 17 000, mon enchaîne toujours à 17 000, belle pouliche ici à 17 000, par le père d'Almanzo à 17 000, à 17 000, et Tourémi Faso là aussi à 17 000, pouliche très très grosse ici, à 17 000, on va juger alors. 17 000, c'est bien vu, on va juger alors, 17 000 euros à l'extérieur là, fini là, l'acte se lève, on la juge. Monsieur Conmarnan, 17 000 euros. Ah, Conmarnan, King Con, l'Irlandais, toujours à l'affût des bonnes affaires, qui vient d'acheter donc cette fille de Wootton Bassett pour 17 000 euros. C'est une fille de Sashburn et Flower War. Jolie pouliche ici de Sagerberg, une fille de Watchand, et ceci elle-même de la grand-mère par Happy Indy. Et celle dans le catalogue, très bien née. Famille Motorsport, là aussi, quand il retourne, débute à 5000, allons-y, qui a 5000, 5000, la fille de Sagerberg ici à 5000, à 5000, excellent Sagerberg, allons-y, les enchères, à 5000, la paire de Passageberg, Plasberg aussi à 5000, 3000, alors qui a 3000, à 3000, mettez vos enchères maintenant à 3000, qui a 3000, qui a capable, à 3000, la seule par Sagerberg dans le catalogue, à 3000, voulez-vous maintenant à 3000, toutes les mains devraient s'élever vraiment ici, à 3000, c'est pas cher du tout, quand même, à 3000, vous débutez maintenant à 3000, la paire de Seasage, Passingberg, Peaceberg aussi, à 3000, vainqueur lui-même de Daniel Willenstein à 3000, à 3000, à 3000, placé de Groupe 1 aussi à 3000, à 3000, mettez vos enchères. Mettez... Alors, Sedgeberg, tandis que l'eau précédent était vendu 17 000, donc à Conmarnan. Sedgeberg, et ancien étalon français exporté en Irlande, elle s'appelle First Bond, cette femelle née le 15 février, présentée par le domaine de l'étang. 3000 euros, c'est bien vu. À 3000 euros maintenant, c'est bien vu. Là, maintenant, à 3000, on va juger à 3000 une seule enchère. À 3000 euros, on la juge. Merci, Laurence. À 3000. Le numéro 26 est présenté par Laura de l'Hôtellerie, une pouliche B. Elle est née le 16 février. C'est une fille d'Orpen et flûte divine. Une pouliche ravissante ici de Orpen, une fille de Royal Applause. Elle est déjà sœur d'une gagnante à 2 ans, de vainqueur à 2 ans, au bois d'or. Elle est propre, action fluide, combien de fois on peut débuter, allons-y, 20 000 qui a 20 000, donnez-moi 20 000, 20 000, 10 000 qui a 10 000, donnez-moi 10 000 quelque part. Écoutez, seulement 3 000 euros pour le 25, alors on va passer directement au 26. Une fille d'Orpen et flûte divine. 10 000, 5 000, 5 000, belle. La mère par Royal Applause, sprinter, et flûte divine s'est imposée dans le prix de Lille-Brion à Angers, à l'âge de 2 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour l'instant en tant que poulinière? Ben écoutez, elle a fait un cheval convenable, c'est-à-dire au bois d'or, gagnant à Maison Lafitte, très convenable même, et qui est par Orpen, d'où le fait sans doute qu'on ait ramené Flûte Divine à Orpen. Cette pouliche née le 16 février, dont les enchères montent, puisque nous en sommes déjà à 20 000 euros. L'Orpen ici à 20 000, à 20 000, à 20 000, elle est propre, déjà des vainqueurs du groupe, vainqueurs de 2 ans aussi à 20 000, un voulez-vous, à 21 000, à 21 000, j'ai eu maintenant, à 21, 21, 21, Nathalie, contre le 22, à 22, lentement mais sûrement, à 22 000, à 23, voulez-vous encore maintenant, 22, encore une, à 22 000. À 21 000, l'enchère à gauche là, à 22 000, 21 000, à 22, don't let her go for once, à 20, she's already a sister to a two-year-old winner, à 21 000, à 21 000, c'est sûr, à 22, don't lose her, à 21 000, l'enchère à gauche ici, à 21 000,
We know we liked her. À 21, à 21 000 enchères ici à gauche, à 21 000 là, on bat juste. Ex-23, 2, 22 l'enchère maintenant en 22. Elle a un très bon père des pouliches là, à 23 000 enchères maintenant en 33 000. Attends, la propre sonne gagnante d'un vainqueur à 2 ans, à 23, 4, voulez-vous? À 23, you're so near, you nearly had her. À 23 000, 23, have you got the racing colors already? À 23, just try one more. À 23 000 enchères à gauche ici, à 23, can't wait anymore now. À 21 more, 24, 24 000 enchères maintenant en 24, à 24 000, contre vous, Nathalie, maintenant, c'est mon enchère. 5, 25, 25, if you keep on going, you'll get her. À 25 000, I think, at 25 000, nous sommes. À 25, dernière fois là, à gauche l'enchère, you're gonna leave or go, are you? À 25, 26, 26, 26, l'enchère maintenant en 26, à 26, 26 000, 27, 27, you're on l'enchère maintenant en 25 000, give me 30, would you, sir? À 25 000, non, merci votre aide, à 25 000, merci votre aide encore maintenant, à 27, 27, dernier tour, don't turn your back at me, sir, never does you any good at all. À 27 000, sont maintenant, like the coach, à 25 000, l'enchère maintenant en 25 000, 27 millions, on va juger, rien en face, l'enchère de Nathalie à 27 millions, on la juge. Nathalie, merci beaucoup, 27 000, jolie pouliche. Ah, monsieur Sanchez, merci beaucoup. Le numéro 27 est présenté par le haras de Galouin, 13 Palacios en poulain B, né le 17 février. C'est un fils de Never and Sunday et Fonaba. Pour l'athlétique ici, de la même famille de Boris Deauville, Lois, lucratif, là aussi, on débute à 5 000, allez, voulez-vous, 5 000, qui a 5 000, 3 000, alors qui a 3 000, 3 000 pour débuter très très bas, 3 000, allons-y à 3 000, les enchères, s'il vous plaît, à 3 000, mettez vos enchères, le fils de Never on a Sunday, à 3 000, athlétique aussi, à 3 000, la famille de Boris Deauville, à 3 000, à 3 000, lucratif aussi, à 3 000, Lois, à 3 000, mettez vos enchères, s'il vous plaît, à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, prenez à 3 000, qui a 3 000, donnez-moi 3 000 quelque part, à 3 000, voulez-vous maintenant à 3 millions, mesdames et messieurs, c'est pas cher du tout. Un joli poulain ici à 3 000, mettez vos enchères, à 3 000 euros, à 3 000 c'est bien vu, à 3 000 une seule, voulez-vous? 3 000 euros, l'enchère minimum, à 3 000. Pas de rien nulle part, à 3 000 euros, joli poulain ici à 3 000. Très bonne suite, à 3 000. Dernier tour d'horizon à 3 000 euros, voulez-vous maintenant à 3 000. Dernière fois, dernière chance à 3 000 euros. Non. Le suivant. Le numéro 28 est présenté par le haras des faunes suite à une dissolution d'association. Une pouliche, elle se nomme Eva Bianchop. Elle est B, elle est née le 17 janvier, fille de Captain Chop et Free Track. Charlie Thornton, issue d'une grande souche de 2 ans, famille précoce, elle est sœur de 5 vainqueurs, dont 3 de bonnes gagnantes à 2 ans, Action Chop, Jimmy Chop et d'autres là aussi. Ben, Captain Chop, fils de champion père des 2 ans, Indian Rocket, qui a été 3 victoires de prix Zidane. Deuxième du prix Eclipse aussi, c'est le père de Cap Chop et Défi Chop, qu'on vient en faisant débuter à 5 000. 5 000, voulez-vous, à 5 000, mettez vos enchères, 5 000 pouliches, bien profond ici, à 5 000, 5 000, avec de l'envergure aussi, à 5 000, 5 000, 3 000, alors qu'il y a 3 000, à 3 000 pour débuter, à 3 000, regardez bien là derrière, l'arrière-main là, à 3 000, à 3 000, la pouliche puissante ici, à 3 000, à gauche l'enchère, à 3 000, Nathalie, votre enchère, à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, les hommes, à 3 000, toute la main devrait s'élever à 3 000, 4 000, 4 000, Harvey, votre enchère maintenant à 4 000, à 4 000, la sœur de 5 vainqueurs, à 4 000, donc double actable aussi à 4 000, à 4 000, 4 000, votre enchère Harvey maintenant à 4 000, à 4 000, enchère haut, plus haut en bas, Nathalie, à 4 000, à 4 000, ce qui m'appelle Laura, 5 000, 5 000, le sœur maintenant à 5 000, à 5 000, à 5 000, 6 000, Harvey, à 6 000, 6 000, enchère maintenant à 6 000, à 6 000, la sœur de Action Shop ici à 6 000, à 6 000, à 6 000, à 6 000, enchère 7 000 euros, Nathalie à 7 000, 7 000, la petite fille d'Indian Rock d'ici à 7 000 euros, à 7 000, 7 000, just the one, wasn't Harvey? À 7 000, go on, have another. À 7 000 euros, l'enchère maintenant, 7 000, 8 000, Laura, 8 000, 9 000 euros, Harvey, 9 000 maintenant, 9 000, pas Harvey, toujours maintenant, 9 000, l'enchère en haut, l'un et l'autre, à droite et à gauche là, à 9 000, Lucien, 9 000, à 9 000, toujours l'enchère en haut là, à 9 000 euros maintenant, à 9 000, à 9 000, 9 000, voulez pas mettre 10 000, Nathalie, à 9 000 euros, l'enchère 10 000, 10 000, Lucien, à 10 000 euros, 11 000, 11 000, Harvey didn't get you there, à 11 000, l'enchère à gauche, à Nathalie maintenant, à 11 000, pour là encore Laura, 11 à 12 000, à 12 000, à 12, à droite l'enchère, à 12 000, Nathalie, contre vous,
11, 12, 13 000. 13 000, nous sommes maintenant à 13 000. À 13 000. À 13 000. Regardez comme elle est née. À 13 000. Regardez comme elle est faite aussi. À 13 000. 14 000. 14 000. Toute belle pouliche ici à 14 000. Tu me demandes le prix sont ici aussi à 14 000. À 14 000. 14 000. 14 000. Plus vous là-haut. À 14 000. 15. À 15 000, nous sommes. À 15 000. Laura. Qui m'appelle 16. Le lot 28. Bonjour à toutes et à tous. C'est Loïc. Vous m'avez reconnu peut-être ? Arnaud est allé déjeuner. Nous sommes donc au lot 28. 28, 28. Qu'en est-il de ce lot 28 ? On est déjà à 16 000 euros. Présenté par Alain Chopard, le haras des faunes pour la dissolution d'association. Elle est déjà nommée cette pouliche, elle s'appelle Eva Bien Chop. C'est la propre sœur, la demi-sœur d'Action Chop, de Chop West, de Silver Chop également. Silver Chop qu'on a connu chez François Nicole en obstacle. C'est placé à deux reprises de l'Istud, dans le prix du Cher et le prix Roger de Mieviel. Et sa sœur Action Chop, une fille de Muaymin, avait gagné, elle, le prix Saraka à l'âge de 2 ans. C'est une course sur 1300 mètres. C'est une Istud également. Et cette Eva Bien Chop est une nièce également de Fonce D. Souvenez-vous de cette Fonce D, c'est une pouliche jument grise, Fitzmadoun. C'était placé de l'Istud, troisième de groupe également aux États-Unis. À 20 30, vous l'avez envie, à 20-30, bravo, 30 000. À 30 000, nous sommes dans 30 000, à 30 000, à 30 000, vous avez failli l'avoir là. À 30 000, vous laissez partir pour une seule peut-être. À 20, à 30 000, à 30 000, à 32, 32, 31. À 31 000, nous sommes dans 30 000, cette pouliche précoce ici, à 31 000. La sœur de Saint-Banger, dont trois bonnes gagnantes à 2 ans aussi. À 23, à 32, à 32, à 32, à 32, à... Attendez, c'est 31 000. On est déjà à 31 000. Oui, c'est bien 31 000 pour l'instant pour cette fille de Captain Shop, qui, si je ne m'abuse, est l'un des tops, si ce n'est le top de cette, début de vacation. À 31 000. On la juge. Là, on la remercie beaucoup, 31 000. Place au numéro 29 qui est présenté par le Haras des Embruns, une pouliche B, née le 20 avril. C'est une fille de Rashaman et Freezing. Oui, les trois quarts sœurs de Paul Harris qui étaient placées l'essai de multiples fois aussi. Les sœurs aussi de Lando Bleu, placées l'essai aussi. Le My Boy Charlie est exporté en Angleterre. Alors c'est Alain Chopard qui signe le bon. Ah, il a peut-être acheté sa part tout simplement. C'est Alain Chopard donc qui signe le bon. Pour solo numéro 28, 31 000 euros. Jolie pouliche qui marche bien. On arrive à petits pas avec ce lot numéro 29, une femelle présentée par le Haras des Embruns. Le Haras des Embruns, c'est Marie Lee Games. Marie Lee Games qui est installée au nord de Nantes. Et beaucoup d'autres, combien votons ici, on débutait 10 000, qui a 10 000, donnez-moi 10 000, quelques barres. C'est elle qui avait notamment vendu l'excellent Punch Nantais à Osarus déjà. C'était pas ses ventes de Yearling de la Test, Punch Nantais était passé aux ventes de novembre, au Lion d'Angers celle-ci. Marie nous présente donc une fille de Rashzaman et de Freezing, une origine verte et mère. Freezing, la mère, a déjà produit l'excellent Polarix, fils de Linamix, qui s'est placé de l'Istud moult reprises. Il est désormais étalon, ce Polarix. Et Polarix fait la monte au Haras de Saint-Roch, chez Denis Bourez, dans l'heure. Alors Freezing a également produit le bon Lando Blue, un fils de Lando, deuxième de l'Istud, quatrième en plein et quatrième du prix Rohan en obstacle. Et si je ne m'abuse, ce Lando Blue était entraîné par Carlos et Yann Lerner. À 17 000 l'enchère, Nathalie maintenant à 17 000, jolie pouliche à 17 000, 20 000, 20 000 l'enchère, à 20 000, nous sommes maintenant à 20 000, la sœur de Polarix ici à 20 000. 6 vainqueurs pour 8 produits en âge de courir pour cette excellente Freezing, une fille de Bering. Et sœur de Goldamix qui avait gagné à l'âge de 2 ans le Critérium de Saint-Cloud. Famille de Libertador qu'on connaît bien dans le sud-ouest, dans le centre-est également. Cheval de l'Istud, la famille de Torrestrella, plus loin sous la quatrième ère Torrestrella. Qui est la mère de Pharma, gagnante de groupe 3. Et d'Intilac, gagnante de groupe 3 également. C'est la famille de l'étalon d'obstacles, Diamond Boy. Qui fait la monte au Haras de la Croissonnet. Henri Alex Pantal, merci beaucoup. Henri Alex Pantal.
20 000 euros. Qui est présenté et élevé par le est-il de notre côté, Henri Alex Mantal? Polish B, elle est née le 23 février par Whipper et Ferdy Wood. Ouais, une fille de Whipper, excellent père des vainqueurs. Surtout des Polish, d'Hold Up. Je pense qu'on va l'apercevoir dans. Peut-être si on peut essayer de bouger la caméra. Ici, bonne souche. Il reste que deux dans le catalogue. Le voilà, Henri Alex Pantal, qui est à gauche de l'écran, félicité et remercié par Marie Lee Games. 5 000, 3 000 alors, qui a 3 000 ? 3 000 pour débuter, allons-y. 3 000, la fille de Whipper, l'excellent Whipper ici à 3 000, la paire de Whisgate à droite en chair, à 3 000 le sang. À 3 000, la sœur déjà de gagnante aussi, à 3 000 de vainqueur aussi, Timmy, Tommy's Boy. À 3 000 le sang maintenant, à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, allons-y les enchères, à 3 000 une seule. À 3 000 le sang maintenant, à 3 000 qui prend le relais, à 3 000 euros, à 3 000 bleus maintenant, à 3 000. Le numéro 30, une fille de Whipper et Firstwood, présentée et élevée au Haras de Clairefontaine. Teddy Poirier et Marie-Laure Collet. C'est les éleveurs de Silverwave gagnant de groupe 1 cette année. Souvenez-vous, c'était dans le Grand Prix de Saint-Cloud et qui a gagné il y a quelques jours à peine, dans un superbe style, le prix Foix. Et qui est en route désormais vers sa deuxième participation au championnat du monde des Pur Sang, tout simplement le prix de l'Arc de Triomphe. Parce que l'an dernier, il avait déjà participé à cette course, Silver Wave, fils de Silver Frost. Et cette année, il peut viser la victoire, puisqu'il a vraiment gagné le prix Foix dans un superbe style. Pour moi, c'était vraiment la meilleure des impressions des préparatoires de l'Arc à Chantilly la semaine passée, dimanche dernier plus précisément. Alors, nous sommes à 7000 euros pour cette fille de Whipper, avec une mère par Mangeux, une grand-mère par Zophanique. La mère a déjà produit un gagnant, c'est Tommy's Boy, fils de Mount Nelson, gagnant à Cholet. C'est une descendante de la multiple gagnante de groupe 1, Bin Pacha. Lauréate des Yorkshire Hawks et lauréate également du prix Vermeil, qui était sponsorisé à l'époque par Trust House Forte, qui sponsorisait également le prix de l'Arc de Triomphe. Une ancienne chaîne d'hôtel. On va juger à 10 000, c'est sûr, 11 000, à 11 000, à 11 000, vraiment lentement, vraiment sûrement, à 11 000, à 11 000, 12 000, à 12 000, à 12 000, à Clovis, s'il vous plaît, quand même, à 12 000, à 12 000, contrôle la Nathalie, à 12 000, Nathalie va tomber maintenant, à 12 000, fini là, à 12 000, on est juge. Laura, merci beaucoup, 12 000. Et c'est parti à 12 000 euros. Qui est présenté par le Haras de Montaigu, lettre de château. Pouliche grise, elle est née le 28 sans janvier. Que ce soit racheté. C'est une fille de Literato et Gelizest. C'est racheté à 12 000 euros, c'est Marie-Laure Collet. La fille de Literato qui arrive devant vous. C'est Marie-Laure Collet qu'on voit, qui se retourne actuellement, qui signe le bon actuellement. L'apparition du catalogue. Du bout du stylo, racheté pour cette fille de Whipper, malheureusement. La fille de Black Tide devant vous, la fille de Literato, Mère Saint-Jovite, une mère qui a 5 vainqueurs. La mère de Dragonade, la famille de Camelot Kitten, tout bon pédigré ici, Literato, le père d'Altérité, Moonline in Paris, à combien de buts-t-on? Allez-y, 15 000 qui démarre les enchères de 15 000, 10 000, 10 000 qui attaque à 10 000, 10 000, allez-y, 5 000 si vous voulez. À 5 000 qui débute les enchères de 5 000, 3 pour les buts 3, 3 qui m'appelle à 3 000, 3 000, 3 000 qui débute, j'ai 3 000, merci. Le Rat de Montaigu nous présente une fille de Literato, un étalon maison, elle est déjà nommée, s'appelle Lettre de Château. Allié de Forien a pris place dans les tribunes, elle est à côté de moi pour suivre donc cette vente. Cette fille de Literato et Gailizest, une jument qui a déjà produit l'excellente Joie d'Argent, placée de Listed dans le prix La Sorellina, et elle vient encore de se placer de Listed il y a quelques jours. Cette Joie d'Argent, une fille de Ken d'Argent qui elle aussi avait été présentée et achetée yearling ici à la test. À 7000 euros, j'ai à 7000 euros l'enchère en face. Maintenant, la mère a déjà produit 5 vainqueurs à 8000 euros. 10 si vous voulez, dans Dragonade gagnant de 9 courses. Et c'est la famille de Bobby Skitten gagnant de groupe 1, gagnant de la Breeders' Cup Sprint. Maintenant, 14, on y revient. La sœur de Joie d'Argent. Beaucoup de black type sous la deuxième et la troisième mère. On trouve un black type pour l'instant sous la première mère, mais la première mère, donc comme je le disais, a déjà produit 5 vainqueurs et pour l'instant on est à 18 000 euros.
Fred Bidder, 20 000 maintenant, on vient à 20 000 euros, à 20 000 euros, 22 000 si vous voulez, 24, si vous voulez, j'ai 22 maintenant, à 22 000 euros si vous voulez, 24 000, qui vous rappelle pour 24 000 euros, je vous entends plus, j'ai 22, à 22 on met les enchères du côté du restaurant, Aliette Faurien, défend son sapouiche également, 24 000 euros avec vous, 24 000 maintenant, 26 si vous voulez, 24 000, j'ai maintenant 24 000, à 24 000, 24 000, à 24 000 euros, à 24 000 euros l'enchère, Laura, votre enchère, 24 000, à 24 000 euros qui continue, allez-y, je vous entends plus, Laetitia, à 24 000, allez-y, à 24 000 euros l'enchère, c'est vous, Laura, pas d'erreur, à 24 000 euros, c'est bien vu. 25 000. À 25 000, d'accord. Christophe Ferland est debout. Est-ce que c'est lui qui met les enchères? À 26 000, ici, 28, si vous voulez, les tout rond, 28, allez-y. J'ai 26 000. À 26 000 euros. À 26 000 euros. Regardez le pédigré, la sorte de joie d'argent, Dragonal, la merde, 5 vainqueurs. Des gagnants à 2 ans, à 26 000 euros, c'est Laura, votre enchère. À 26 000 euros. Très élégante, cette fille de Literato. Elle est assez rassée, proche du sang. À 28 000, allez-y, 30 chiffres rond, Laura. À 30, qui m'appelle pour 30 000. 30, merci. À 30 000, 30 000. À 30 000 euros maintenant, j'ai 30 000. Essayez 32, si vous voulez. À 30 000 euros. À 30 000 euros, c'est Laura, votre enchère de 30 000. À 30 000 euros, le marteau va se lever alors à 30 000. À 30 000, qui m'appelle pour 32, allez-y, je vous entends plus, Laetitia. Essayez 2. Non ? À 30 000 euros le marteau, bien vu. À 30 000 euros, chic pouliche, très 2 ans. À 30 000 euros, la sœur Black Type. À 30 000 euros, le marteau se lève pour vous, Laura. À 30 000 euros, dernier appel. 31, il était temps. À 31, qui continue 32 si vous le voulez. À 31 000, c'est bien vu, l'enchère en face avec vous, Laetitia, à 31 000. À 31 000, le marteau se lève cette fois-ci, bien vu. À 31 000, fini Laura. À 31 000, pas d'erreur. À 31 000... On la juge. Laetitia, 31 000, merci. Le numéro 32 est présenté par le hara de Bois-aux-Proux, appartenant à Daniel Chassagneux. Une pouliche romaneria, elle est belle. Alors, c'est bien Christophe Ferland qui a acheté cette fille de Ken d'Argent. Le voilà, Christophe Ferland. La fille de Torres, la petite fille donc de mon jeu, avec une mère qui a fait 4 vainqueurs ici, Thorez, le père de Hartmel. Christophe Ferrand qui est à la maison. Hein. Nicole Cayenne, la mère qui fait des gagnants. Ce qu'il entraîne ici sur les programmes de la test. La famille d'Astarab, la Zamour, Arzane, tout bon pédigré ici. Des gagnants à 2 ans, 3 ans, à combien débute-t-on les enchères? Chic pouliche, hein. À 5, allez-y, 5, 10 000, 10 000 qui débute, 5, 5 pour m'appeler, 5 000, 5 000, 3, 3, Torres, 3 000, petite fille de mon jeu, 3, merci. À 3 000 euros l'enchère, à 3 000, j'ai maintenant 3 000, 3 000 euros, bien vu, 3 000. À 3 000 euros, une seule enchère pour l'instant, à 3 000, c'est bien vu, c'est votre enchère, Laura, 3 000. À 3 000 euros... Le 32, désormais, une nouvelle pouliche présentée par le hara du Bois-aux-Proux. Cela fait mis Chassagneux, Chassagneux plutôt. À 3 000 euros qui continue, qui va faire dans le Maine-et-Loire. Si vous voulez, à 3 000 euros. Feed Authorized de Galia Iria. La mère avait déjà été élevée par la famille Chassagneux, puisque ses éleveurs donnent le suffixe Iria aux pouliches et le suffixe Carcus aux poulains. 5 000, bien sûr, 5 000, la famille. Elle est déjà nommée ce numéro 32, elle s'appelle Romaneria. Il assure de 4 vainqueurs. À 5 000 euros seulement. À 5 000 euros, dont Azareria, Orcarcus et Romaeria qui chacun ont gagné 5 courses. De même que Copida Carcus qui est lui gagnant de 3 courses. À 7 000 euros, j'ai maintenant la fille d'Autorize. Famille d'Astarabad sous la 3e ère et d'Arzamour également. 8 Laura pour vous, vous trouvez à 8 000 bien sûr. Origine à quand ? Appelez-moi pour 10 000. À 9 000 euros. À 9 000 euros l'enchère qui veut 10. Si vous voulez 10 maintenant, allez-y. À 9 000 euros, c'est bien vu. Laura, votre enchère. À 9 000 euros qui continue, Laetitia, je vous entends parler, allez-y, 9 000, à 9 000 euros pour vous, Laura, c'est pas d'erreur, à 9 000 euros, pardon, regardez la production de la mer une dernière fois, avant que le marteau tombe, 10 000, merci, à 10 000 maintenant, 10, 12, si vous voulez, 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, bien sûr, 10 000 euros, chic pouliche devant vous, très course, à 10 000 euros, à 10 000 euros, 10 000 euros, 12 000, Mathieu Palussière, Mathieu Palussière qui a mis l'enchère à 12 000 euros, à 12 000 actuellement, euros, la fille de Torres à 12 000, à 12 000 euros, c'est bien vu. Laura, votre enchère. Il la tient, cette enchère. Il est perdu pour l'instant. Il a perdu l'enchère pour l'instant. 13 000. À 13 000. 30 000. À 13 000 euros, c'est bien vu. À 13 000. Alors, à 13 000 euros, dernier appel, dernière chance pour vous, Laura, c'est bien vu. À 13 000 euros, plus d'un dans la salle pour vous, Laura. À 13 000 euros, dernier appel. À 13 000 euros, le marteau se lève. À 13 000 euros.
Alors, est-ce que c'est Mathieu Palussière qui a eu l'enchère? Je ne crois place pas. Place numéro 33. Daniel Allard qui est au téléphone. Du logis, un mâle B à 6000 FR. Il est né le 24 C'est Daniel Allard qui va signer le bon. Proche et Garden City. Il est en compagnie de Franck Turek, joueur du Mont-Germont. Son présent sur Francir. Cet étalon devant vous, là où était débourré, entre autres Punch Nantais. On en parlait tout à l'heure de Punch Nantais. À plus de 70 000 euros de gains. On va le voir dans un instant. Daniel Allard, le voilà qui signe le bon. Et sous la casquette, au milieu de l'écran, c'est Franck Turek, il est débourreur, pré-entraîneur. Deep Impact, le tout au sud de Paris. Impact. Tizona, Jérémy, chez cet homme, voilà Daniel Allard qui reçoit sa coupe de champagne après avoir acheté donc pour 13 000 euros cette fille de Authorized. 5-5, les premières lignes d'un approche devant vous. 8 victoires de groupe, 4 groupes 1 pour l'un approche. Allez-y, 3 000, j'ai l'enchère là-bas, à 3 000 euros maintenant. À 3, 4 maintenant, 4 000 maintenant, Laura, 4 000. 5-5, j'ai maintenant 5 000, 5 000. Un cas tout à fait intéressant en solo numéro 33 qui est présenté par Julian Inch, à du logis. C'est l'unique produit de Town Approach qui est inscrit dans le catalogue, ce numéro 33. Il est né en Angleterre mais assimilé à FR. Mère Garden City était toute bonne. C'était la fille de Majorien, élevée, je crois, par le rat des granges. Alors qu'on entend le tonnerre qui gronde au loin. 18 000 euros. 20 qui m'appelle. D'un approche de 20 000 à 18 000 euros qui m'appelle des 20 et 20 000. Si vous avez jeté un coup d'œil sur la quatrième mer, on retrouve l'immense champion japonais. Sans doute le meilleur cheval de tous les temps. Au pays du soleil levant, c'est Deep Impact. C'est un avion, c'est pas le tonnerre. J'habite pas ici, j'habite pas à la test. Je connais pas. Parce que je vous rappelle, il y a un aéroport juste à côté de. Un aérodrome plutôt, juste à côté de l'hippodrome. Au loin, j'aperçois un hélicoptère également. À 32 000 euros, déjà à 4 000 maintenant pour ce fils de Down Approach. C'est la famille de Talismatic qui court cet après-midi dans une qui est engagée dans une liste cet après-midi. 35 000 euros, j'ai l'enchère 36 si vous voulez 35 000 l'enchère avec John à 35 000 euros. Don Approach 35 000 euros, Mère Black Tag à 36 000 à 36 000 euros pour aller à 40 qui m'appelle à 36 000 euros l'enchère en face à 36 000 euros 38 38,000 à 38 000 à 38 000 euros. Who called me for 40,000 à 38 000 euros, c'est bien vu. À 38 000 euros, John, votre enchère à 38 000 euros, c'est bien vu. 40 000. 40,000 now. 40 000 euros. À 40 000 euros, j'ai donné l'approche, le seul de la vente. The only one on the sale. 40,000. À 40 000 euros, c'est bien vu. 40 000 euros. Votre enchère en face, Laurence. À 40 000. Who tried for 42,000? À 40 000 euros. À 40 000 euros, l'enchère est en face. Bien vu. À 40 000 euros, pas d'erreur. À 40 000 euros avec une mère Black Tab, c'est la famille de Deep Impact Magic Mission. À 40 000 euros. Votre enchère en face, Laurence. À 40 000 euros. On adjuge. Laurence, 40 000, merci. Le numéro 34, présenté par le rat de Cordel, présenté par Ludovic Picard. C'est un mâle B, né le 7 avril, un fils d'Orpen et Joedja. 40 000 euros pour l'unique produit de Down Approach inscrit au catalogue. C'est actuellement le top price de cet début de vacation. Le fils d'Orpen est talon. Et on va sur une jument voir. Confirmée. Et voici le produit de l'acheteur dans un instant. Qui a produit Makissa. 3 victoires de 2 à 3 ans. 3e de Listed. Le père de Feeling the Race, Orpen, Vorda, War Artist. Propre faire, pardon, de Cesaro. Gagnant, donc propre faire de gagnant devant vous. C'est John Davis qui signe le bon. 10 000 qui débute, 10 000 euros, 8 qui m'appelle, 8 000. Oui. Chic Poulain, 8 000 euros, 5 qui débute, 3. Alors 3 000. Instant. À 3 000 euros qui m'appelle, 3. 3 000 euros qui débute les enchères de 3 000. Orpen, étalon confirmé, 3 000 pour aller au cours. Chic Poulain, très courte. À 3 000, j'ai Laurence, votre enchère. Je n'ai aucun mérite, je lis tout simplement ce que. À 3 000 euros, mère produit Black Type, 3 000 euros. Très bonne famille, Victorina Rosso, 4 000 maintenant. À 4 000, j'ai maintenant 4 000, propre sœur, 5 000.
5000 euros. À 5000 euros, professeur de Black Tap, la mère à 5000 euros. 6, on y revient maintenant. À 6000 euros. À 6000 euros. Tout mon pédigré, famille de passionnariat. À 6000 euros. À 6000 euros maintenant. 7, si vous voulez, 6000, 7000. Merci Laurence. À 7000 euros. En face de moi, l'enchère de 7000. Mr. Davis, may we have your action? À 7000 euros, l'enchère est en face. Is that your first? Is that your first buy here in Arcan? Si vous voulez, à 7000 euros hors peine. À 7000 euros, talent confirmé, le père. Thank you, thank you. À 7000 euros, l'enchère est en face. C'est bien vu, Laurence. 8000. Delighted, qui est ravi d'avoir eu cette ce fils plutôt de Down Approach. On revient maintenant pour vous, 10000, 10000 dans les 10000, 12000. Il s'en va pour. Laurence, on vient avec vous à 14. À 14000. À 14000. Pourra faire sans doute. 14, qui m'appelle? Fresh Bidder, 16 000. À 16 000 euros. En fait, c'est l'actuel top price à 40 000 euros. À 18 000 euros. Sur le Bidouet, ça va 18 000, 18 000. Bonjour. À 18 000 euros, qui 20 pour 20, chiffre rond 20, qui m'appelle pour 20 000, allez-y. Nathalie, continuez. À 18 000 euros. À 18 000 euros, tout de même 18 000, 20, si vous voulez 20, 20. Merci, Laura, on vient avec vous avec 20 000. 20 000, open 20 000. À 20 000. À 20 000 euros, mère qui produit une sœur de Black Type à 20 000 euros. À 20 000 euros, toute bonne pédigrée. Sœur de Black Type, un frère plutôt de Black Type, ce numéro 34, présenté par Ludovic Picard, de Cordel, c'est le frère de Maquisard. Maquisard, un très bon fils de Cricadoir, gagnant 2-3 courses plutôt, et troisième du prix Camille Dubos. Le prix Camille Dubos, c'est une listote qui se dispute à Pau, bien sûr, pour la génération des 4 ans. C'est la famille de Rouy, c'est un cousin exactement de Rouy, ce lot numéro 34. Rouy qui avait remporté le prix Noailles. Un vrai poulain de course. Il est entraîné par Jean-Claude Roger. C'est le cousin également de Victorina. Victorina, gagnante du prix de la pépinière. À 24 000 et d'une autre gagnante de listed, c'est Wavenella. Wavenella plutôt. Qui est aussi à gagner listed. À 25 000. À 27 000 euros, chic poulain, 25 000. À 25 000 euros, très 2 ans. À 25 000 euros, précoce. À 25 000 euros, votre enchère, Nathalie, Laura, terminée. À 25 000 euros, le marteau se lève dernière fois. À 25 000 euros, Nathalie. À 25 000 euros, on la juge. Nathalie, 25 000, merci. Christian Delcher-Sanchez, merci beaucoup. 25 000 euros. Le numéro 35, vous avez entendu le nom de l'acheteur, c'est Christian Delcher Sanchez. Il s'agit d'un poulain B né le 14 février par My Boy Charlie et Famous Portrait. Le fils du crack étalon My Boy Charlie, la mère Kendor, super père le maire, ici tout bon croisement. C'est le premier. On va suivre la boîte, si on va apercevoir Christian. La révélation de l'année, My Boy Charlie, deuxième tête de l'aise de la production gagnante 2 ans. Christian Delcher qu'on voit de dos. 10 000 qui débute très 2 ans. Chic poulain ici. 10 000 qui m'appelle. 10 000, 10 000, 10 000 euros. 10, 5, 5 pour David. 5 000. My Boy Charlie, 5 000. À 5 000 euros, chic. À 5 000 euros, 3. 3 qui démarre, 3 000. 3 000 euros, 3 000 euros. Bon marcheur, à 3 000. J'ai bien entendu, oui, effectivement. Un fils de My Boy Charlie présenté par le Rat des Loges. À 3 000. 3, j'ai maintenant Laurent. Avec une mère par Kendor, une grand-mère par Vettori. À 5 000 euros. À 5 000 euros. My Boy Charlie qui réalise vraiment une super saison. Si vous voulez, 6 000. Allez-y, Laura, 6 000. Bien maintenant, Steve. C'est le père de Shekel Jacques. Charlie, gagnant du prix Jebel. À 6 000 euros, 7, maintenant 8 000. À 8 000. Et samedi dernier, My Boy Charlie a sorti un nouveau vainqueur de groupe. C'était à l'Epperson, avec un cheval né élevé en France. Il y aura d'ailleurs dans quelques heures un article sur Francier qui va sortir retraçant l'histoire de ce poulain. Il s'appelle Landfall, qui a été élevé dans le Lot, je crois bien, si mes souvenirs sont bons, par un agent de la DDE. À 18 000 euros, superbe histoire pour ce fils de My Boy Charlie. Donc, c'est Laura, votre enchère de 18 000. À 18 000 euros. 18 000 euros. 18,000 only on the left. À 18 000 euros. À 18 000 euros, l'enchère est à droite, c'est bien vu. À 18 000 euros, pas d'erreur. À 18 000 euros, réessayez Laurence une dernière fois, chiffre rond 20. À 18 000 euros, le fils de My Boy Charlie, talon ultra confirmé, la révélation de l'année. À 18 000 euros, bien vu. À 18 000 euros, Laura, votre enchère, le marteau se lève. À 18 000 euros, terminé Laurence, rien à gauche. À 18 000 euros, on la juge. Laura, à 18 000, merci. Le c'est 36, c'est devant nous, je vois Yann Anami, c'est le vendeur. Le 20 mars par Elusive City et Golden Gleam. À Rat des Loges. À noter que dans la première mère, Lady Violet compte une place supplémentaire. La sœur s'est placée donc depuis la. Alors où va la boîte?
le fils de Lucif City. Non, c'est Pierre Boulard. Pierre Boulard qui signe le bon donc à 18 000 euros pour ce fils de My Boy Charlie. River Boho et bien d'autres. Le gagnant de la plus essayée pouliche est Lucif Wave, rappelé, la mère par acclamation. La famille de Real Look Sainte-Marine, Reply, combien débutons les enchères? Guillaume Garçon s'est installé à côté de moi pour suivre la vente du numéro 36. 5-5, il débute les enchères de 5-5-5. Le bras de l'hôtellerie, donc, qui nous présente ce fils des Elusive City et de Golden Gleam. C'est le deuxième, troisième produit d'une mère fille de d'Acclamation. C'est la sœur de Roscoff, l'excellente Roscoff, pardon. C'est également la famille de Sainte-Marine, Capcos, Reply, également des Reply. On va voir les premiers replays, on va les voir aujourd'hui puisque les premiers sont Yearling, un étalon qui fait la monte au Radek Mort. Elusive City, 10 000 seulement. Radek Mort, c'est bien sûr la famille Frémio, située dans les Graves, à côté de Bordeaux. Allez, on est à 10 000 euros pour cette fille, d'Elusive City. 12 000 euros. À 12 000 maintenant la famille. Un cousin de Hero Look également, fils de l'OP des Vegas. À 14 000. Je crois avait apporté un premier groupe, un premier succès de groupe à l'étalon l'OPD Vega. Il avait gagné le Grand Critérium à Milan, un groupe 2. Ensuite, il a été exporté à Hong Kong, ce Hero Look. À 18 000 euros, l'enchère est à droite, c'est bien vu, Laura, votre enchère. À 18 000 euros, allez-y, bien vu en face, allez-y, Laurence, pour 20 000 si vous le voulez. À 18 000 euros, l'enchère à droite. Le restaurant est encore bien rempli. À 18 000 euros l'enchère, à 18 000 euros talon ultra confirmé, le cheval de course ici devant vous, à 18 000 euros le marteau va se lever, à 18 000 euros lance, je vous entends plus. Essayez 20 000, 19. À 18 000 euros l'enchère est à droite pour vous Laura. La voilà Laura. À 18 000 euros c'est bien vu, alors le marteau se lève, à 18 000 euros terminé en face, pas de regret, à 18 000 euros bien vu. À 18 000 euros. Laura, votre enchère. À 18 000. On la juge. Laura, à 18 000, merci. Le numéro 37 est présenté par HSV Agency à Rade Saint-Vincent. 18 000 euros. Sans sous le teint, malgré ça va être racheté, malheureusement. Mars par Tin Horse et Golden Tie. Ce on va voir dans un instant, Guillaume. Guillaume Garçon, le voilà qui va signer. Teen Horse, les premiers deux ans, déjà paire de vainqueurs, nos déchats. La mère Red Ronson, une mère qui est gagnante à deux ans. À combien débutons les enchères? Tout bon pédigré de famille Agacan. C'est seulement le deuxième produit de la mère. Sœur qui est gagnante à deux ans aussi. Famille de précoce, très précoce ici. À combien débutons Teen Horse? Allez-y, 5-5, qui débute 5 000 pour aller vite 5 000. À 5 000 euros, Chic Poulain avec une mère gagnante à deux ans. Sœur gagnant à deux ans. À 5 000, qui débute 3 000 euros. À 3 000 euros, j'ai 3 000 maintenant, 3 000. 3 000, on y est maintenant à 3 000 euros. Teen Horse, 3 000 euros. À 3 000 euros, Chic Poulain, 3 000. 3 000 euros, j'ai maintenant 3 000, 4 si vous voulez. À 3 000 euros. À 3 000 euros, 4 qui va peut-être pour 4 000 si vous voulez. 4 000 si vous voulez. À 3 000 euros. À 3 000 euros, qui met les enchères? Allez-y. À 4 000 euros. Allez-y, quoi, allez, 4 000 euros. Le numéro 37. Qui m'appelle, j'ai 3 000. À 3 000 euros. À 3 000 euros, c'est bien vu, à 3 000 euros. À 3 000 euros seulement, à 3 000 euros cheval qui fait précoce, à 3 000 euros. Saint-Soultin, fils de Teen Horse. 4 000, merci. À 4 000 euros. À 4 000. Jeune étalon Teen Horse, fils de Saki avec une mère par Red Ronson. La mère de Saint-Soultin s'appelle Golden Tie. Elle est par Red Ransom et c'est la sœur de Skin Games. Skin Games qui portait la casaque de la marquise de Moratala. Ni à gauche. À 4 000 sous laquelle il a remporté le prix Edmond Blanc ainsi que le Grand Prix de Bordeaux et Teen Horse qui portait également la casaque de la marquise de Moratala. 5 000 euros seulement, le deuxième produit de la mer hein, et le premier gagnant à 5 000 euros seulement. 5 000 euros, à 5 000 euros en cheval précoce, 5 000. À 5 000 euros, c'est bien vu. Laura, votre enchère, à 5 000 euros, le marteau se lève, terminé, ni en face, ni à gauche. À 5 000 euros, bien vu, à 5 000 euros. On la juge, 5 000, Laura, merci. Le numéro 38. Beau cheval pourtant que ce numéro 37. Bon après on n'a pas pu voir tous les chevaux dans le moindre détail. Il y en a 300. Et maintenant on va passer à Positive. Ça c'est un joli nom, une pouliche née le 5 janvier par le Havre. Présenté par Charles Brière de Fairway Consignment, le jeune consigner Charles Brière. La mère est par Gold Away.
La grand-mère par Noble Quest, donc des chevaux bien connus en France. Et c'est une vieille souche française d'ailleurs, plus 16, pardon, puisque c'est celle de Indigène, dont une branche a été exportée en Allemagne avant de revenir en France. Sous Indigène, on trouve les Banus d'Amic, on trouve les Banus de Huy, Brigantin chez Fabre et plus récemment Bâtiron. Bâtiron, l'excellent stayer de Monson, qui est étalon désormais au ras de la Hétraie. Donc pour revenir à la toute proche souche, nous avons Golding Star, donc la Goldaway qui a fait quoi dans sa vie, qui a été deuxième du prix Madame Jo Couturier, une listed, sur l'hippodrome. Allez-y, 15 000, 10 000, 10 000 qui m'appelle. De Vichy. À 10 000 euros. À 10 000 euros qui débute les enchères de 10 000, 10 000 euros. J'ai 10 000. Donc là, une Le Havre, hein, ça devrait se vendre, hein, ça, il n'y a pas de doute. Charles Brière est ici. À 10 000 euros, allez-y. Vient de monter en tribune. Le Havre à 10 000, à 10 000. À 10 000, 10 000, only chic, pouliche avec du bec à 10 000. Avec une mère Black Tap qui produit à 10 000. À 10 000 euros qui continue les enchères de 10 000, 12 000 maintenant. À 14 000, 15 000. Alors. À 14 000 euros maintenant, 14 000, 16 si vous voulez. Donc on va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, le top price est à 40 000, mais je ne sais pas s'il a été racheté ou pas. Si vous voulez 20 maintenant, qui m'appelle pour 20 000 à 18 000 euros. Et donc là, on envisage évidemment qu'on aille dans les mêmes régimes, sinon le dépasser. Mathieu Alex, l'homme du Harad, la Covinière est ici présent. 20 Fresh Builder en face, 20 000, merci. À 20 000 euros, 22 000 euros maintenant, 22 000, j'ai maintenant 22 000 euros avec vous, l'enchère de 22 000. À 22 000 euros, 25 000 maintenant, à 25 000 euros, à 25 000 euros qui connaît les enchères de 26, maintenant 28, 30 000, à 30 000, merci, 30 000, on y est à 30 000, à 30 000 euros, 35, si vous voulez, 35 000, à 30 000 euros qui m'appelle pour 35 000, merci, à 35 000, on y est, à 35 000 euros qui m'appelle 40, si vous voulez, 40. 40 000, voilà, donc sans surprise, le top price est largement atteint, il va être dépassé. Ah non, pas encore. Non, non, pop, je m'enflamme un peu. Nous en sommes à 35 000 euros. 35 000 euros, si vous voulez, qui m'appelle à 38, si vous voulez. À 35 000 euros, le 35 000 euros. La Cressonnière, mère Black Type, à 35 000 euros. Tête de liste des étalons, Le Havre, à 35 000 euros. À 35 000 euros, l'enchère est en face, c'est bien vu. À 35 000 euros, Laurence, votre enchère. À Laetitia, pardon. À 35 000 euros, 38 000, j'ai maintenant 38 000. À 38 000 euros. À 38 000 euros, maintenant 40, on y revient à 40. 40 000. Voilà, 40 000. 42. Il y a un petit temps mort, mais on est reparti. 42 000, Nathalie, à c'est bon. 42 000 euros, merci. Le top price. Là, ici, Mathieu Alex, qu'on voit ici, et Sylvain Vidal, les deux hommes du Haras de la Covinière. Alors, mettent-ils des enchères parce qu'ils ont pour habitude de soutenir fortement leurs chevaux? 48, 50, à 50 000, à 50 000. Ah, attention, mesdames, messieurs, nous en sommes à 50 000 euros. 50 000 euros, vendre en chère, 55 000. C'est pas fini. Alors, est-ce que nous avons Tony Ford? Est-ce que nous avons Christophe Ferland? Est-ce que nous avons. À 55 000 euros, à 55 000 euros. Michel Chéneau, nous en sommes à 55 000 euros. Est-ce que nous avons Alban, je crois, Chevalier Dufaux? 55 000 euros, allez-y, Nathalie, essayez, continuez. Avec Laurent Benoît de Brodeurs Agency. Là-haut, à droite, pas d'erreur. À 55 000 euros. À 55 000 euros, c'est là. À 50... Nathalie 60 000. Ah, carrément de l'autre côté des tribunes, on vient de réagir à 60 000 euros. À 60 000, un vrai pédigré, tout bon pédigré lourd. À 60 000 euros, une femelle. À 65 000, on y revient en face. À 65 000. C'est reparti. Laurent Benoît, Brodeur Stade Gentil, à 65 000 euros. Est-ce qu'on va avoir désormais une enchère à 70 000 euros? Bien vu l'enchère en face, 70 000. Maintenant, on y revient avec Laura, 70 000. À 70 000, on va l'enquiller sous Colémy 35. À 70 000, j'ai l'enchère avec vous, Laura, c'est bien vu, 70 000. À 70 000 euros, l'enchère, c'est là. À 70 000 euros, Le Havre, tête d'élite, 70 000 euros. À 70 000 euros. À 75, 72 000. À 75, on y revient. À 75 000, merci. À 75 000 euros, l'enchère et Nathalie à gauche, c'est bien vu, 75 000 euros qui m'appelle pour 80 si vous voulez. À 80 000, si vous voulez. Alors, regardez, on voit la plastique. La plastique très favorable de cette fille de Le Havre qui est très très signée de son père, les Netto en plus le 5 janvier. 80 000 euros les yeux. Alors là on rigole plus. Là on ne rigole plus du tout pour cette famille très vivante. Le Havre, la mer par Goldaway, jeune 1, 2, 3, 4e produit de la mer, 6e produit de la mer. La mer placée de Listed en France. Présenté par Fairway Consignment. Je pense que Fairway Consignment, Charles Brière doit être très très content. J'essaierai de le voir juste après la vente. Nathalie, vous allez laisser partir pour 5 000. À 80 000 euros, l'enchère est à droite. Alors attention, le marteau se lève. Mais va-t-il tomber? C'est la question. Terminé à gauche, à 80 000. Le fille de Le Havre, à 80 000 euros. Le marteau se lève, bien vu. Attention, on prend un petit peu son temps, bien sûr. Qui m'a appelé? Non. À 80 000, c'est bien vu. À 80 000, c'est là. À 80 000, Laura, à 80 000, on adjuge.
Laura, votre enchère. Et c'est adjugé, bravo Laurent Benoît et Alban Chevalier Dufaux. Laurent Benoît et Alban Chevalier Dufaux. Chevalier Dufaux, Laurent Benoît, c'est Brother Sergeant-C. Alban Chevalier Dufaux, c'est The Channel Consignment qu'on voit ici. Qu'on voit ici. Et voilà, tout sourire. George Vancouver et Got Rised. En train de signer le bulletin. Lauréat, effectivement, à 80 000 euros. C'est le premier produit de la mer. Très, très beau poulain. Les premiers yearlings cette année de George Vancouver. Pour Laurent Benoît, qui est en train de signer le bulletin. Et Alban Chevalier Dufaux, qui est tout sourire. Très court, très deux ans, si vous voulez, vu au box. Magnifique poulain. La famille de Goldstein. On allait s'occuper de leurs petites affaires. On ira les voir tout à l'heure. Débutons les enchères, allez-y. 10 000, 5, 5, qui débute 5, 3, démarre pour aller vite à 3 000. Un chic poulain. George Vancouver, à 3 000, qui démarre à 3 000. La famille de Goldstein, 3 000, 3 000. À 3 000, qui m'appelle à 3 000, qui débarre les enchères à 3 000. J'ai merci à 3 000 euros. À 3 000 euros, l'enchère est pour nous. Charles Brière est ici, rejoint. Il rejoint les acheteurs. À 4 000 euros, un chic poulain, 2 ans, 5, maintenant 6 000. À 6 000 euros, l'enchère est de Nathalie, 6 000, 6 000, 7 si vous le voulez. À 6 000 euros, 7 000, voilà donc. Merci. À 8 000, Fresh Beater qui m'appelle. Harry. Donc c'est la première fois que Laurent Benoît vient sur ce ring. Et Charles Brière, bien sûr, il est content. Charles, on va l'interviewer, Charles. Allez, viens. Ah, on va l'interviewer. 14 000 euros, l'enchère de 14 000 euros. Voilà, well done. Félicité par les acheteurs ici, juste derrière nous. Charles Brière, un jeune consigneur qui fait tomber le marteau à 80 000 euros, Charles. Alors, première question, on va se reculer un petit peu parce que sinon on est trop près de la caméra. Viens, viens, viens avec moi. Alors, première question, est-ce que c'est ton top price, Charles? Ça va être mon top price, c'est le top price de la vente aussi. Mais le tien à titre personnel? Non, j'en ai fait un l'an dernier, Arcana, qui a fait 105 000. À 16 000. Mais là, ici, sur ce ring, faire 80 000, c'est une belle performance. Très content, on était venu avec deux poulains l'an dernier, on avait vendu un 40 000 à Motivator. Là, je viens avec 12 poulains cette année. Et voilà, un mauvais niveau. Assez content du premier résultat, il faut continuer comme ça pour les 11 prochains. Un petit mot sur l'historique de Positive. Très belle jument, qui a beaucoup de time et qui marchait vraiment bien. Comme ça veut dire, le Havre, c'est le crack étalon en ce moment. À 18 000 euros. Pourquoi avoir choisi de l'amener ici, sur ce ring d'Osarus? Rien à droite. C'est une très bonne vente ici, il y a toujours des bons acheteurs, l'an dernier c'était bien passé. Donc, à 18 000 euros, c'est bien vu. C'est bien d'amener des chevaux qui sortent du lot ici le marteau aussi. Peut se lever cette fois-ci, Laura, voilà. Terminé. Fairway Consignment, on le rappelle, qui est installé depuis L'an dernier, c'est dans ma deuxième année. C'est là. Bah voilà, bravo, à 80 000 euros. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Bravo Charles. On adjuge, Nathalie, votre enchère, 18 000, merci. Le numéro 40 est présenté. Alors du coup, 18 000 euros pour le numéro 39. Got Awan, le fils de George Vancouver. Ah tiens, maintenant Rock of Gibraltar. Tiens, tiens, c'est marrant. Présenté par J.K. Thorbred. Je ne sais pas si c'est John Kennedy. Et donc c'est une, quoi? C'est une nièce de... Pardon. Pardon, excusez-moi. C'est un neveu de Palodio et c'est un frère de La Cumbia. 5 victoires et plus de 39 000 euros gains à la famille de Paolillo. Que j'avais acheté 1500 euros en fin de carrière à Osarus, Lyon-Angers, mais ça m'a pas réussi. Bref, ça arrive. De plus multiples gagnants de groupe 1. Donc Palodio, quoi? Palodio, il a gagné la Coupe de Maison Lafitte, groupe 3, où il a aussi gagné le Grand Prix de Cagnes-sur-Mer, c'est-à-dire le Grand Prix de la Riviera Côte d'Azur, la famille de Sureblade. Donc un fils de du très très confirmé, Rock of Gibraltar. Et il est né le 6 avril. Alors il est né en Irlande, mais hein, on précise qu'il est bel et bien assimilé FR. 5 000 avec une mère qui fait des gagnants. À 5 000 euros la famille Paolido Family. À 5 000 euros Guy Lucie, si vous voulez. À 5 000 euros une Zucis, j'ai maintenant 6 000. 6 000, 5 à 6 000. À 6 000 euros, 6, 7, maintenant on y revient. 7 000, maintenant 8, si vous voulez, 8 000 maintenant. À 7 000 euros, Rock of Gibraltar, Chic Poulain, 10 000, maintenant 10 000, j'ai. À 10 000 euros, à 10 000 euros, maintenant 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros. À 10 000 euros, Harry, who call me, 10 000 euros. À 10 000, à 10 000 euros, maintenant l'enchère est en bas. 10 000 euros pour vous, Laurence, 10 000. 12, 12, maintenant 12 000, 12 000. À 12 000, 12 000. À 12 000 euros, 12 000 euros. Chic Poulain, nice knife, Colt. À 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros. Alors, Rock of Gibraltar, c'est marrant qu'il n'était pas du tout alezan, mais qui fait pas mal d'alezan, comme ce poulain, et comme un autre rock, fils de Rock of Gibraltar, qui n'est pas sans lui ressembler d'ailleurs, qui est étalon en France, qui s'appelle iRock. Allez-y, qui continue les enchères de 14. Who'll try for 14,000 now? À 12 000 euros, à 12 000 euros. Rock of Gibraltar, mère qui produit les gagnants. À 12 000 euros, le marteau va se lever alors à 12 000. À 12 000, à 12 000 euros, c'est bien vu, 12 000, c'est fini, 14 000 maintenant. À 14 000, 14,000 now. À 14 000, à 16,000 now. À 16 000, à 16 000 euros, Harry, your bid. À 16 000 euros, à 16 000 euros. 15, 18, 15.
15 000. 15 000. À 15 000 now. À 15 000 euros, Harry Obeda, 15 000. À 15 000. À 15 000 euros maintenant, 15 000. 15 000. Rock of Gibraltar, mère qui produit. À 15 000 euros, le père de Moulin Sol, French Gibraltar. À 15 000 euros, un chic poulain très course. A very rain horse. À 15 000 euros, le marteau se lève. 16 000. Fresh Bidder now, 16 000. À 16 000 euros. À 16 000 euros maintenant, chic poulain, 16 000 euros. À 16 000 euros. À 16 000 euros. Harry, who's call me? À 16 000 euros. À 16 000 euros. À 16 000 euros, l'enchère pour vous, Nathalie, à gauche, c'est bien vu. À 16 000 euros, le marteau peut se lever cette fois-ci. À 16 000 euros, c'est là, l'enchère. Nathalie, à 16 000 euros. Bien vu, fini en haut. À 16 000 euros. On a du 16 000, Nathalie, merci. Allez, 16 000 euros, tandis que je vous rappelle que la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est abattue très fort ce matin, enfin ce midi, juste au moment du début de cette vente. C'était un déluge au niveau de la tempête hier soir, mais voilà, là maintenant, ça y est, on est revenu dans le sud-ouest. Même s'il y a des nuages, il y a de la lumière et il ne peut plus. Fuissé. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur Fuissé ? Une qui se présente devant vous. Avec un tout bon prédigré. Tandis que je vous rappelle que le top price a été adjugé il y a quelques instants pour 80 000 euros pour un cheval de la famille de Bâtiron. Qui vont en course, des black type à tous les étages. Mais oui. Ouais, donc Fuissé. Alors Fuissé qui a débuté sa carrière des talons au haras du Kenney, la famille Ed, et qui l'a poursuit au jeu cette année où il est arrivé, début 2016, au haras de Cercy. Donc il est changé de registre, il est arrivé chez les AQPS, il est arrivé chez les chevaux d'obstacle. Mais ce n'est pas une étrangeté pour autant, hein, parce qu'il faut savoir que Fuissé est fils et petit-fils de gagnante à Auteuil. Et que Fuissé, pour ces raisons d'ailleurs, et en fonction de son grand modèle, a saillé beaucoup de d'obstacles, même au haras du Kenney. Il y a beaucoup de gens qui se déplaçaient dans ce haut lieu du plat pour aller chercher les jeunes obstacles de Fuissé. Donc finalement, le cheval est revenu un petit peu dans une deuxième maison, dans le temple du Sceau à Cercy, dans la Nièvre. Ça y est, une soixantaine de juments, si ma mémoire est bonne, cette année. Le 41, donc Fuissé, nous en sommes à 4000 euros. Un croisement typiquement aide, puisque nous avons donc Fuissé, une mère par Péring, patriarche du haras du Kenney, et une grand-mère par Saint-Cyrien qui file la monte aussi de nombreuses années chez Alec Ed, présenté par le rat du Kenney d'ailleurs, cette fille de Grenade. À 5000 euros, chic pédigré, faire une poulinière plus tard. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas drôle pour les vendeurs parce que ce poulain, cette pouliche qui est quand même la sœur de Gotlandia, une Anaba qui a gagné le prix de Saint-Cyr, qui était deuxième de la grotte, ne se vend que 5000 euros. Pourtant, parce que la mère Grenade, elle en a fait d'autres des bons chevaux. Gondolier, Glorieux, Gerboise, mais là non. On a du 5000. Le physique n'est pas très impressionnant, c'est vrai, de cette pouliche alsane née le 15 mars. Alors maintenant, on va passer à Never on Sunday. Tiens donc, présenté par le haras de l'hôtellerie, Never on Sunday, qui fait la monte maintenant au haras des Granges, qui a réussi une première année de 2 ans, il y a 2 ans d'ailleurs, avec une première génération qui avait été faite au haras de l'hôtellerie, qui était pourtant réduite à un nombre assez peu élevé de poulains, moins de 20, qui était né. La mère est par Elusive Quality, grand améliorateur américain. Souche d'ailleurs tout à fait américaine. La mère Groovin High est américaine. Elle est née aux États-Unis, mais elle a fait sa carrière en France. Elle a remporté 4 courses dans le prix d'Orbeck, Deauville. Voilà, alors c'est une bonne jument, la mère. Hein, 47 000 euros de gain. Et c'est le premier produit. Never on Sunday. Ah, un beau cheval, Never on Sunday. C'est vrai qu'il est beau. Ah ouais, j'adore ces chevaux-là. Gris, tacheté, cheval puissant, très signé de son père. Voilà, des chevaux de course. Sunday Race, donc avec une mère qui a 4 victoires, gagnante à 2 ans, et plus de 47 000 euros de gains. C'est le premier produit de la mère. La famille. Il a la même robe que Tinors lorsqu'il courait quand il avait 2 ans. Et quel est le rapport entre les deux? C'est Kendor qui est le père de mère de Never on Sunday et qui est le père de mère de Tinors également. La mère devant vous. À 5000, 3 à 3 qui débute. À 3000, à 3000 euros, 3 à 3 qui débute les enchères de 3000, très 2 ans. À 3000 euros, super épaule cette 2 ans. À 3000 euros, à 3000 euros qui débute. À 3000 euros les enchères Never on Sunday, 3 j'ai maintenant. À 3000 euros c'est en face, c'est Laura Vendrange de 4000, on y est maintenant à 4000. À 4000 euros l'enchère de 4000 euros.
à 4000 euros, 5, j'ai maintenant 5000, 5000 euros, à 5000 euros pour vous, Goudrou, 5000, j'ai maintenant 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, l'enchère à 5000, Laurent, c'est votre enchère, c'est bien vu, 6, on y revient maintenant à 6000, à 6000 euros, l'enchère de 6000, 6000 euros, bien vu, 6000, 6000 euros, à 7000, on revient maintenant à 8, si vous voulez, à 6000 euros, Sunday Break, à 6000 euros, à 6000 euros, Merguez gagnante, 7000, maintenant 7000, votre enchère de 7000, à 7000 euros, à 7000 euros, à Laura, pour vous, contre vous, à 7000 euros. Alors, l'appui revient, mais ce n'est que provisoire. Pendant ce temps-là, nous en sommes à 7000 euros avec Story Begins. C'est un joli nom. Une histoire qui commence, une histoire qui débute. Under the Rain. À 9000 euros, l'enchère est là. À 9000 euros, Never on Sunday. Je vous rappelle que Never on Sunday fait la monte à 2500 euros. Donc là, nous en sommes à quasiment 4 fois le prix de Sailly. À 9000 euros, c'est bien là votre enchère. 10000, on y revient maintenant. 10000, bien sûr. 10000 euros. À 10000 euros. À 10000 euros. Never on Sunday qui produit déjà les gagnants à 9 mois. À 10000 euros seulement, ballon à 10000. À 10000 euros, Laura, votre enchère pour vous et contre vous à 10000. À 10000 euros, le marteau va se lever. À 10000 euros, c'est bien vu, Laura, votre enchère. Rien à gauche, rien en face. À 10000 euros, c'est là. À 10000 euros, le marteau se lève. À 10000 euros, bien vu. À 10000 euros, on adjuge, Laura, 10000, votre enchère, merci. Boat back, le cheval est racheté. Story Begins. De Galois, Broadchurch. Voilà, une histoire qui recommence en fait, parce que ben là, elle n'a pas commencé véritablement. Alors, parce que le cheval va rentrer à la maison. La pouliche va rentrer au haras de l'hôtellerie en Normandie. Alors maintenant, nous avons le haras de Galois, Christophe Jouandou, qui nous présente Broadchurch, une fille de Reply. Alors Reply, on va en parler de Reply, c'est un jeune étalon qui fait la monte au haras d'Aigues-Mortes, fils d'Oasis Dream et Capcause. Capcause, c'est la grande famille Strauss. Reply, un gagnant de l'Istode à 2 ans. Reply, un cheval qui a fait une carrière aussi, bien qu'il fût leader chez Aidan O'Brien, ce qui est quand même une position difficile d'être leader en train de tirer les champions chez Aidan O'Brien. La mère est par Cassic, le cheval français Cassic, enfin il est irlandais mais il a fait le début de sa carrière en France avant de la poursuivre aux États-Unis. Derrière grand-mère, Green Lady. Merci Laura, votre enchère. C'est la souche aussi de Balthazar Gif. Mais je. Ah si, ça y est. À 4 000 euros. À 4 000 euros, Laura, 5, merci. La mère, elle a un nom imprononçable, Gwen Wifar. Elle a gagné à 2 ans à Deauville. À 6 000 euros. Le deuxième produit, le premier, c'est Pampina, une 3 ans par quête d'argent qui n'a pas couru. 7 000, voilà, ça y est, c'est parti. Et 8. À 8 000 euros, maintenant 10, maintenant j'ai 10 000 euros, à 10 000 euros, 10,000 Laura, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, j'ai l'enchère à 10 000 euros avec une mère qui est gagnante, replied, 10 000 euros, a 2-year-old filly, à 10 000 euros, à 10 000 euros qui débute, 10 000 qui coûte, Oasis Dream, à 10 000 euros, à 10 000 euros, la mère par Cassique, Oasis Dream, tout bon croisement, 10 000 euros si vous voulez. Voilà, ce sont les premiers produits de replay qu'on découvre ici sur scène. À 10 000 euros, à 10 000 euros, j'ai l'enchère avec Laura, à 10 000 euros l'enchère, c'est bien vu. À 10 000 euros, c'est là l'enchère avec vous, Laura, pas d'erreur. À 10 000 euros, rien à gauche, plus rien en face. À 10 000 euros, la petite fille d'Oasis Dream, qui est mère gagnante à 2 ans, qui a plus de 35 000 euros de gains, c'est seulement le premier produit, le deuxième produit de la mère, pardon. À 10 000 euros, c'est là l'enchère, Laura, votre enchère. À 10 000 euros, c'est bien vu, à 10 000 euros. Non, c'est Laura. Harvey, finish for you. OK, à 10 000 euros, Laura, on adjuge. Le numéro 43 bis qui a été rajouté au catalogue. Alors, est-ce que le produit à 10 000 euros est vendu? C'est un fils de Jean Van Cooper et Allen. J'essaie de chercher Christophe Jouandou du Rat de Galouin qui rachète à 10 000 euros Broadchurch. Depuis l'apparition du catalogue. Alors maintenant, le 43 bis, donc, qui est un ajout au catalogue, est un fils de Georges Vancouver. Deux victoires depuis l'apparition du catalogue, dont le prix est un fils de Georges Vancouver et Allen par Midian. Midian, donc un cheval de vitesse qui s'est rendu célèbre en France, Midian en étant essentiellement le père de Mythe Danseur, le triple vainqueur du Grand Steeplechase de Paris. Néanmoins, Mythe Danseur était une exception totale dans la production de Mythe Danseur, de Midian, pardon. Mythe Danseur était une exception dans la production de Midian, qui était vraiment un pur cheval de vitesse, qui fit la monte à l'époque, dans les années 90, au haras du Tenem. Georges Vancouver, un précoce. Gagnant de Breeders' Cup Juvenile Turf aux États-Unis avant de revenir en Irlande et puis en France où il a débuté sa carrière d'étalon au haras de la Hetraie. Il y a donc 2 ans, puisque
puisque là c'est la première génération de Georges Vancouver. Un fils de Henry the Navigator. À 6000 euros, à 6000 euros l'enchère, à 6000, 6000 euros, à 8000 maintenant, 8000, 8000 euros maintenant, 8, 10, si vous voulez 10000, 10000 euros, 10000 euros maintenant, 10, 10, 12000, economy for 12, à 10000 euros, à 10000 euros, j'ai l'enchère de 10000, 10000 euros maintenant, 12, si vous voulez 12, à 10000 euros, à 12000, à 12000 euros, 12, 14, 14000, 14000 euros maintenant, 14000, maintenant 16000, 16000 euros bien sûr, 18 si vous voulez, à 16000 euros, à 16000 euros, 18 si vous voulez 18000 euros, à 16000 euros, à 16000 euros, j'ai 16000, 16000, 16000 enchères, Laura pour vous, LCI 18 qui m'appelle, à 16000 euros, à 16000 euros, qui continue les enchères de 16000. Caval doré, Black Tap depuis l'apparition du catalogue. La mère a produit 3 Black Tap, tout mon pédigré, George Vancouver qui fait des magnifiques produits, à 16000 euros. Oui, alors je n'avais pas précisé, excusez-moi, mais le plus important là-dedans, dans ce pédigré, c'est quand même le fait que ce soit la sœur. À 16000, la tante exactement de Caval Doré qui a gagné le prix du Calvados depuis l'apparition du catalogue, cette fille de Sunday Break. Pourquoi la tante? Tout simplement parce que ce poulain est le frère cadet de Sweet Alabama, jument robuste, Enrique gagnant de 4 courses, avant de donner naissance à Caval Doré. Voilà, donc ce poulain est le l'oncle, en fait, voilà, pour être tout à fait précis, de Caval Doré. C'est aussi le frère de Zayad, une pouliche qui était chez Joël Boinard. Très bonne pouliche, Black Type, à plusieurs reprises d'ailleurs. Deuxième du prix Point du Jour à Cran, deuxième du Grand Prix Anjou-Bretagne à Nantes, du prix CRS à Paris, à Maison Lafitte, je crois. C'est là aussi la sœur de. C'est aussi le frère de Winter Spring, qui a été deuxième du De La Hante à Marseille il y a 2 ans, en liste. Voilà, donc un très très joli pédigré ici pour ce fils de Georges Vancouver. À 24 000, si vous voulez, 23 000, à 23 000, à 23 000 euros, 23 000 euros, 24, si vous voulez, quel duel à 24, si vous voulez, à 23 000, à 23 000 euros, 24, merci, j'ai maintenant 20. Voilà, on est parti doucement, mais là quand même, sans surprise, on monte en pression à 24 000 euros pour ce numéro 43 bis. J'ai maintenant 25 000, à 26 000 euros maintenant, 26 000 euros, 27, si vous voulez, 27, hein. À 27 000 si vous voulez, une par une, à 26 000 euros si vous voulez, 26, 27 si vous voulez, à 26 000 euros, Laura, votre enchère pour vous, 26 000, à 27 000, merci, 27 000, 27 000 euros maintenant, à 27 000, 28, j'ai maintenant 28 000, 30, si vous voulez, 30, chiffre rond, 30, allez-y maintenant, demandez les 30, à 28 000 euros, Laura, votre enchère. À 28 000 euros pour aller à 29. Si vous dites 29, on ira à 30. Dites 30. À 30 000. À 30 000, merci. À 30 000 euros, j'ai 29 000. À 29 000, j'aurais essayé à 29 000. À 29, 30. Voilà, je vous l'avais dit à 30. Maintenant, 30 000. À 30 000. À 30 000 euros, 5 si vous l'avez 35. À 30 000, 30,000 only. À 30 000 euros. À 30 000 euros, 1 si vous le try. À 30 000 euros, c'est là l'enchère à 30 000 euros. Pour vous, contre vous, à 30 000 euros. À 30 000 euros, l'enchère est là. Bien vu. À 30 000 euros, George Vancouver. Le frère de Caval Doré à 30 000 euros, c'est là l'enchère. Laura, pas de regret nulle part, à 30 000 euros. Le marteau se lève à 30 000 euros. Laura, regardez-moi, à 30 000 euros, vous avez fait la séparation, à 30 000 euros, on adjuge. Laura, 30 000, merci. Oui, donc les deux enchérisseurs étaient très très proches. Présenté par le pour le 43 bis. Alors, qui est-ce? Bien savoir quand même qui a acheté l'oncle de Caval Doré. B, il est né le 22 avril, c'est un fils de Mouyamine et Halloween Store. C'est qui? Le fils de Mouyamine. C'est un rachat. C'est un rachat? Oui, pardon, 45. Alors, c'est un rachat, effectivement. 45 c'est... qui est présenté par Airway Consignment pour le Hara de Castillon, un mâle B. Xavier Lipince de Dinavena, en fait, qui signe en l'absence des vendeurs, qui sont fait représenter par Xavier qui défendait pour leur compte. Donc, c'est un rachat. Le 43 bis, c'est un rachat. Alors, le 44 n'est pas là. Ok, bon. Donc, on passe directement au 45. Sunday Break, qui est donc le père de Caval Doré dont on vient de parler. À combien débutons les enchères ici? Super pédigré. Allez-y, 10 000 qui m'appelle, 10 000 la famille de Marcelina, Grande Zella, à 10 000, 10 000, 10 000 qui débute, 10 000 euros, 5, 5, 5. À Sunday Break, donc, cheval. Au combien confirmé. La mère, c'est Ambaye. Ah, dites donc, Ambaye, elle a gagné l'Istode en Italie, donc déjà ça c'est bien. Et elle a fait
une gagnante de groupe 1. Oui, vous entendez bien, une gagnante de groupe 1. Marbaille, la Marju qui avait gagné, bon, ça remonte un petit peu, mais la Starté est montée Mossé, je crois. 8 000 euros, maintenant 8 000 euros. Elle a fait plein d'autres chevaux, elle a fait 7 vainqueurs. Bah, quand même, la meilleure, c'était Marbaille. Qui a fait une grande carrière en Italie et qui est venu remporter le prix d'Astarté en France avant que cette épreuve, alors juste après que cette épreuve ait obtenu le label groupe 1, avant c'était un groupe 2, et avant que cette épreuve ne soit renommée le prix Rothschild. 14 000, j'y reviens avec vous à 14 000 maintenant. À 14 000 euros à la tribune de notre enchère, 14 000 now. À 14 000 euros, 16 000 maintenant. À 16 000 euros, si vous voulez, 18, who'll try for 18? 17. 17,000 now, à 17,000, à 17,000 euros, 18,000, à 18,000 euros, on y vient, 20, we'll try for 20,000, à 20,000, si vous voulez, j'ai 18,000 euros maintenant, 18,000 euros maintenant, 18,000, 20,000, à 20,000, we get it now, à 20,000 euros, à 20,000 euros, j'ai maintenant 20,000 euros. C'est... Voilà, donc c'est présenté par Fairwork Consignment dont on a parlé tout à l'heure, le hara de, le tout jeune consignment de Charles Brière pour le compte du hara des Castillons, c'est-à-dire Benoît Geffrey. À 22 000 euros, Ronnie's à 22 000 euros. À 22 lui est par ailleurs directeur du Radboukto. Et les deux hommes sont là d'ailleurs, on les voit. Charles Brière et Benoît Geffroy. 23 000 euros. On les voit. 25 now. À 25 000 euros, j'ai maintenant 25 000. 25 000 euros, j'ai maintenant 25 000. Et voilà, Charles Brière à gauche et Benoît Geffroy à droite sous la casquette. Donc ils sont les vendeurs de ce lot. 25 000 on the left. À 26 now, à 26 000, 26 000 euros, 28, si vous voulez, Nathalie, je vous entends plus, 28, à 28,000, 30, who try now, à 16, 28 000, à 28 000 euros maintenant, 28 000, à 28 000 euros, l'enchère est à gauche, Nathalie, your bid, 28,000 now, à 28, 30,000, thanks, 30 000. Alors, 30 000. À 30 000 euros, j'ai maintenant 30 000. Ah oui, bah 30 000, hein, quand même, ça monte gentiment, c'est normal. Sunday Break, toujours très présent. Voilà, Benoît Geffroy qui est accompagné de son frère, d'ailleurs, Thomas. À 32 000 euros, regardez le pédigré. Nice pédigré, beautiful pédigré. Beautiful two-year-old now. À 32 000 euros l'enchère en Nathalie, 32 000 on the left. À 32,000 on the left. À 32 000 euros, who tries 35 000? À 32 000 à gauche. À 32 000 euros, 33. À 33 000, à 33 000 l'enchère maintenant, 33, à 33 000, à 33 000 euros, 34 000, à 34 000, j'ai maintenant, vous voyez, 35, à 34 000 euros, j'ai maintenant 34 000, 34 000 euros l'enchère, 34 on the left, à 34 000 euros, 35? 34 now on the left, à 34 000 euros, c'est bien vu, à 34 000 euros, c'est bien vu, Sunday Break, mère gagnante qui produit des gagnants, very, very nice pedigree here, à 34 000 euros l'enchère, 35 000 euros, à 35 000 euros l'enchère à la tribune, à 35 000 euros, 35,000 only now, à 35 000 euros. Ah ouais, ça monte gentiment, on est loin du top price, encore à 80 000 euros, mais en tout cas, Charles Brière, pour l'instant, il a produit, présenté deux produits, 80 et 37, 38 maintenant, et encore, les enchères ne sont pas terminées. À 38 000 euros l'enchère est à gauche, à 38 000 euros, finisher, à 38 000 euros l'enchère est là, à gauche, Nathalie. 40. À 38 000 euros, à gauche l'enchère, le fils de Sunday Break, à 38 000 euros, le marteau se lève, à 38 000 euros, last call, à 38 000 euros, votre enchère, Nathalie, à 38 000, on a juge, 38 000, Nathalie, merci. Voilà, 38 000 euros. Le numéro 46 est présenté par le Hara de la Rivière. Rebel Dream, Polish B, né le 23 mai, fille de Ralsaman et haut la main. Notez que cette pouliche est vendue 100%. Donc 38 000 euros. Elle a été vue marcher au box. La fille de Rajaman qui arrive. Première production Rajaman. Tête de liste. Le fils de Linamix. La pouliche par Rajaman, mère par Bitolo. C'est la sœur de Bienanti. La mère a gagné à 2 ans. Combien pour débuter les enchères? Le 2 ans est placé à plusieurs reprises cette année. Famille bien connue, celle de Arbatax, de Romildo. Alors, 38 000 euros. De Hecto. 38 000 euros. Classique. Combien pour débuter les enchères pour la petite fille de Linamix? Voulez-vous 10, 5, 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
fille de Rajaman, 5000 euros, allons-y, 5000, à 5000 euros, 5000, 5 pour débuter, 5, 3, voulez-vous 3, 3, 3, qui va... Voilà, Sébastien Leforban qui vient de se faire adjuger. Allons-y, pour débuter, 3000. Le lot précédent, le 45, à
38 000 euros. Alors on va essayer de le voir, là il est en accès là, Sébastien Leforban, en tout cas hors de vision de la caméra, on va essayer d'aller le voir tout à l'heure pour l'interviewer. Qui m'appelle pour débuter, 3000 à 3000 euros, c'est vu, il faut débuter 3000, première enchère à 3000, allons-y, l'enchère minimum de 3000 euros, la fille de Rajan est à long tête de liste pour sa première production, à 3000, mettez vos enchères, 3000 à 3000 euros. Donc, tiens, un Raj Saman à 3000 euros seulement, la mère s'appelle Olamin. La mère est par Bitolo. Bitolo, le père du récent vainqueur de l'Iris Saint-Léger pour Willy Mullins, d'ailleurs. Bitolo qui est réputé étalon d'obstacle, mais au départ a été un cheval de plat, bien sûr. 3000 seulement, nous sommes 3000. Le marteau se lève, on va te juger. 3. Laurence, votre enchère, on est d'accord. À 3000, 4000. Fresh bidder, 4000. 4000 euros qui couvrent l'enchère de 4000 contre vous, Laurence. 4000. À 4000 euros, je vais voir à droite, à 4004. À 4000 euros. C'est vous, à 4000, Nathalie, à 4000 euros contre vous, Laurence, à 4000 euros, merci de votre aide, le marteau se lève, dernier appel, pas de regret nulle part, on l'a jugé, 4000, Nathalie. Place au numéro 47 qui est présenté par le Harald de la Haineuve, From Béret, un mâle B, il est né le 29 janvier, c'est un fils de Pedro the Great et Help from Evil. Ben écoutez, c'est un échec pour le 46 Rebel Dream présenté par le Rat de la Rivière. C'est comme ça, ça arrive, plus souvent qu'on ne croit d'ailleurs. Le 47, gagnant de groupe 1, maintenant, s'appelle From Béret, un mâle né le 29 janvier, présenté par le Rat de la Haineuve. C'est son nouvel étalon, son jeune étalon, Pedro The Great, d'ailleurs un fils d'Henri de Navigator, comme Jean-Jean Couvert. Et voilà, c'est le jeune étalon du RAD 9, Pedro The Great, sa première génération de Yearling. Et la première mère s'appelle Elf from Heaven, deuxième du prix Zedan, Listed. Elle a déjà produit 4 bérets. Un cheval tout à fait convenable, qui a gagné. Et Dire Béret, une 3 ans, qui a pris plusieurs places. C'est le quatrième produit de cette pouliche, de cette mère, pardon, issue de la souche de Spirito del Vento, Evans Commande et Porto Varas. 5000 euros, 5000. À 5000 euros qui couvre l'enchère de 5000. Allons-y, mettez vos enchères. 6 à gauche, 6. À 6000 euros, l'enchère est à gauche. 7 en face de moi, 7000. 7000, Laurence. À 7000 euros qui couvre l'enchère de 7000 euros. Il vaut mieux que ça, ce poulain. 7000, à 7000, 8000. On y revient. Alors nous en sommes au tiers de cette première journée de vente qui comptera 150 lots. Nathalie, toujours à 8000. À 8000 euros, il faut mettre 9 si vous voulez. À 8000, qui met 9 ? À 8000 euros, on met 9, Laurence, à 8000. Que fait-on ? Enchère à gauche. À 8000 euros, Nathalie, votre enchère pour le moment qui prend le relais à 8000. À 8000 euros, et pas à droite non plus, 8. 9. Par mois, Laurence, à 9000. À 9000 euros, okay. 10. 10, fresh bidder, à 10000. Par vous et contre vous, l'enchère. À 10000 euros, vu. À 10000 euros, par vous et contre vous, l'enchère, Laurence, je vous laisse faire. On met 12, messieurs. On essaie 12. Si je vous demande 11 000, Laurence, 10 000 par vous et contre vous, l'enchère, on est d'accord. Je vous laisse faire. 10 000. 10 000 euros. Nathalie, c'est contre vous cette fois. 10 000 euros. L'enchère en face de moi par Laurence. 10 000 euros et rien à droite pour le moment à 10 000. 10 000 euros. Le fils de Pedro de Grette, vous le laissez partir. Votre enchère, Laurence, pas d'erreur. À 10 000 euros. Dernière fois, Nathalie. Terminé. On peut adjuger en face. On adjuge. 10 000, c'est Kevin Borgel, monsieur. C'est Marseille, Marseille qui vient. Là, c'est un achat, Kevin Borgel, le Marseillais qui est à l'autre bout des tribunes, vient d'acheter à 10 000 euros le lot précédent, le 47. Alors maintenant, on va passer à Evasive. Ah, qui ne ressemble pas du tout à son père, celui-là par contre. How intense it is, présenté par le rat de Fergan. La fille des Éric Lemaître. Evasive et Icori Spini par Cosine. Tiens, c'est marrant. Cosine, on le retrouve là, une origine purement américaine. Mais que le propre frère Charles de Kid a gagné depuis la parution du catalogue. Il est gagnant ici même, donc à la test. Et il s'est placé également deuxième du critérium international à Saint-Sébastien fin août. A noter également que Muffinman s'est placé deuxième à Boulin depuis la parution. Mais, alors donc une origine vivante puisque comme vient de le préciser, de le rappeler
notre ami Emmanuel Viau à la tribune, le frère aîné, le propre frère aîné, puisque c'est un fils de Evasive également, qui est âgé de 2 ans, qui s'appelle Charlot the Kid, a gagné sur l'hippodrome de la Teste cet été, depuis donc l'apparition du catalogue, avant de se classer deuxième tout récemment du Critérium International sur l'hippodrome de Saint-Sébastien. Pas le Critérium International de Saint-Cloud, bien entendu, mais sur l'hippodrome de Saint-Sébastien, qui fait courir des bonnes courses de 2 ans. Muffinman s'est placé aussi, c'est l'autre, c'est une sœur aînée de 3 ans. À 3000 euros, la fille Evasive. Par vous, Laurence Lanchère, pas d'erreur pour le moment, à 3000, 4000 par vous, Laurent Lanchère, 4000, à 4000 euros qui couvre l'enchère de 4000, mettez vos enchères s'il vous plaît, 4000 c'est à droite pour le moment, à 4000, Laurence contre vous cette fois-ci à 4000 euros, 5 maintenant, 5000 euros en face de moi, l'enchère, on y revient à 5000 euros, 5, à 5000 euros la file évasive, à 5000, 5, 5, que fait-on Laura, à 5000, 6, à 6000 euros par vous, Laura cette fois-ci à droite, à 6000 euros qui couvre l'enchère de 6000 euros la file évasive, belle pouliche ici à 6000 euros seulement, nous sommes en chair. Vas-y. Alors le rat de Fergan, le rat de Fergan, c'est Éric Lemaître qui est en casquette bleue et en polo bleu et rose au téléphone actuellement. À 7000 euros, la propre sœur d'un bon cheval. Le voici, Éric Lemaître, donc du rat de Fergan en Normandie. À 8000 euros, il faut mettre 10 maintenant. À 18000 seulement, nous sommes 10, c'est fait. À 10000. À 10000 euros en face de moi, l'enchère toujours à 10000, 10. À 10000 euros qui couvre l'enchère de 10000 euros seulement, c'est toujours par vous, Laurence. L'enchère, pas d'erreur, à 10000, 10. À 10000 euros qui couvre l'enchère de 10000 euros contre vous, Laura, cette fois, 11. Laurence, on essaie 12. 12000. Il faut mettre 13, Laura. 12, c'est en face. À 12000 euros, la propre sœur d'un bon cheval qui a gagné ici même, placée d'une belle course en Espagne. À 12000 euros seulement, nous sommes. Laurence, votre enchère. Pas d'erreur. 12000. À 12000 euros qui couvre l'enchère de 12000 euros toujours. Rien à gauche pour le moment à 12000. À 12000 euros, le marteau se lève. Je vais la juger. En face de moi, Laurence, l'enchère. Pas d'erreur. Laura, que fait-on? Merci de votre aide à droite. Laurence, je peux adjuger. Chez vous, pas d'erreur. Rien à gauche. Le marteau se lève. Dernier appel à 12000 euros. Votre enchère en face. Prends la touche. 12000, Laurence. Présenté par le haras du... Bon, 12000 euros pour le 48. Donc ce n'est pas racheté, ça c'est une certitude. Parce que l'enchère, il n'est pas en face du vendeuil. Elle est vendue. Je vous rappelle, chers amis, que ces ventes ici, non, en France, hein, contrairement à des ventes qui se disputent, la plupart des ventes qui se disputent à l'étranger, notamment outre-Manche, n'ont pas de réserve. N'ont pas de réserve, donc se charge au vendeur de défendre sur place ses produits. De Young Tiger, cheval bien connu. La famille maternelle de Fabulous Hostess de Solo, c'est la souche maternelle de Solo. Combien pour débuter les enchères pour cette belle fille de Falco, petite fille de Pivotal, la mère par Achaparal, grand-mère Trampolino, voulez-vous 10 000, à 10 000 euros, la fille de Falco, pardon, à 10 000, 8, 5, voulez-vous 5, 5, 5, à 5 000 euros, voulez-vous 5, 5, 3, voulez-vous 3 pour débuter, allons-y, 3, à 3 000 euros, la fille de Falco, à 3 000, mettez vos enchères, 3, à 3 000 euros, la mère sœur de Young Tiger, à 3 000 euros seulement pour débuter les enchères, 3 000, à 3 000 euros qui m'appelle, mettez vos enchères, Laura l'enchère, 3 000, 4, 4 000 maintenant, 4 000 Laetitia l'enchère, à 4 000, 5 Fresh Bidder, 5 000 Laurence maintenant, à 5 000 euros, une belle pouliche ici à 5 000, une famille bien connue, mère gagnante, à 5 000 euros, 7, 7, 7, 7 000, 7 000, Laetitia, votre enchère toujours à 7 000, à 7 000 euros, que fait-on à 7, 7, à 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7 000 euros, qui met 8, qui m'appelle, allons-y, à 7 000 euros par vous, Laetitia, l'enchère, 7 000, 7, pas d'erreur, 7, à 7 000 euros qui prend le relais à 7 000, à 7 000 euros, Laurence, on met 8, on essaie. Et rien à gauche pour le moment, 7000, à 7000 euros, je vous laisse faire Laurence. 8000 à droite l'enchère, on y revient, 8000, à 8000 euros qui couvre l'enchère de 8000 euros qui prend le relais, il faut mettre 10 maintenant, à 8000 euros, fille de Falco, une vraie belle page ici, à 8000, 8000, l'enchère est à droite toujours à 8000 euros par vous, Laura l'enchère cette fois-ci à 8000, que fait-on, 8000, à 8000 euros qui prend le relais, la mère sœur de Young Tiger, 8000, à 8000 euros l'enchère à droite toujours à 8000 euros le marteau se lève et on va juger Laurence. À droite, l'enchère par vous, Laura, pas d'erreur. Rien à gauche, à 8000 euros seulement. Vous la laissez. 8, 9, 9000. Laetitia, on y revient. 9000. À 9000 euros par vous, Laetitia, l'enchère cette fois. À 9000 euros. Là, l'enchère, 9000. Laetitia, c'est ici, on est d'accord. 9000. À 9000 euros. Cette fois-ci, Laura, c'est contre vous. À 9000 euros, l'enchère par Laetitia et rien à gauche. Dernier appel, on peut adjuger.
Laetitia chez vous l'enchaîne. Alors 9000 euros pour le 49, quel beau département, le Maine-et-Loire. 9000, Laetitia. Chou Wasabi, la Falco. Le numéro 50, Calvadoge, Mal B, il est né le 4 février. C'est un fils de Airship Marshall et il ou elle. Le fils de Airship Marshall. Airship Marshall, le père du gagnant du Grand Prix de Paris cette année. Notamment Winter Tar, placé de l'Istot dans l'Ouest. Et qui a été vendu depuis à Hong Kong, ce fils d'Airship Marshall, gagnant du Grand Prix de Paris sur donc 2400 mètres à 3 ans. Ce qui ne correspond pas trop au profil qui était attendu, une Airship Marshall qui était au départ un pur précoce. Mais bon, comme ça, hein, les chevaux. Hein. Si on savait, Montormel, bien sûr. C'est le père aussi de Rougevoyant, gagnant du prix de Roland de Chambure à 2 ans. Listed. Donc, Airship Marshall, le numéro 50, nous sommes pilotières de cette première journée. Calvadoge, présenté par le Haras d'Elbe. La mère, il ou elle. C'est la famille de Cadox Genworks, dans Cadeau Généreux, c'est une grande famille de vitesse. Yamalak, qui lui était un grand sprinter puisqu'il s'est imposé dans les Nymphor Stakes sur 1000 mètres. À 3000 euros, Laura l'enchère pour le moment à 3000. À 3000 euros qui couvre l'enchère, qui prend le relais. 3000, l'enchère à droite. Laura, c'est chez vous. À 3000 euros qui prend le relais, c'est bien vu, pas de regret. Le marteau se lève, on peut l'adjuger. Le fils de Airship Marshall, petit-fils de Daniel Dancer, la mère par Tiger Hill, pardon, grand-mère par Carrier Leon. À 3000 euros, l'enchère est toujours là. Laura, votre enchère, on est d'accord. À 3000 euros, le marteau se lève, on va l'adjuger, pas de regret. Dernière fois, dernier tour. Laura, à droite, l'enchère. Pas en face, fini à gauche. On la juge. 3000, Laurent. Le numéro 51 est présenté par le Haras de Cordel. Alors, 3000 euros seulement pour le numéro 50. Donc, on va passer sans plus de commentaires au numéro 51. Il y a eu un seul absent depuis le début, d'ailleurs, de cette vente. La mère est une fille de mutative. Après, le 52, ce sera un Wooten Bassett. Mais bon, pour l'instant, focalisons-nous sur ce fils d'Orpen présenté par Ludovic Picard du Haras des Cordelles. La mère est par Mutatir. C'est la famille de Marble Garden, excellent cheval d'obstacle. Mais nous avons aussi des brillants chevaux de plat, bien sûr, dans cette famille, principalement, dont Alzao, qui fut un grand étalon. À Coolmore Stud dans les années 80. 5, le mal d'Orpen, étalon confirmé, très confirmé, 5, 3. Voilà, bien sûr, Orpen, bon, inutile d'y revenir. C'est archi confirmé. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 3 à 3000 euros, 3 à 3000 à droite, 3000 l'aura toujours, 4 maintenant, 4, 4000 euros, 4000 à gauche, l'enchère maintenant, 4000 à 4000 euros qui prend le relais, 4000, bon poulain, bien amené par Orpen, 5 maintenant, à 5000 euros, 5000 euros l'aura, c'est chez vous pour le moment, 5000 à 5000 euros qui prend le relais, 5000 à 5000 euros, enchère à droite, à 5000 euros, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 5 à 5000 euros l'aura, c'est chez vous pour le moment, à 5000. Que fait-on, Nathalie? Contre vous, 6. Orpen, à 6000, à 6000 euros, 7000. Laura, de nouveau chez vous, l'enchère, à 7000. À 7000 euros, le fils de Orpen, à 7000. À 7000 euros, poulain puissant ici, à 7000. Vu, à 7000 euros qui couvre l'enchère de 7000. Laura, toujours chez vous, l'enchère, à 7000. Nathalie, on essaie 8. On essaie 7000 à droite, l'enchère 7. Merci de votre aide, 7000. À 7000 euros, l'enchère est à droite toujours. À 7000 euros, 8000. On y revient, 8000. Il est vraiment très signé, ce fils d'Orpen, puissant. Vous, cette fois-ci, un beau cheval, tandis que vraiment le soleil maintenant refait son apparition. On peut dire que Osarus a de la chance, hein, parce que vu les conditions qui s'annonçaient, c'est-à-dire pluie toute la journée selon la météo. Bon, il a plu à le début de la vente pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, à peine. Voici une demi-heure, trois quarts d'heure quand même. Après, il a pleuvioté. Nathalie, on est d'accord. Mais ça aurait pu être de très très loin, bien pire. Alors que là, bah, c'est vraiment très agréable. On a tombé la veste. Et nous profitons du soleil du sud-ouest, ce qui est sans doute l'un des seuls endroits en France où il fait beau. Mais il faut dire qu'on est près de la côte. Et donc, on est près de la côte. Et donc, ce qui nous permet d'avoir des changements de temps assez rapides, notamment dans le bon sens du terme. Le 52. Est absent, donc c'est le 53. Ah, Hurricane Run, tiens, il n'a pas beaucoup des Hurricane Run, hein, parce que le cheval a perdu sa libido, donc c'est une fameuse histoire, hein, que vous pouvez lire sur France Cire. Il a perdu sa fertilité et sa libido lorsqu'il était à Coolmore. Bon étalon pourtant, cet Hurricane Run. Et en fait, le cheval qui ne pouvait plus être utile, hein, à Coolmore, enfin utile, efficace, on peut pas, à Coolmore, on peut pas se permettre de garder un cheval et de vendre des saillies pour un étalon dont ils ne sont pas sûrs, non seulement qu'il va les remplir, mais même les saillies, les juments. En fait, il a été renvoyé chez son éleveur, et donc ancien propriétaire, à Gestüt à Merland, c'est-à-dire en Allemagne, chez Dietrich von Bötticher.
5 pour débuter les enchères à 5000. Et le cheval est coté dans des conditions beaucoup plus privées. Hein, et il a, on lui laisse beaucoup plus de temps. Voilà, il est vraiment chez lui dans la maison. Il n'a pas de pression. Eh bien, il saillit sa 15, vingtaine de juments. Il remplit ses juments cette année. Là, depuis 2 ans, je crois, avec un run. Nous avons donc ici une fille de Rick and Run et Ilrous Souche du Mézeray, présentée par le Radomel, Hubert Honoré. Que fait-on à 5000 euros? Mettez vos enchères, s'il vous plaît, la fille de Rick and Run. À 5000 euros, enchère à droite, à 5. À 5000 euros par bout, à droite, l'enchère, le roi, pas d'erreur pour le moment, à 5000. Nathalie, contre vous. 5000 à 5000 euros qui couvre l'enchère de 5000 seulement. La fille de Rick and Run, pas de regret. Petite sieste. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, enchère à droite. Laura, c'est chez vous. On est d'accord. 5000 à 5000 euros, l'enchère à droite pour le moment à 5000. Que fait-on, Nathalie? 5000 à droite. Ah ça, j'en profite pour vous dire que ce soir, hein, comme d'habitude, Osarius, qui a le sens de l'accueil, va faire sa soirée au restaurant d'entre-deux-vents. Toujours super sympa, cette soirée. Et puis, la semaine prochaine, il y aura une autre soirée qui sera animée par Francir, cette fois, puisque ce sera le grand show anglo. Il est parti. Du 22 septembre, le grand show anglo, avec une soirée qui se déroule la veille, le 21. À 5000. Animé par, par moi-même. Oui, vous pensez qu'il va revenir? 5000. Alors 4000, on était par vous. Voilà. Nathalie. Avec Paul Coudert à la présidence. Une soirée qui est toujours bien. Et vraiment, je vous invite à venir au grand show anglo. C'est très intéressant de découvrir ces chevaux qui deviennent de plus en plus à la mode, d'ailleurs, avec un marché qui grandit. Donc, nous en sommes à 4000 euros pour la Hurricane Run. Laura. Auquel on reproche sans doute un peu son manque d'os, mais bon, elle est quand même jolie. Elle est grise, pourquoi? Ça, c'est une bonne question, parce que Rick and Run n'est pas gris, le père de mère d'Anneuil n'est pas gris, ainsi que le père de grand-mère Vaglinobre. Dernière fois. Écoutez, je m'interroge. On a dû. 4000, Nathalie. Voilà, voilà. Donc, on passe maintenant au 54. On va retrouver du Rash Saman présenté par le haras de Saint-Vincent. C'est une pouliche. Thierry Dallonga, HSV, Adjancy, une femelle née le 28 avril, qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas grise, puisqu'elle est baie. Baie, donc, non comme son père, non comme son père de mère Fantastic Life, mais plutôt comme son père de grand-mère Zaphonique. Trois fois. La mère a déjà donné 2 vainqueurs avec Kodiak et Master Craftsman, des bons étalons. Et la grand-mère était bonne, hein, Maybe Forever, très grande sprinteuse, lauréate du prix de Saint-Georges sur les 1000 mètres de l'hippodrome de Longchamp. Et c'est aussi la famille de Court Masterpiece, un gagnant de Success State qui est talon. Famille de Crystal Park, Soon, Rumpy Pumpy. Bon, là, ça remonte un petit peu plus loin. 5005, 3, voulez-vous 3000 à 3000 euros, 3, Rajaman, tête de liste à 3000 à 3000 euros qui m'appelle, mettez vos enchères, 3000 à 3000 euros seulement, 3000 à 3000 euros, la fille de Rajaman qui m'appelle, il faut débuter, 3 à 3000 euros, l'enchère minimum de 3000 euros, la mère par Fantastic Lact a produit 2 gagnants déjà à 3000 à 3000 euros qui m'appelle, Rajaman, 3000 à 3000 euros seulement, 3000 à 3000 euros, il faut débuter. 3000, mettez vos enchères, à droite l'enchère, à 3000 euros par vous, Laura, l'enchère, 3, à 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000 euros seulement par vous, Laura, à 3000 euros, qui prend le relais, 3000, fille de Rajaman, étalon tête de liste, à 3000 euros seulement nous sommes, Laura, votre enchère, 3, qui met 4, à 3000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 3, à 3000 euros, 3000, à 3000 euros qui couvre l'enchère. La proche famille du Court Masterpiece à 3000 euros, 4000, on y revient. À 4000 euros par vous et contre vous l'enchère. À 4000 euros Laura chez vous, tout est chez vous, 4000. À 4000 euros qui prend le relais à 4000 vues. À 4000 euros à droite l'enchère de nouveau à 4. À 4000 euros le marteau se lève, bien vu. À 4000 euros la fille de Rajaman. On met 5 quelque part si vous voulez, 4000. À 4000 euros à droite l'enchère par vous et contre vous Laura. Le marteau se lève, on peut la juger. Dernier appel, à 4000. Laura, chez vous, on est d'accord. 4, fini là, pas en face. On la tue. 4000, Laura. 4000 euros pour la fille de Rash Saman. Alors, le Haras des Granges maintenant. Ah, le Haras des Granges, la meilleure cantine du sud-ouest. Et pourtant, qui est une vaste région. Hein. Et là où il y a de la concurrence. Hein. Mais là, franchement, le Haras des Granges, c'est là où il faut s'arrêter pour voir des chevaux et pour. Profiter de la cuisine de Martine. Dabir Sim, c'est le père. Et la mère, elle est par Fusaishi Pegasus, qui lui est américain.
Le voici, le mâle de Dabir Sim, la mère est gagnante. La mère a... Falcon a un destin, hein. Fuzaichi Pegasus, il avait été acheté 4 millions de dollars par monsieur Fusao Segikuchi, un japonais. Et il avait gagné le Kentucky Derby. Après, il est rentré étalon, bien sûr, en grande pompe, ce fils de Mr. Prospector et Angel Fever. C'est devenu un étalon, on va dire, de référence. Même si, à mon avis, il n'a pas non plus fait des grands cracks. Enfin bon, c'est un père de mère tout à fait conséquent. Et d'ailleurs, ici, il nous propose un fils, un petit-fils. 5000 l'aura, c'est chez vous, 5, 6, 6, 6. Né le 2 mars, le père c'est Dabir Sim. Dabir Sim, le champion de 2 ans. Gagnant du Morny, gagnant du prix Jean-Luc Lagardère. Sous l'entraînement de Christophe Ferland, ici même, sur ce qui était entraîné, sur ce centre d'entraînement installé donc dans l'enceinte de l'hippodrome de La Teste. Dabir Sim a commencé la monte en Allemagne et puis après un an ou deux. Deux même d'ailleurs, il est revenu faire la monte en France au Haras de Grand Caen. Le Haras de Grand Caen qui l'avait présenté Yearling aux ventes de Deauville pour le compte de son éleveur Michel Montfort. Vous voyez, c'est une histoire qui, pas qui tourne en rond, mais qui retrouve ses racines. La grand-mère Bigna a gagné, elle, aux États-Unis, un groupe 3, où elle a poursuivi sa carrière après l'avoir commencé en France, où elle avait remporté le prix de Saint-Cyr, Listed, et le prix Isolabella, Listed. Voilà, une vraie bonne jument de course que cette Allemande nommée Bigna. 17, 18, allez, 8 000 euros. Il faut mettre 20, Laura. On essaie 20. 18, 19, pour aller à 20, peut-être. 19, 20, fait 20 000 à droite. À 20 000 euros, 20 000 euros. Alors, à 20 000 euros qui couvre l'enchère. On va profiter du soleil qui est revenu. À 20, 20 000 par vous et contre vous, Laura, l'enchère à 20 000. Bon poulain de Dabir Sim, je le répète, à 20 000. À 20 000 euros, que fait-on? On peut être jugé. On met deux si vous voulez. À 20 000, le marteau se lève, Laura, et on va juger. À 20 000 euros, le fils de Dabir Sim, rien là, pas en face, enchère à droite. Le marteau se lève, on va la juger. Laura, c'est chez vous, on est bien d'accord. Pas de regret. Dernier appel, à 20 000 euros, le marteau se lève. On la juge. 20 000, Laura. Place au numéro 56, qui est présenté par le Haras de Montaigu. Une pouliche B, née le 12 mai. Fille de Literato et Isalou. La fille de Literato qui arrive. Regardez la famille. Regardez la page. Literato. Étalon qui produit. Père de gagnant de groupe. Excellent cheval lui-même. Gagnant de groupe 1 en Angleterre. On s'en rappelle. La mère a produit, je le disais. Mère de plusieurs vainqueurs, c'est la mère de Two Days in Paris, de Moonlight in Paris. Voilà, 20 000 euros, c'est vendu. Combien pour débuter les enchères pour cette belle pouliche par Literato? Je ne le connais pas, il est anglais. Je vais me renseigner dans quelques instants de savoir qui c'est. 20, 15, 10, voulez-vous 10, 10, 10 000, à 10 000 euros, la fille de Literato, 10 000, à 10 000, allons-y, à 10 000, à 10 000 euros. Alors voici le 56, une fille de Literato, en attendant de connaître l'identité de l'acheteur. L'eau précédent à 20 000 euros, donc le 56, une fille de Literato née le 12 mai, la mère par Anthony Wayne, ah, la mère qui a produit hein, Stranger in Paris, 13 victoires et 233 000 euros de gains. Et puis aussi deux black types, c'est-à-dire Two Days in Paris, troisième du Grand Prix de Cran, Listed, et Moonlight in Paris, deuxième du Lyon. Et figurez-vous que Moonlight in Paris, c'est une fille de Literato, c'est donc... la propre sœur aînée de cette pouliche, née assez tardivement, c'est vrai, le 12 mai. 5 000 euros seulement, 7 000, on y revient, 7 000. Qui, pas monte 12... Et mais bon, voilà, nous en sommes à 7 000 euros et... À 7 000 euros, 7, 8, 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, faut mettre 10. À 8 000 euros, qui met 10, 8, 8 000. À 8 000 euros, mettez 10, 8, 10, maintenant, 10 000, à 10 000, Laura l'enchère. À 10 000 euros, par vous et contre vous, Laura, 10 000, 10 000. À 10 000 euros, 12 maintenant, 12 000, 12 000. À 12 000 euros, vaut beaucoup mieux que ça, cette pouliche. 14, 14, 14, 14 000. À 14 000. Federico Barberini, merci. À 16 000, allons-y, 16 000, 16 000, 16 000, 16 000. À 16 000 euros, la fille de littérature. Voilà, donc Federico Barberini qui a... Acheter le lot 55 à 20 000 euros. À 20 000 euros, Moonlight in Paris, 22, 22, 22, 22 000, 22 000 euros à droite. Toujours l'enchère à 22 000, 22, à 22 000, 22 000 euros à
22 000, 22 5 maintenant, 25 000, 25 à 25 000 euros, toujours à droite, l'enchère à 25 000 pour la 8, à 25 000 euros, voulez-vous 28, à 25 000 euros qui m'appelle, 25, 25, 8 maintenant, 28 000, 28 000, à 28 000 euros, une belle pouliche par Literato est alors confirmée, 30. Pour aller à 30, 30 000. Laura, touchez-vous pour depuis un moment. 2 000, 32 000, 32 000, 32 000. À 32 000 euros, toujours à droite, l'enchère à 32. À 32 000 euros, qui met 5. À 32 000 euros, la fille de Literato, 35 000, 35 000, 35 000. À 35 000 euros, 35 000 euros on the right side. À 35 000 euros, 38 maintenant, 38 000. À 38 000 euros, à 38 000 euros, il faut mettre 40. Qui met 40, 38, 40, c'est fait. 40 000. À 40 000 euros, qui met 2. 40, 40, 40. À 40 000. 2 000, fait de nouveau à 42 000. À 42 000 euros, qui prend le relais à 42, faut mettre 5 pour l'avoir, peut-être à 42 000, 42, 42, 42 000 euros, on the right side, 42 000 euros, 42 000 euros par boulot à l'enchère, à 42 000 euros, que fait-on? On met 5, Laura, 42, chez vous l'enchère, pas l'erreur, 42 000. À 42 000 euros, une vraie belle pouliche, une mère qui produit ici, la propre sœur de Moonlight in Paris, Black Type, à 42, nous sommes. 43 3. On essaie. 43 000, allons-y. 43 000. 43 000 euros, Laura, toujours l'enchère. Je vais voir en face. À 43, que fait-on? À 43 000 euros, il faut mettre 5 si vous voulez. À 43, 5, c'est fait. 5, 45 000, 45. À 45 000 euros, à 45 000. Si vous m'appelez pour 6. À 45 000 euros, donc le 56. 45 000 euros, c'est toujours à droite. 45. 45 000 euros. 45 000 euros, vraie belle pouliche par Literato ici, à 45 000 euros par vous et contre vous. Le 56 à 45 000 euros, nous en sommes dans un des plus beaux prix de la journée. Attention, on va adjuger à 45 000 euros Literato. Ah, c'est pas fini, la propre sœur de Moonlight in Paris. Et oui, une Literato qui vient de faire un bon vainqueur d'ailleurs à Paris, la Literato. On va l'adjuger. Les talons, Literato, les talons préférés, il a toujours de Gilles Forien qui a toujours adoré cet étalon. Élevé à Montaigu, qui a couru gagnant des Champions Stakes pour Jean-Claude Rouget. Une de ses, je ne sais pas si ce n'est pas sa première victoire de groupe 1 à l'étranger, en tout cas sa première grande, grande victoire de groupe 1 à l'étranger à Jean-Claude Rouget, vainqueur des Champions Stakes avant de revenir faire la monte à Montaigu. Et on monte, on monte, on monte à 48 000 euros. Nous avons ici Paul Basquin qui est en train de faire monter les enchères, si je ne m'abuse. Très belle pouliche, bien née, elle a vraiment de l'expression. Nous en sommes à 48 000 euros. Rien ici. À 48 000 euros, le marteau se lève. Laura, je vais la juger. La fille de Literato à 48 000 euros. Pas de regain nulle part. À 48. Laura, c'est chez vous. Le marteau se lève. On met 50 si vous voulez. Dernier appel. Last time. Last call. On a touché. 48 000 euros. Laura, chez vous l'enchère. Merci. Merci à droite, par ailleurs, pour votre aide. Alors, je ne sais pas qui était contre lui, mais je ne crois pas faire d'erreur en disant que c'est Paul Basquin. Ça, c'est un fils de Le Havre. Absent. Absent. Oui, c'est ça, Paul Basquin. C'est bien cela. Du Harad, Paul Basquin, du Harad Sebois, qui vient de remporter l'enchère à 48 000 euros. Un Malbé, né le 31 mars, un fils de Tinours, est joli et belle. Notez que depuis la sortie du catalogue, il y a dans la famille, je crois qu'ils se sont placés, rien que pour toi, troisième du prix Amandine à Maison Lafitte, et Pleuven qui a gagné à Churchill Down, un groupe 2. Tinors, le mâle de Tinors ici, la mère par oratorio, grand-mère Bering. La mère a produit deux gagnants. La mère et sœur de Golden Honor, notamment gagnante de 10 courses, gagnante de course principale, la proche famille donc de Pleuven, la souche maternelle de Vitesse, celle de Parioli. Combien pour débuter les enchères donc pour le fils de Tinors? Alice, 10, 10, 8, 5, voulez-vous 5, 5, 5, 5, 5, 5 000, à 5 000 euros, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 3, voulez-vous 3, à 3 000 euros, le mâle de Tinors, à 3, 3, à 3 000 euros, 3, 3 000 euros, 3, 3 pour débuter, à 3 000 euros, mettez vos enchères, 3 000, Laurence? Votre enchère, Laurence, à 3 000 euros. 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000. À 3 000 euros qui prend le relais. 3, 3, 4 en face. 4 000, Laetitia. L'enchère à 4 000, Beaupoulin, parti nord, allons-y. 5 maintenant. À 5 000, 5 000 en face de moi. L'enchère à 5 000, 5 000. À 5 000 euros, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7. À 7 000 euros, 7, 7. À 7 000 euros, Laurence, toujours chez vous pour le moment. À 7 000, 7 000. À 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7, 8. Hervé, à 8 000 par vous, l'enchère en haut.
au restaurant. À 10 000, 10, 12, Fresh Bidder à 12 000, 12 000, Laura Lanchère à 12 000, Pala, Pala, 12 à 12 000, à 12 000 euros qui couvre l'enchère de 12 000, 12 000 euros à 12 000, Against You in the restaurant, à 12 000, à 12 000 euros, l'enchère est à droite, toujours à 12, 12, à 12 000 euros, 12 par vous, Laura Lanchère à 12 000, à 12 000 euros, pas en face, 12, 13, 13, 13 000 à 13 000, à 13 000 euros, 30,000, 13, 14, 14, 14 000 euros par vous, Laura Lanchère, on y revient, 14, à 14 000 euros, qui prend le relais à 14 000 euros, 15 si vous voulez, 14 000 à droite l'enchère, 14,000 euros on the right side. Ici, par le roi d'enchère, 14, 15, on y revient en face là-haut, à 15 000 euros, 15 000, à 15 000 euros qui prend le relais à 15 000, 15, 15. Laurence, je ne vous entends plus, ça m'inquiète. 15 000, là-haut l'enchère, 15 000, par vous, Harvey, on est d'accord, 15 000, là-haut l'enchère. Laura, que fait-on? Merci de votre aide, à droite. À 15 000 euros, le marteau se lève, on va être jugé, bon poulain de Tinors, à 15 000 euros, par vous, Harvey l'enchère là-haut à 15 000 euros. Rien là, pas à droite. Fini, le marteau se lève, on peut être jugé. Fini Laura. Dernier appel, dernière fois. Harvey, votre enchère dans le restaurant. On la juge. 15 000, Harvey. Présenté par The Channel Consignment, Arvada, une pouliche B. Elle est née le 18 avril, c'est une fille de Moutatir et jolie LED. La voici, la fille de Mutatir, étalon très confirmé, Mutatir. Mutatir, c'est notamment le père de Indonésienne, gagnant du Marcel Boussac, pardon, de Satwa Queen, de Mora Lakana et de bien d'autres performeurs de bon niveau. La mère est sœur, la mère est petite-fille donc de Makavelian. La mère a gagné à 6 reprises, jeune jument. C'est la proche famille donc de chargé d'affaires. Belle famille pour cette fille de Mutatir. Père ultra confirmé, notamment avec ses pouliches. Combien voulez-vous pour débuter les enchères? 18, 5, 5 000. Allons-y, 5. À 5 000 euros, 5 000 euros. La belle pouliche ici par Mutatir, 5 000. 5 000. À 5 000 euros, 5, 5 000. 5 000 euros, 5 000. À 5 000 euros, pouliche puissante ici, 5. 3, voulez-vous 3? À 3, 3. Mutatir, 3 000. 3 000, 3 000 à droite l'enchère. À 3 000 euros, 3. 3 000. À 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros qui prend le relais à 3 000. 3 000. À 3 000 euros, 3. 3, 3. Allons-y. Mettez vos enchères. 3. À 3 000 euros qui prend le relais. 4, 4, 4 000. 4 000. 4 fois mettre 5 maintenant. À 4 000 euros, la fille de Mutatir. À 4 000. 4, 5, 5. À 5 000, 5, 5, 5, c'est Laetitia ou Laura? 5 000, Laetitia, 5 000, à Laura, ok, 5, 5 000, à 5 000 euros qui prend le relais à 5 000, 5, 5, 6 maintenant, à 6 000, il faut mettre 8 maintenant, 6, à 6 000 euros à droite, et par vous et contre vous, l'enchère à 6, 6, à 6 000 euros qui prend le relais à 6 000, 6 000, à 6 000 euros, elle vaut mieux cette pouliche, regardez-la, 6 000, à 6 000 euros par le père de... Alors, voici réunis le bon chevalier du faux. Et son compère de Channel Consignment qui s'intéresse de près donc au numéro 59 logiquement. Pourquoi? Parce que le numéro 59 est présenté tout simplement par The Channel Consignment. C'est Arvada, une fille de Mutatir et jolie LED. Bah jolie ou LED, jolie plutôt, on va retenir cet aspect positif. Par Saki, le père de Tinors et une famille de la marquise de Moratala, puisque c'est la même souche que chargé d'affaires, le fameux chargé d'affaires, qui fut un champion à 2 ans gagnant du prix Mordi, sous la casaque donc, de la marquise de Moratala, avant d'avoir un destin d'étalon brisé par son infertilité, bien qu'il fût extrêmement talentueux avec le faible nombre de produits qu'il a donné. Laura, chez vous l'enchère, pas à droite, rien là, à 14, oui 15, 15, si vous voulez 15, 15, à 15 000 euros, je vais voir en face à 15, 15, à 15 000 euros qui prend le relais à 15, à 15 000 euros l'enchère est là à droite à 15. Laura, 16, on y revient, 16, 16 000, à 16 000 euros, toujours à droite, à 16 000 par vous et contre vous à 16, on met 18 si vous voulez, 16, 16, à 16 000 euros que fait-on, 16, à 16 000 euros. Ouais, ça monte doucement pour cette fille de Mutatir, étalon au combien confirmé. Célèbre Mutatir, le patriarche du haras du Mézeray. À 16 000 euros, on va la juger, cette fille de Mutatir. Laura, votre enchère, 17 000. Fresh bidder, 17 000. À 17 000 euros, 17. À 17 000 euros, enchère nouvelle par vous, Laetitia. À 17 000, à 17 000, à 17 000. Laura, contre vous cette fois, il faut mettre 18 si vous voulez. 17, je vous laisse faire. On met 18. 17 000, c'est en face. 17. On va mettre 18, je pense. 17 en face par vous, Laetitia. On est d'accord. 17, Laura, je vous laisse faire. 17, le marteau se lève.
on va l'adjuger à 17 000 euros, la fille de Mutatir. Pas de regret, pas là, rien là. À 17 000 euros, dernier appel, dernière fois. Laetitia, votre enchère, on l'adjuge. 17 000, Laetitia. 17 000 euros. Alors, Ardéphone et appartenant à Simon Urizi, un mâle nommé Canisi, né le 10 avril par... Je viens de voir, effectivement, oui, c'est cela. Il y a Jean-Claude Roget qui vient d'arriver. Notez que le frère... Je ne l'avais pas vu pour l'instant. ...s'est imposé dans la Sugar Cup Sprint à Ascot le 6 août. Effectivement, Kadrizic, nous avions eu le plaisir de... Jean-Claude Roget qui vient de faire son entrée en scène. Là, il est encore au restaurant. Jean-Claude Roget, le héros de Leopardstown, le héros de Dublin avec Almanzor. Belle famille ici donc, la mère par Indian Rocket. Combien pour débuter les enchères pour le frère de Kadrizi qui a gagné à Ascot il y a peu. Federico Barberini, Bloodstock, qui a acheté tout à l'heure. Bon poulain par et qui de nouveau se distingue. Ici avec l'achat de Arvada, le lot 59. À 5000 euros, gagnant à Ascot tout récemment, le frère, à 5000. Allons-y, à 5000 euros, 5, 5, 3, voulez-vous 3, 3, 3000. À 3000 euros qui m'appelle 3 pour débuter, 3000, 3000 l'or à l'enchère. À 3000 euros qui prend le relais à 3000, 3, 3. Allons-y, 3000 euros pour continuer les enchères. 3000, qui m'appelle 3. À 3000 euros seulement, nous sommes 3000. Le frère de Kadrizi à 3000. Bon poulain par Panis ici. 3. À 3000 euros qui couvre l'enchère. 3, 4000. 4000 l'euro à 4. 4. À 4000 euros qui prend le relais. 4. À 4000 euros, il faut mettre 5 maintenant. 4. À 4000 euros, l'aura c'est chez vous toujours 5 maintenant. 5, 5. À 5000 euros qui prend le relais. 5000. 5000. À 5000 euros qui couvre l'enchère de 5000 seulement. Toujours à droite par vous et contre vous l'enchère. 5, 6 maintenant. 6. À 6000 euros à droite par vous et contre vous l'aura l'enchère. Toujours, tout se passe à droite depuis un bon petit moment maintenant. 6000 à droite l'enchère, Laura chez vous, pas d'erreur. 6 à 6000 euros qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 6000 euros, le mal de Panis à 6000 euros, 6000 à 6000 euros, 6000, 7000. Panis est allons confirmer. Il a fait beaucoup de gagnants, 6, 8, 8000, 8000, John, fresh bidder, à 8000 euros, 8000, 8000, à 8000 euros par vous l'enchère, John, 8000, à 8000, 10 maintenant, Laura l'enchère à 10000, 10, 12 maintenant, à 12000, John, your bid. À 12 000, 12 000, 12, 12, 14, 14 000, 14 l'or. Alors, 17 000 euros pour le 59. Maintenant, nous en sommes à 16 000 euros pour le numéro 60. Présenté par le Ardéphone appartenant à Simon Urizi, c'est un fils de Panis et la mère par Indian Rocket, un pur croisement donc, du Ardéphone. Les deux étalons faisant la monte au Ardéphone. Enfin, faisaient la monte, bien sûr, pour Indian Rocket. La famille de Capicric, la grand-mère Capicric, super jument de course de plat, entraînée pourtant par Arnaud Chaillé-Chaillé, mais elle ne devait pas sauter parce qu'il a toujours couru en plat. Dès l'âge de 2 ans, elle a été deuxième du Critérium de Bordeaux, puis après elle a tenu le coup vraiment longtemps parce qu'elle a remporté 12 victoires. Mère de Sotchemage, Magic Charlie, Capia du désert. Et donc Kadiana, la mère de ce produit qui n'a pas couru, mais qui a donné ce fils de Panis qui fait monter les enchères jusqu'à 20 000 euros. Pas de regret, pas là, rien là. Laura, dernière fois, dernier appel. On a tué. 20 000, Monsieur Kornmanan, merci beaucoup. Voici le numéro 61 qui est présenté par le rat du Taï. Kissing Light, Mal Alzan, et le 7 mars, fils de Lingari et Kalawa. Un bon poulain ici, bien fait, il marche bien. Poulain propre d'une ville de désastre. C'est Kornmanan. Super sort là. C'est Kornmanan qui a acheté. Si, monsieur Prospecteur, grand succès gagnante. La mère est seule. Le lot précédent pour la somme de 20 000 euros. Qui a 5 000, 5 000 quelque part, 5 000, 3 000, allons-y, à 3 000. À 3 000, beau poulain ici, à 3 000, le seul poulain de Lingari dans le catalogue. Le père de Carling Garley à 3 000. Voulez-vous à 3 000, mettez vos enchères. À 3 000, à 3 000, à 3 000, mettez vos enchères. À gauche, l'enchère maintenant à 3 000. À 3 000, à 3 000, qui m'appelle maintenant à 3 000. L'enchère par Nathalie à 3 000. À 3 000, nous sommes à 3 000. Et c'est pas cher du tout à 3 000. À 3 000, à 3 000, on va le grand champion. Alors, maintenant, on va passer à un fils de Galingari. À Congrète, en France, Galingari, Lingari, il est resté en Afrique du Sud ou en Australie, je ne sais plus, cette année. Alors qu'il a commencé sa carrière d'étalon au Rat de Bonneval avant de la poursuivre au Rat du Petit Allier. C'est un très bon étalon, Lingari. Très, très bon étalon. Ce cheval, qui était un cheval de course extraordinaire et qui a transmis sa dureté, sa volonté. C'est sûr. 4000, 4000, 4000, maintenant 4000. Mais dont le fils ici ne suscite guère d'intérêt. Kissing Light. Mais quand même, à 5000 euros, présenté par le rat du Taï, la mère est par Seattle Dancer. Seattle Dancer qui a fait la monte, en Allemagne. Et d'ailleurs, le rat du Taï appartient à un Allemand, M. Bernard Wenger. La mère est des sœurs de Cannes.
Gain on Listed en Allemagne. On va juger alors 5000. On la juge. Nathalie, 5000. Merci Nathalie. Le numéro 62 est nous est présenté par le Hara du Saz, Teinana. Une pouliche B, née le 28 avril. C'est une fille de Sriputra et Kamaté. Notez qu'elle est vendue pour 33% sans TVA. Belle pouliche ici, bien profonde par Sriputra. Donc c'est une petite fille de Oasis Dream. Son père va être placé dans 8 courses de groupe, dans 3 groupes 1, de 2 à 7 ans, mesdames et messieurs. Premier produit sont Yarling, la mère est très utile, la grand-mère aussi, ils ont tous les deux gagnants à 2 ans aussi. Allez, un fils de Sriputra, étalon du Hara du Saz, c'est d'ailleurs le Hara du Saz qui nous présente ce 62, cette fille de Sriputra qui s'appelle Tainana. Alors quand je le dis 100 fois déjà, mais bon, ça fait toujours plaisir, le Hara du Saz, Roger Simon qui donne toujours des noms de chansons à ses produits, quasiment toujours des noms des titres, des morceaux, souvent des chansons des années 80 d'ailleurs, hein, l'époque de sa jeunesse sans doute, parfois d'un goût, vous vous souvenez, bon bref, donc c'est le nom de ce 62, né le 28 avril par Sriputra et la mère par Early March, qui fit lui en Early March également la monte au Hara du Saz. La mère Kamat, donc par le Early March, a gagné 4 courses, dont le prix de Persaigne et de la Pierre au Fée à Deauville. Elle s'est imposée également sur l'hippodrome de Marseille. Une jument de course, en effet, comme le dit à cet instant John O'Kelly. À 5000, nous sommes Laetitia, merci, à 5000, plus vite s'il vous plaît, à 5000, l'enchaîne en face, et plus là, on l'a maintenant, c'est contre-là, à 5000, l'enchaîne en face, c'est moi, à 5000, nous sommes maintenant à 5000, c'est bien vu, on va juger, le marteau se lève, 6000, nous sommes, 6000 enchaînes, à 6000, nous sommes maintenant à 6000, enchaînes maintenant, à 6000, belle pouliche ici, à 6000, à 6000, premier produit de Sri Putra qui passe, à 6000, nous sommes maintenant, 7000, euros, à 7000 enchaînes, à 7000, nous sommes maintenant, à 7000, bonne succès gagnante, à 2 ans, à 7000, nous sommes maintenant, à 7000, la mère est gagnante, 4 euros elle-même, de 2 et 3 ans, à 7000, à 2 et 3 et 4 ans, à 7000, à 7000, enchaînes maintenant, à 7000, votre enchaîne Laetitia, c'est vous, à 7000, par Laetitia, l'enchaîne maintenant, pas de regret nulle part, à 7000 euros, on va juger maintenant à 7000, on est juge, Laetitia, merci, 7000 euros. Voici le numéro 63. Présenté par le Hara de Cordel, présenté par Ludovic Picard. Rigazzino, un mâle B. Il est né le 3 avril. C'est un fils de Slickly et Carina. 7000 euros. Joli poulain avec la suppléance. C'est racheté. Très beau poulain. Ressemble beaucoup son père. Petit fils l'ennemi. Alors maintenant, on passe au 63. Déjà des Kiki Bleus. Combien vous tournez ici pour le début des Kiki Bleus, 3e du prix de Gladiateur et 4e encore cette année. Ragazzino, un fils de Slickly, le confirmé Slickly, et Carina Ducomo, la mère par Low Society. Low Society. Alors Carina Ducomo est une mère déjà assez âgée, confirmée, qui a déjà donné naissance à Kiki Blue, gagnant du prix de la Moscova et 2e du cadran. Une superbe jument de tenue, Kiki Blue. Donc ici la sœur de Kiki Blue. À 3000, mettez vos enchères. À droite, l'enchère maintenant à 3000. À 3000, nous sommes à 3000. Pas là, on a maintenant 4000, nous sommes. À 4000, à gauche, l'enchère maintenant à 4000. 6000, nous sommes maintenant à 6000. À 6000, un beau poulain. 8000, l'enchère maintenant à 8000. Regardez la souplesse. À 8000, nous sommes maintenant à 8000. Elle se déplace très bien, ce poulain. À 8000, nous sommes à 10000 enchères. À 10000, nous sommes maintenant à 10000. Le père de D'Artagnan d'Azur à 10000 enchères. À 10000, à droite, l'enchère maintenant à 10000. Je vous entends plus là. Nathalie à 10 000, 12 000 en somme, à 12 000, nous sommes maintenant à 12 000, à 12 000, père de Gris, deuxième de groupe, hein, à 12 000, à 12 000, vous ne voulez pas mettre 15, Laura, à 12 000, enchaîne à gauche, à 12 000, à 12 000, à 12 000, méandre aussi, à 12 000, à 12 000, vous ne voulez pas mettre 13, Laura? À 12 000, l'enchère à gauche, à 12 000, 13, oui, 13 000. À 13 000, nous sommes, à 13 000, l'enchère maintenant, à 13 000. À 13, vous voulez pas 14 ans, comment 14 000. À 14 000, l'enchère maintenant, 14 000. À gauche, l'enchère maintenant, 14 000. À 14 000, le frère de Kiki Blue, quand même.
l'autre jour, à 14 000, à 14 000, l'enchaîne à gauche ici, à 14 000, plus vous l'allons, à 14 000, on va juger alors, à 15, voulez-vous, à 14 000, l'enchaîne, mettez-vous rapidement, s'il vous plaît, à 14 000, l'enchaîne à gauche ici, la frère de Kiki Bleu, qui continue d'être placée dans les groupes aussi, à 14 000, l'enchaîne à gauche là, on va juger, pas de regret nulle part, à 14 000, l'enchaîne ici, c'est contre vous, ici à gauche, pas Nathalie, votre nom c'est pas Nathalie, Laura, à 14 000, à 4 000, à 4 000, c'est oui ou non, à 4 000, on va juger, alors, oui, l'enchaîne, 15 000, à 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, l'enchaîne maintenant, 15 000, 15 000, et plus là, à 15 000, 15 000, qui prend le relais maintenant, 15 000, à 15 000, votre enchaîne, Laura, là maintenant, 15 000, dernière fois, dernière chance, à 15 000, on est juge. Merci, Laure, 15 000. Voici le numéro 64 qui est présenté par Fairway Consignment pour le Hara de Castillon, un mal alzan né le 16 mars par Sunday Break et Kendorova. Joli poulain bien rond ici, ce fils Sunday Break d'une fille de notamment de Kendor. Premier produit d'une gagnante, multiple fois placée, la mère elle-même, c'est la famille Rosie Edwood, Lalika, Ballerie Day, tout ça, comme il y a votre tour, allons-y. 20 000 qui a 20 000, donnez-moi 20 000 quelque part, 20 000, 3 000, allons-y, 20 000, donnez-moi 3 000, 3 000 quelque part, voulez-vous, 3 000, à 3 000, le fils de Sunday Break ici est 3 mètres et vos enchères, 3 millions, les parts chères du tu. N'oubliez pas les primes quand même, 3 millions, voulez-vous mettre vos enchères. Alors, 15 000 euros pour le numéro 63, le fils de Slickly, voilà, ça c'est des vrais prix pour des vrais chevaux de course. Alors maintenant, nous en sommes au 64, un fils de Sunday Break et Kendarova par Kendor. C'est donc le même croisement que Never on Sunday. Never on Sunday qui est né chez Bernard Geffroy et sous les yeux de son fils Benoît Geffroy. Et Benoît Geffroy d'ailleurs qui a réédité ce même croisement puisque c'est le directeur du propriétaire du rat de Castillon. Donc Sunday Break avec une mère par Kendor. La souche maternelle, c'est celle de Rose Itwood. C'est celle de... Bon, c'est un peu vieux, mais... Enfin, c'est celle sous la cinquième mère, c'est un peu lointain, plus que vieux, celle de We Are, de Zarodney, Scalo, Wisedan aussi, le champion américain. Quant à la mère elle-même, Kendorova, elle a gagné sa course à Fontainebleau et nous présente ici son premier produit né le 16 mars. 12 000 enchères tout en haut là-bas, Harvey, maintenant 12, 14 000. À 14, 14, 14 000 enchères maintenant, à 14 000. À 14 000, 14, 15 000, 15 000, 15 000, j'ai eu. À 15 000, 15 000, je sais qui c'est, à 15 000. À 15 000, 15 000, alors c'est contre nous encore maintenant, à 15 000. À 15 000, les beaux poulains, à 15 000, à 15 000. La mère était très utile aussi, par Kendor, à 15 000. À 15 000, vous ne pouvez pas mettre 16 ? À 15 000, en haut. À 15 000, plus rien au-dessus, on peut la juger. À 15 000, on va juger l'or. Alors, à 15 000, plus voilà l'or. À 15 000, la marque se lève. À 15 000 euros, on la juge. Harvey, merci beaucoup. Harvey, 15 000. Place au numéro 65 qui est présenté par le Harvey. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Harvey mal, il est alzan, il est né le 5 mars. C'est un fils d'Evasive et Kings Paradou. Pour l'athlétique ici qui se présente bien, chic poulain. Excellent sujet maternel, il est déjà frère de place illustrée. Grand sujet de Panisse, Political Wit, Justice. Christophe Escuder. Grand sujet, c'est que de black type dans la famille. Combien faut-on ici, le fils de ABC Fier, 20 000 voulu, qui a 20 000, donnez-moi 20 000 quelque part, 20 000, 20 000. 20 000, 10 000, qui a 10 000, donnez-moi 10 000, le père de Evey, ce soir, voilà. À 10 000, mettez vos enchères, puis Montrouge aussi à 10 000, mettez vos enchères, s'il vous plaît, à 10 000, 5 000 alors, qui a 5 000, donnez-moi... Voilà, Christophe Escuder qui signe le bulletin vainqueur. 3 000, oui, là, oui, l'enchère là-bas, à 3 000, ça. À 3 000, à 3 000, mon enchère maintenant, là-haut, à 3 000. À 3 000, à 3 000, à 3 000, l'enchère. Tu beau poulain ici, à 3 000, et pas cher. À 3 000, athlétique aussi, à 3 000. À 3 000, à 3 000, ça maintenant, à 3 000, la même pas Kings, mais ceci, 4 000. À 4 000, 4 000, là, on a votre enchère, 4 000. À 4 000, 6 000, 6 000, ça maintenant, 6 000. À 6 000, à 6 000, à 6 000, l'enchère. À 6 000, 6 000, oui, contre vous, là, on a 6 000. À 6 000, l'enchère tout en haut, à 6 000. À 6 000 qui prend 8 000, ça maintenant, 8 000, arrondissez au moins maintenant, monsieur. À 8 000 euros maintenant, à 8 000, à 8 000, en balance maintenant, à 8 000. À 8 000, nous sommes là. Frère de Capstad ici, 10 000, 10 000, nous sommes. À 10, tant mieux, à 10 000, à 10 000, en chair maintenant, à 10 000. À 10 000, quelle suche maternelle, quelle black type là-dedans, à 10 000. À 10 000, en chair peut-être là-bas, monsieur. À 10 000, en chair peut-être Laetitia ici, à 10 000, plus 12, 12 000 en chair. À 12 000, pas Laura maintenant, à 12 000. À 12 000, la famille de Panis ici, à 12 000. À 12 000, 13, 15, 15 000 en chair. À 15 000, la grand-mère politique parodie, la grand-mère, 12, 15, 17, 17 000 en chair maintenant, 17 000.
à 17 000, vous ne pouvez pas mettre 20, à 17 000, alors grandissez en moins s'il vous plaît, Laetitia, à 18 000, bravo, 18 000, à 18 000, j'ai eu maintenant à 18 000, à 18, à 18, à 18, arrondissez maintenant au moins Laura, à 18 000, joli poulain ici, à 18 000, à 18 000, très très course aussi, à 18 000, à 18 000, vraiment athlétique, à 18 000, à pas le perdre de ABC Source, là aussi, à 18 000, l'enchère en contre Laura, à 18, 20 000, 20 000 enchères, à 20 000 de sœur, à 20 000, à 20 000, à 20 000 enchères maintenant, à 20 000, à 20 000 qui prend le relais maintenant, à 20 000, à 20 000, suivant s'il vous plaît, à 20 000, votre enchère Laura contre vous, la Laetitia, à 20 000 de sœur maintenant, je vous entends pas du tout, la Nathalie, à 20 000 enchères à droite ici, à 20 000, pas d'erreur nulle part, à 20 000, on va juger. Alors, c'est bien vu, votre enchère Laura. Tandis que le soleil vient de plus en plus présent. Laura, merci beaucoup, 20 000. Voici le numéro 66 qui est présenté par Fairway Consignment pour le Haras de Castillon. Une pouliche B, elle est née le 16 février par Sunday Break et Cocooning. Il n'y en a que deux pouliches dans le catalogue par Sunday Break, père notamment de Caval Doré, gagnant du Prix Calvados cette année, Danza Cavallo aussi, Brownie, Frankie Four Fingers, Never on a Sunday, la joue en pack. Alors, voici donc. Pouliche équilibrée avec une super famille maternelle. Regardez la souche, c'est Zelding, c'est Beauty of Truth, le Fire Lily et tout ça. Glorious Sight. Le 66 était acheté pour la somme de 20 000 euros par Guilain Bozo. Voilà, de Meridian International. À 3 000, mettez vos enchères à 3 000. À 3 000, à 3 000, quel suis-je maternelle qui m'appelle ? Là, on a bravo à 3 000. À 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, nous sommes à 3 000. À 3 000, à 3 000, 5 000. 5 000, nous sommes maintenant à 5 000. À 5 000, Laetitia. À 5 000, nous sommes maintenant à 5 000. Quel suis-je maternelle ici à 5 000. À 5 000, elle est déjà sœur de deux vainqueurs. 5 000, 7 000. 7 000, 10 000. 10 000 maintenant, 10 000. Tandis que maintenant, on arrive au numéro 66, présenté par Fairway Consignment. On retrouve l'association de Fairway Consignment avec le Haras de Castillon, c'est-à-dire Benoît Geffroy. Ici à 12 000, à 12 000, la famille Fire Lily aussi à 12 000, à 12, à 12, à 12, qui prend le relais maintenant à 12 000. À 12 000. Sunday Break, avec une mère par King's Best de la famille de Zelding, Beauty is Truth, Glorious Sight, Nipping, Last Icon, donc une souche Strauss. 15 000 enchères maintenant à 15 000. À 15 000. Il a 15 l'enchaîne du 13, ok, à 13 000, trop mieux. À 13 000, 13 000, vous voulez faire avoir 14 000. À 14 000, à 14 000, à 14 000, à 14 000, mettez 15 maintenant. À 14 000, à 14 000, 14 000, plus vous la Laetitia, à 14 000. L'enchaîne ici, belle pouliche, à 15 000, à 15 000. Nathalie, l'enchaîne là-bas, 16, 16 000, l'enchaîne maintenant, pas Nathalie maintenant. À 16 000, 16 000, 16 000, 17, 17, l'enchaîne maintenant à 17 000. À 17 000. Manfred Hofer qui est là, allemand. À 20 000, à 20 000, à 20 000, la soeur du deux vainqueurs, à 20 000, la mère, la partie belle, à 20 000, la famille. Alors les enchères montent petit à petit, nous en sommes à 20 000 euros. Je vois Guillaume Witz qui est en train de faire monter les enchères. Pour le compte, donc plus que probablement pour le compte de son client Guy Pariante. L'enchère à droite, à 22 000, l'enchère maintenant à 22 000. Laetitia, c'est contre vous aussi. 5, 25, 25. 25 000, ça monte, dites donc. À 25, vous devez mettre 7 maintenant. Cocooning, la mère est confirmée. Elle a fait Golden Steps, qui a gagné 4 courses, et The Iron Man, qui a gagné 4 courses également. Maintenant, 25 000, vous voulez pas mettre 6, à 25, 25, à gauche enchère, à 25 000, Laura, quoi faire, à 25 000, oui. 23, 23, ok, 23 000, 23, vous voulez pas mettre 24 maintenant, Laura, à 23 000, enchère gauche ici, à 23, 23, 23, n'arrêtez pas, s'il vous plaît, à 23 000, plus rien au-dessus, on peut les juger alors, contre vous là, l'enchère gauche, à 23 000, 4, 24, 24, on y revient, alors, à 24 000, 5, voulez-vous, à 24 000, 24, 24, 24, contre vous là-bas, Nathalie, à 24 000, à, ça vaut le coup quand même, une toute belle pouliche, de l'excellent suge maternel, à 24 000, c'est bien vu, fini là, gauche là, l'enchère à droite, à 24 000, pas de regret nulle part, à 24 000, on est juge. Là, on remercie beaucoup, 24 000. 24 000, et j'ai l'impression que c'est Guillaume Witz qui obtient l'enchère gagnante. Une pouliche B. Elle est née le 18 mai, c'est une fille de Le Havre et Cotao. Notez qu'elle est vendue 100% sans TVA. Des toutes belles origines, une fille de l'excellent Le Havre qui ne cesse de donner que des bonnes gagnantes, qualitueux. Issue d'une sœur de Kay Blanco, grand championne. Championne, grand championne qui est gagnant de classique en Irlande, l'Irish Derby, Irish Champions Stakes, gagnant aux États-Unis aussi, famille Mr. O'Brien.
Né élevé par Caron, stade en Irlande, la mère, la grand-mère, Laurel Delight, combien de temps ici pour débuter Le Havre, combien de temps 30 000, Velou qui a 30 000, 30, 30, 30, 20 000, 20 000, qui a 10 000, alors mettez vos enchères à 10 000, à 10 000, à 10 000, d'une sœur de Keplanko ici à 10 000, à 10 000, d'une fille de l'Havre ici à 10 000, allons-y, à 10 000, à 10 000, mettez vos enchères à 10 000, 5 000, alors qui a 5 000, 5 000, 5 000 enchères, à droite de l'enchère maintenant 5 000, 6 000, 6 000 enchères maintenant 6 000, à 6 000 de Saint-Paul, à Jean-Paul, votre enchère, à 6 000, à 6 000, à 6 000 enchères, prenez, mettez vos enchères, à 6 000, nous sommes maintenant à 6 000, ça s'accroît d'attendre 6 000, à 6 000, 8 000 enchères maintenant à 8 000, à 8 000, 10 000, 10 000 en gros, enchère 12, 12 enchères maintenant à 12 000, à 12 000, pour vous là, monsieur, à 12 000 enchères ici à droite, à 12 000, à Jean-Paul, à 12 000, à 12, à 12, à 12, 12, 12, 15, 15 000 enchères maintenant à 15 000, à 15 000, bonne suite, je m'attends à 15, 17, 17 l'enchère maintenant, à 17 000, le fameux 20, monsieur, 17 000, à 17 000, arrondissez maintenant à 17 000, à 10, 20 000, 20 000, mon enchère maintenant à 20 000, à 20 000, à 20 000, l'enchère maintenant à 20 000, nous sommes, à 20 000 par l'action, là, ici à 20 000, à 20 000, 22, 20 000, voilà, là, 27 la même, pareil, 22, 22 par là, là, non? L'enchère par Jean-Paul, là, là, mais précisez-vous bien. 22 ici par Jean-Paul, à 22, 22 l'enchère maintenant, 22 000, à 22 le père de la Croission, il y a 5, 25, 25 l'enchère, à 25 000, 25, 25, 27 pour l'avoir, 27, 27, 30 000, voulez-vous maintenant, 27 000, à 27 000, le père de la Croission, hier de cette année, à 27 000, 27, oui, à 21 l'enchère ou pas, monsieur, maintenant, l'enchère ici à droite, à 27 000, à 20... Donc 27 000 euros pour le 67. Holy Dream, alors on retrouve le Havre, hein. Alors ça c'est important, et côte à haut. Ah, côte à haut, ça nous fait penser à... 28 000, 28 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000,
en Thaï. Donc, bien sûr, vous connaissez, tout le monde connaît Koh Lanta, mais il y a aussi Koh Tao. C'est où Koh Tao? Koh Tao, c'est à côté de Koh Phangan, et Tao veut dire tortue. L'île de la tortue, notre Thaïlandais de service, c'est Claude Ménard qui vient nous renseigner. C'est lui qui nous avait servi de guide dans notre voyage en Thaïlande. Merci Claude. Donc Koh Tao, l'île de la tortue, c'est le nom de la mer de cette Holy Dream. Qui est donc par Le Havre et Koh Tao. Bah, Koh Tao, elle est par Turtle Island. Donc voilà la petite histoire. Et Koh Tao n'est quand même n'est autre que la sœur de l'excellent Cape Blanco, gagnant de 5 groupes 1, dont l'Irish Derby, les Irish Champion Stakes, le Joe Hirschdorfer International, les Manor Stakes et l'Arlington Million. Donc le neveu, la nièce de Cape Blanco par Le Havre, qui est ici sur le ring. À 37, nous allons vendre pas de rare ici à 37. L'enchère à l'extérieur, the bids way outside. À 37 000, nous sommes maintenant 37. One more, sir, will you? À 37, 8, voulez-vous? Just one, 38. 38, l'enchère maintenant 38. À 38, à 38, everybody wants it. Le Havre ici, 38 000. À 30, 40 000, 40 000, 40 000, j'ai eu à 40 000. À 40 000, 40 000, 40 000, l'enchère maintenant 40 000. Plus vous là, monsieur? À 40 000, one of them, but the same sir, made 80,000 earlier in the day. She's still good value, sir. They all run for the sir, too, you know? À 40 000, 40 000, encore deux, voulez-vous maintenant 40 000, 40 000. International. National family, you know. At 40, the family is bred by Des Hunt. You know that, sir. At 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 longères. Ah, c'est bien vu, fini là. Merci votre aide. À 40,000, rien reçu. À 40,000, on peut la juger. À 40,000, dernière fois, dernière chance là. Le marteau se lève. À 40,000, on va juger. À 40,000 euros, un juge. She's off to Venture House. Come on in. Merci beaucoup. 40,000. Merci, Monsieur Manan. Merci, Dion de Bederossi. Présenté par la radiophone et appartenant à Alain Chopard, le numéro 68, jurisprudence, Polish B, née le 10 janvier. C'est une fille de Panis et l'Aventura, dont c'est le premier produit. Et c'est une petite fille d'Anzi, gagnante elle-même. Alors, qui a acheté le... C'est Con Marnan. Panis ici, Panis le père de... C'est Con Marnan qui a acheté à 40 000 le lot précédent. On débute à 3000, allons-y à 3000, qui a 3000 pour débuter, allons-y à 3000, l'enchère minimum ici à 3000, qui a à 3000, mettez vos enchères à 3000 pour débuter, à 3000, 3000 qui m'appelle Laura, 3000, 3000, great work Laura. Con Marnan qui a acheté Holy Dream, la nièce de Cape Blanco par Le Havre, qui avait un physique, c'est vrai, un peu atypique, puisqu'elle avait les jarrets assez loin notamment. Ici maintenant à 3000, à 3000, pas cher du tout, à 3000, belle pouliche à 3000, pas cher à 3000, très bien née, une petite fille de Danzig ici à 3000, à 3000, la mère est gagnante elle-même à 2 ans, elle a l'air de 2 ans aussi, à 3000, à 3000, à 3000, mettez vos enchères, 4000, 4000, 4000 euros, à 4000 euros, l'enchère maintenant, 4000, l'arrière-grand-mère, kindergarten à 4000, à 4000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 euros maintenant, 5000, 5000, l'enchère, tu se passes par l'or. Maintenant, c'est jurisprudence qui est élevée par Alain Chopard, elle appartient à Alain Chopard.
prend le relais à 5000. On peut l'adjuger. 5000, 6000, 6000, 6000, à 6000, 6000, 6000, en chemin de l'an, 6000. Premier produit d'une gagnante de 2 ans. Une petite... Panis, c'est l'aventure à part librettiste. Alors ça, c'est une belle souche maternelle. C'est celle de Fidélité, celle d'Extrémis, Ma Mère Loi, celle de Wing Love, sous la cinquième mère. Mais la troisième mère, Kindergarten, a remporté le prix d'Aumale. Alors son seul défaut à cette pouliche, c'est que la mère est par librettiste. Alors ça, c'est quand même pas la joie. Mais ça n'a pas empêché l'aventura de gagner à l'âge de 2 ans et d'être une sœur de Tony Blue, qui est un vrai bon cheval, super solide, étalon d'ailleurs, et Nina Candela, une autre fille de polyglotte, deuxième du De La Honte, 3 victoires en obstacle. Un beau pédigré maternel ici avec une pouliche fort bien présentée par Panis. 15 000 enchères à 15 000 enchères à 15 000 par l'heure tu joues maintenant à 15 000 plus à l'extérieur là monsieur à 15 000 enchères et dedans ici à 15 000 vous voulez pas 17 monsieur à 17 000 j'ai eu à 17 000 bravo Jean-Paul à 17 000 à 17 000 great work Jean-Paul à 17 000 nous vendons toujours pas d'argent 18 000 bravo merci à 18 000 maintenant monsieur à 18 000 enchères ici en bas à 18 000 à 18 000 vous voulez 20 000 nous sommes à 20 000 nous sommes maintenant à 20 000 la fille de Panis ici à 20 000, à 20 minutes maintenant, à 20 000 perles, out of time, we're nearly out of time too, sir. À 20 000 qui m'appelle, 22 Nathalie, à 22 000, 22, à 22 000, presque là monsieur, 22, c'est plus vol, 3, 23, et 5, voulez-vous encore, à 23 minutes maintenant, 23, avant de changer l'enchère ici à gauche là, à 23 perles là, toujours maintenant, 23, 5, 25, 25 nous sommes, à 25 chez Luxorana de Soleil, à 25 000 nous sommes maintenant, 25, voulez-vous 27 monsieur, 25 000, à 26, enchère maintenant, 26 000, à 26, 8, voulez-vous encore, 28, arrondissez maintenant, 28 000, à 28, 30, oui, 29, maintenant, l'enchère maintenant, 29 000, 30 000, à 30, et encore 2 maintenant, monsieur, 30 000, à 30 000, l'enchère ici, là-haut, à 30 000, vous l'avez presque, à 30 000, vous avez failli l'avoir quand même, monsieur, à 30 000, remettez-en une là, s'il vous plaît, à 30 000 euros, fini là, à 30 000, l'enchère là-haut. À 30 000, fini, c'est sûr, merci de votre aide. À 30 000, fini à l'extérieur là aussi. À 30 000, nous sommes dernier tour d'horizon. À 30 000, on va être jugé à 30 000 euros. À 30 000, fini là, à 30 000. On est juge. Monsieur Baker, merci beaucoup, monsieur. Monsieur Baker. Merci, Nathalie. Présenté par le Haras du Sas. Monsieur Baker. Je sais pas qui c'est, monsieur Baker. Né le 10 avril, c'est un fils de Sriputra et la Primavera. Un très beau poulain ici. Monsieur voilà, Baker. Bon poulain va faire un très bon modèle. Né en avril, poulain Arroigno déjà. Physiquement progressif, combien faut-on ici pour le début d'année? Allons-y, 20 000 qui a 20 000, un tout beau poulain ici à 20 000. Va faire sûrement un bon aliment, comment on donnerait 20 000, 20 000, 10 000, 5 000 qui a 5 000, donnerait 5 000 quelque part. Voilà, il s'agit de Sébastien. Sébastien Le Forban. Vraiment ici pour un beau poulain ici à 3 000. Qui vient de se faire adjuger. À 3 000 à 3 000 son père, 3 000 enfants. Le 68 jurisprudence. Et qui va recevoir sa coupe de champagne, ça va? Alors, dis-moi. Dis-moi. Alors, on t'a vu acheter plusieurs chevaux depuis le début de la série. Alors, je ne sais plus exactement les prix. Qu'est-ce qui te convainc à venir ici acheter des poulains? Bah, c'est une vente quand même qui s'est considérablement améliorée sur ces dernières années. Il y a souvent quand même des profils de chevaux de course qui sont intéressants, notamment des 2 ans. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Et là, on est avec des amis anglais qui ont un syndicat en Angleterre avec lequel ils viennent courir les chevaux en France pour profiter un petit peu du profil des primes françaises. Donc on a essayé de regarder un petit peu des profils de chevaux de 2 ans et celle-là rentrait parfaitement dans le profil. Voilà, on n'était pas sûr exactement, mais elle nous plaisait assez pour remettre le dernier lead. Et voilà, on est très content de l'avoir. Alors, il y a eu qui? Il y en a eu 2 ou 3 autres, je crois, non? 2 autres, alors. Il y a eu le numéro 20 du Haras de la Haineuve, un poulain par Pierre Guint, et on a eu le numéro 45, je crois. Oui, 45, un fils de Sunday Break, avec une belle famille, qui va rentrer dans ce schéma pour venir courir en France et être entraîné en Angleterre. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour les courses françaises d'avoir les Anglais qui viennent maintenant et qui profitent un petit peu de tout ça. Donc on va voir comment ça va se passer. Alors effectivement, il nous faut des partants d'investisseurs. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. C'est peut-être pas fini. Et voilà l'interview de Sébastien Lenormand qui travaille pour un groupement d'acheteurs anglais. Des bichons gagnantes à 2 ans quand même. Fournot des gagnantes à 2 ans. La mère est double gagnante à 2 ans. La grand-mère aussi et l'arrière-grand-mère aussi. Donc ils sont tous ces 3 premières mères sont des gagnantes à 2 ans.
Joli poulain ici, vraiment un modèle aussi d'un 2 ans, on débute à 10 000, allons-y. Alors, 10 000 euros donc pour les 69, on passe maintenant aux 70. Nous en sommes à la moitié de cette vente, à peu près, puisque la vente comporte 150 numéros. Voulez-vous maintenant à 3 000, mettez vos enchères à 3 000. Laura ? Laura des Faunes, qui nous présente Jacques Angel, un fils de Captain Shop pour le compte de Monsieur Rivetti et Volo. À 3000 la mairie double gagnante, à 3000 la 3000 le simple, à 3000 la 3000 la 3000. Captain Shop, donc l'étalon typique, cher au haras des faunes, élève du haras des faunes. À 3000 la 3000, toutes les mains de Ressler, à 3000, pressant quand même, à 3000 et pas cher du tout, à 3000, à 3000, 3000 le sommet dans 3000, et n'oubliez pas les primes quand même, à 3000 le sommet dans 3000, 4000, 4000, 4000 euros, à 4000 la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère sont tous les gagnantes à 2 ans, à 4000, 4000, 4000 l'enchère, à 4000, je vous laisse faire l'acte 5000, 5000, là on l'a toujours à 5000, à 5000, à 5000, l'enchère maintenant à 5000, à 5000, à 5000, l'arrière-grand-mère gagnant de premier prix de la vallée d'Auge, à 5000, à 5000, à 5000, l'enchère à droite ici à 5000, qui prend le relais à 5000 euros pour une pouliche, précoce ici d'une famille précoce aussi à 5000, à 5000, le sommet 5000, c'est bien vu, à 5000, pas de regret nulle part, pour la juger, à 5000, on va juger, méfiez-vous, à 5000, le sommet dernière fois, dernière chance, à 5000, le sommet fini là, à 5000, on le juge. Laura, merci beaucoup. 5000, Laura. Alors, le 70. Le numéro 5000 euros pour le 70 Captain Shop. Il est sans doute racheté. Maintenant, on va passer au radis loge avec un fils de Harbour Watch. Et Lady Liesel. Qu'est-ce qu'il est beau ce poulain. Très beau poulain. Oui, effectivement, il est beau. Il est beau le Harbour Watch. Harbour Watch, le grand-père, le bon. Oui, le poulain précédent par Captain Shop est racheté puisque c'est Alain Chopard qui signe le bulletin. Miss Sugars. Deuxième de classe 2, récemment. Bonne famille Ballymacall en Irlande, Bon Scott, Golan, Tartabert, combien votons ici, 30 000 Blue qui a 30 000, à 30 000, excellent poulain ici, à 30 000 qui a 30 000, 30, 20, 10 000 qui a 10 000, donnez-moi 10 000 quelque part, à 10 000 pour débuter, à 10 000 le père de Tisfort, is wonderful ici, à 10 000, à 10 000, à 5 000, 5 000 l'enchère à droite, à 5 000, à 5 000, à 5 000, 5 000 l'enchère, à 5 000 par Laura, à 5 000 le sommet dans, à 5 000 pressant, à 5 000, joli poulain ici, marche bien, 5 000, 7 000 euros, 7 000 le sommet dans, à 7 000, à 7 000, à 7 000 le sommet, à 7 000 déjà, frais de deux vainqueurs, à 7 000. À 7 000, nous sommes maintenant à 7 000. La mère est propriétaire de Hidden Luck. À 7 000, 10 000, 10 000 en face, 12 000. 12 000, nous sommes maintenant à 12 000. Laura, à 12 000, Laura, l'enchère maintenant 12, 15, 15 000 l'enchère. À 15 000, à 15 000, à 15 000, 7, 17, 17, 20 000. 20 000 l'enchère en face par Laetitia. À 20 000, à 20 000, nous sommes maintenant à 20 000. À 20 000 l'enchère, plus vous, Laura, maintenant l'enchère en face ici à 20 000. À 20 000, à 20 000, très course, n'est-ce pas? À 20 000, nous sommes maintenant à 20 000. L'enchère en face à 20 000. Avec 20 000 qui prend le relais maintenant à 20 000 ici à 20 000. La paire de Tease Wonderful, grand vainqueur de Robert. Papa cette année, à 20 000 l'enchère en face ici, à 20 000 qui prend le relais, à 20 000, à 20 000, à 20 000, 22, 20, tu m'appelles? Là, en face, Laetitia? Laura, excusez-moi, 22, 22, l'enchère maintenant, 22, à 22, 22, l'enchère maintenant, n'arrêtez pas s'il vous plaît, Laetitia, à 22, 22, l'enchère maintenant, 22, à 22, l'enchère ici, à 22, à 22, mais très cause, Arbonio ici, à 22, à 22, l'enchère maintenant, 22, nous vendons toujours pas d'arrière ici, à 22 000, rien à gauche, rien en face, rien en haut ou en bas, à 22 000, nous sommes, l'enchère à droite ici, à 22, 22, 3, voulez-vous, Laetitia, à 22, ça vous aide? À 22, l'enchère maintenant, 22 000, l'enchère en bas, à 22 000, rien à l'extérieur, à 22 000, l'enchère ici, par là, on aura toujours 22 000. On va juger à 22 000, dernière fois, dernière chance. On a juge. Laura, merci beaucoup. 22 000, Laura. Oui, le numéro 72 est absent, place au 73, présenté par Jetbox Suit et le Haradelon. Linda Lova, c'est une pouliche alsane, elle est née le 24 avril. C'est une fille de George Vancouver, elle l'amora. Grand vainqueur de Breeders' Cup Turf, fin de saison, deuxième de Primorny, troisième de Dewhurst Stakes. Ses premiers produits sont des yearlings, une pouliche ici bien équilibrée. Jeune famille aussi, c'est la famille célèbre de Lidari Laxlova. Combien faut-on ici pour débuter? Allons-y, 10 000, 10 000, donnez-moi 10 000 quelque part. 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 3 000, alors qui a 3 000? À 3 000 pour débuter, à 3 000, mettez vos enchères à 3 000. À 3 000 en face, à 3 000, Nathalie, votre enchère à 3 000. À 3 000, qu'est-ce qu'elle est bien équilibrée? La petite fille ici de King Mike, de Henry the Navigator. À 3 000, 4 000, 4 000 euros maintenant, à 4 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, l'enchère maintenant à 5 000. À 5 000, l'enchère maintenant à 5 000. Un modèle précoce ici.
à 5000, à 5000, à 5000, à 5000, mettez vos enchères encore maintenant à 5000, à 5000, nous sommes à 5000 qui m'appelle à 5000, 6000, nous sommes maintenant à 6000, grand sujet de vainqueur à 6000, la mère est seule de 7000, enchères maintenant à 7000, la mère est seule de 6 vainqueurs à 7000, à 7000, à 7000, à 7000, tu te passes par Nathalie maintenant à 7000, rien en face à 7000, rien à droite aussi à 7000, à 7000, à 7000, la mère passine au même, quand même, à 7000, nous sommes maintenant à 7000, à 7000, à 7000, à 7000 qui prend le relais maintenant à 7000, ils sont ici, oui, mais nous sommes à 8000, à 8000, à 8000, à 8000, enchères maintenant à 8000, ah oui, vous connaissez bien Lara aussi, là maintenant, monsieur, là maintenant, là, à 8000, à 8000, à 8000, enchères maintenant, oui, une belle pouliche ici, élégante, à 8000 ronds, à 8000, nous sommes à gauche enchère, fini là-haut, fini à droite, à 8000, enchères pas Nathalie, on va juger à 8000 euros. On le juge. Nathalie, merci beaucoup, 8000 euros. Place au numéro 74 qui est présenté par Birabel Élevage. Zambézir, un poulain alzan né le 10 février. C'est un fils de Zambézissen et l'Anciana. Son père double vainqueur de groupe dans le groupe 1, Grand Prix de Paris. Père des nombreux vainqueurs en plein. Il est Bulkoff aux obstacles. C'est le frère de Lancetto. La mère par Akatanango, excellent père des mères toujours. Tête de liste en Allemagne, combien vaut-on pour le frère de 5 vainqueurs ici? Famille Laziano, l'ancienne, combien on débute à 3000, allons-y, 3000, qui a 3000, donnez-moi 3000 pour débuter, allons-y. À 3000, le fils de 3000, oui, à droite l'enchère maintenant, à 3000, le seul par Zambizison dans le catalogue, le petit-fils d'Anzili. À 3000, le seul maintenant, à 3000, à 3000, à 3000, à 3000, pression quand même à 3000, à 3000, à 3000, suivant, 3000. Allez, on se retrouve avec le 74. Un mâle, un fils de Zambizison, il est déjà nommé. Présenté par Jean Birabin, Birabin Élevage. Il s'appelle Zambézir. La mère est par Akatelango, pure origine allemande. C'est l'origine de Lando qu'on retrouve sur la troisième mère et Loro également. Le talent qui fait la montée en France. À Sud-Manchara. C'est la famille de Love Academy, la mère de Longina. Longina qui était une gagnante d'une préparateur au prix de Diane Allemand, groupe 2, et qui s'était également placée dans le prix de Diane, troisième du groupe 1. Alors la première mère a déjà, qui elle-même était Black Tape, elle était troisième de Listed, a déjà produit un placé de Listed de groupe 3 également, et également un troisième de groupe 1. En obstacle. Et Jean Birabin avait acheté la mère Lanciana à Jean-Pierre de Roubaix. C'était lors d'une vente aux Arus, aux ventes mixtes. C'était en vente de novembre au Lyon d'Angers. Gloria en dessous, on va juger cette fois-ci à 8000 euros contre vous, la Laura, c'est mon enchère toujours. À 8000, nous sommes dernière fois, dernière chance à 8000. Beau poulain, ce fils de Zambézissen. Zambézissen qui, je vous rappelle, fait la monte à Ouara de la Barbotière. Place au numéro 75. Présenté. I didn't understand the name of the buyer. Il est né le 20 mars, c'est un. Cura Bloodstock, peut-être. Et Londa Vision. On va le voir dans un instant. L'acheteur, le voilà. New York City, la casquette. 8000 euros donc pour ce fils de Zambézissen. C'est la mère de Lady Paula, gagnante 4 ans cette année. Donc la mère, c'est issue d'une sorte de 5 vainqueurs quand même. Oui, elle est athlétique. Le fils George Vancouver ici, on débute à 10 000, qui a 10 000, d'ailleurs à 10 000, 5, 3 000, 3 000, alors qu'il y a 3 000. 3 000 euros sont demandés pour un fils de George Vancouver et Landa Vision, présenté par Laurent Montaigu, qui a présenté les deux uniques filles de Literato. Aujourd'hui, Literato qui fait bien sûr la monte au Laurent Montaigu. 3 000 euros seulement. Un rapport qualité-prix assez intéressant, ce fils de Quête d'Or, évidemment. Et je vous rappelle, les deux filles de Literato sont très bien vendues, 45 000 euros, 48 000 euros et 31 000 euros tout à l'heure. Laura de Montaigu, donc, nous présente ce fils de Georges Vancouver qui lui fait la monte au Hara de la Etré avec une mère par Lando une nouvelle fois, comme le lot, non pas le lot précédent, c'était une Akatelango, mais on retrouvait plutôt Lando sous la troisième mère. Lando qui faisait la monte. En France il y a quelques années au Hara de Détrehant. Et la mère Landa Vision qui est inédite est la sœur de Magadishio, l'excellent Magadishio qui compte 10 victoires, troisième de Listed également, élevé par la famille Camus.
jugé alors à 8 000, vous avez failli l'avoir là-bas, à 8 000 de somme. D'ailleurs, ce poulain est probablement, et lui aussi, élevé par la famille Camus. Fini là, merci votre aide. À 8 000 euros, je pense qu'on va juger dans un instant. À 8 000, on la juge. Merci Laura, 8 000 euros. Voici le numéro 76 présenté par le Hara Domel. Il s'agit d'une pouliche B née le 11 mai. C'est une ça va être racheté à 8 000 euros, Londres. Malheureusement. Ah, super bien née, cette pouliche de Sayuni. Sayuni, elle est née au mois de mai, donc elle va sûrement progresser, mesdames et messieurs. Elle est très, très course par la paire de bourrées, Hervida, Mango Tango. La première fille de Sayuni qui nous est présentée par Hubert Honoré du Hara Domel, son co-éleveur, qui est né le 11 mai, né assez tardivement, on le voit d'ailleurs dans son physique. Elle est moins développée que d'autres yearlings qui sont déjà passés sur, sur le ring aujourd'hui. Et on retrouve une mère par Lando, décidément. Landora, la mère est gagnante en France, elle est gagnante en débutant, gagnante à Longchamp. La mère avait été élevée par l'EARL Carrel et par Franck Champion. Elle avait été achetée 90 000 euros par Hervé Bunel de l'agence FIPS pour Guy Parayante. Elle avait débuté sa carrière chez Alain Droy-Dupré. Elle avait fini sa carrière chez Philippe Pelletier, cette Landora. Son 2 ans a été exporté en Irlande et Landora est la sœur de Sky Dancing, la mère de Scalo qui lui est un lauréat de groupe 1 qui fait la monte au Hara du Logis Saint-Germain. Plusieurs acheteurs du côté de chez Laura. On voit Louis Urbano qui est là également. 55, arrêtez-moi maintenant, 60 000 vous, à 55 000, on cherche ici en bas, 55 000, excellent famille maternelle, à 55 000, Manfred Osterman, 60 000, on cherche maintenant, 60 000, famille Gertrude Hitligan ici à 60 000, it's an Hitligan family here, you know it well, sir, à 60 000, on cherche maintenant, 60 000, l'enchère par Laurence, toujours à 60 000, à 60 000, deux voulez-vous, 62, l'enchère, à 62, quelle souche maternelle, que des gagnants de là-dedans, que de black type aussi, à 65, à 65 000, ça me donne 65, à 65, 10, voulez-vous? À 65 000, ça m'a donné 70 000 enchères. À 70 000, 70 000. Je vous rappelle, le top price pour l'instant est à 80 000 euros. Très très court, à 70 000, oui ta femme, allez, à 70 000, quelle pédérie maternelle, à 70 000, à 70, 10, 12 voulez-vous, à 70, n'arrêtez pas, à 12 voulez-vous encore maintenant, à 70 000, à 70, 70, 70, Laurence, à 70 000, 72, 12 à gauche, enchère. 72 000 euros, on va sans doute dépasser le top price. À 75 000, vous avez vu, vous marchez sur... Et les enchères. Et 75 000 en effet, Sayuni, le mot magique. Alors, je vous rappelle que le top price pour l'instant est à 80 000. Vous avez failli l'avoir aussi à 75 000. À 75, Racing Paddock Value here. Là, nous en sommes à 75 000. Sayuni ici à 75 000. Fabrice. Présenté par le Hara Domel. Pouliche née assez tardivement, pourtant le 11 mai. 17, voulez-vous là? Assistez un petit peu là, Nathalie, s'il vous plaît. À 75 000. À 75, l'enchère à droite ici à 75 000. C'est bien vu. Pas de l'horaire, nous ne parlons pas à 75 000. La fille de Sayuni. On va juger, je crois. À 75 000, 17, 77, à 77 000, 77 000, j'ai eu maintenant 77 000, à 77 000, 80 voulez-vous, à 77, 17, 17 l'enchère, she's worked that, she's worked one more, à 77 000, nous sommes maintenant à 77, 17, c'est mon Paul Basquin, s'il vous plaît, à 77 000, hein? Vous avez failli la voir là, à ouais. 77 000, Laurence, tiens, fais lui là, qui est en train de, fini là, votre enchère Laurence, à 77 000, dernier tour ici, à 77 000, on va juger, à 77 000, attention, on va juger, à 60. Laurence, merci beaucoup. 77. 17 000 euros. Et je crois que c'est Paul Basquin qui va signer. Présente ici une pouliche B, née le 22 avril. Effectivement. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Pouliche B, née le 22 avril, par Palace Episode et Laureldine Desert. La fille de Palace Episode qui se présente devant vous, la petite fille de Machiavellian, la seule de la vente, la mère Green Desert. Voilà Paul Basquin, placé à 2 ans. Qui va, bah il prend pas une nouvelle coupe parce qu'il a déjà acheté plusieurs chevaux. Paul Basquin pour l'instant.
Argentier. À combien débutons ici? Bravo, félicitations. 5000 très précoce de course. 3, qui débute 3000. À 3000 euros qui démarre. À Paul, qu'on va. À 3000 euros qui débute. 3000 qui m'appelle. 3000 j'ai maintenant. À 3000 euros. À 3000 euros l'enchère. À 3000 pour vous. Laetitia, à 3000 euros. À Lance, pardon. À 3000 euros, bien vu. 3000 euros qui conduit 4. Si vous voulez 4000, et pas la spéciale 4000, allez-y. Pour vous, maintenant 4000, on y est. À 4000 euros pour vous et contre vous, Laurence, c'est là. À 4000 euros qui conduit les enchères de 5, si vous voulez. À 4000 euros, 5000, Mer Green Desert, 5000. À 5000 euros maintenant, à 5000 qui conduit la famille de Levonk. À 5000 euros, 6, si vous voulez, 6000, allez-y. À 5000 euros, 6, si vous voulez. À 5000 euros, à 6000, on y revient maintenant, 6000 euros. À 6000 euros, la mère de Demi-Sol Salcelon, 8 victoires. À 6000 euros, à 6000 euros, 8000 euros, 6000 euros, pardon, 6000 euros. À 6000 euros qui continue les enchères de 8 qui m'appelle. À 6000 euros l'enchère pour vous. On va aller voir l'acheteur quand même à 77 000. Tiens, la caméra est là. Si tu peux regarder la caméra avec ton sourire le plus charmeur. Alors comment expliques-tu l'achat à 77 000 de cette pouliche de Siyuni, Paul? Écoute, c'était une très belle pouliche. Siyuni fait des excellentes femelles. C'est une pouliche qui est née assez tard, au mois de mai, qui va être très évolutive et qui se déplace très bien. Donc c'est certainement un bon achat. Et je répète, les femelles par Siyuni sont exceptionnelles. Effectivement, Hervé Dia, est-ce que c'est une pouliche qui systématiquement va être préparée pour les brise-up? Non, pas systématiquement. Elle va revenir au ras du Saubois et nous verrons par la suite. Merci Paul, merci. Voici le numéro 78, présenté par le haras de la Haineuve, Fabella Béret, une pouliche B, née le 31 mars par Pirgint l'été. La fille de Pirgint, la petite fille de Sandy Stellan, c'est la mère qui provient gagnant de l'Istel à Bordeaux, justement. La mère l'été. Donc voilà, une pouliche qui va aller au haras du Saubois, mais pas forcément pour être présentée dans les brise-up. Doucement. La fille de Pergin, donc justement, qui se présente devant vous, à la porte de ma voix. À combien débutons? Allez-y, 3000 qui débute, 3000 pour aller vite, 3000 qui démarre, 3000 euros, 3000. La fille de l'été, 3000, j'ai merci en face. À 3000, 4000, on y revient maintenant. La mère a produit le turning point. À 4000 euros, la propre sœur, le printemps. À 4000 euros, la sœur. 4000 euros, 5 si vous voulez. À 4000 euros qui m'appelle, 5 qui débute 5, allez-y, on active, qu'on la laisse pas trop long. 5000 maintenant. Nathalie à 5000, chic pouliche ici à 5000 euros. À 5000 euros, à 5000 euros, 6000 maintenant, 6000 le père de flamboyant Pergine à 6000 euros. À 6000 euros maintenant, à 6000 euros, 7 si vous voulez, 7000 si vous voulez. À 6000 euros l'enchère, c'est plus vous Nathalie, hein. À 6000 euros, j'ai l'enchère à droite. À 6000 euros avec Laurence. À 6000 euros l'enchère, à 6000. À 6000 euros, à 6000. Regardez le pédigré avec une mère Black Tech qui produit Black Tech et on parle de 6000 euros. The Turning Point, le critérium du becquet, l'Estel Race, à 6000 euros, à 6000 euros seulement, à 6000 euros, la fille de Pergine, le père de flamboyant, 6000 euros qui conduit 7 maintenant, 7000, on y est, à 7000 euros. Nous en sommes au numéro 78. 000, maintenant 9000 qui m'appelle. Fabella Berin, fille de Pirgint, la sœur de The Turning Point, élevée également par le Haras de la Haineuve, et vainqueur du critérium du becquet. Et oui, mesdames, messieurs, l'année dernière, en 2015, The Turning Point, un film d'Hurricane 4, autre élève du Haras de la Haineuve. La sœur de The Turning Point, issue d'une origine américaine et chilienne, puisque sous la deuxième mère, nous trouvons Printemps, qui a été une championne à 2 et 3 ans au Chili. Nathalie, 20 000, regardez le pédigré, 20, si vous voulez, j'ai 18 000 avec Laurence, 18 000. The Turning Point, 18 000 euros. À 18 000 euros, la mère professeure de printemps, à 18 000 euros. À 18 000 euros, regardez le groupe 1, 18 000 euros. À 18 000 euros, 18 000 livres, 20, si vous voulez, Nathalie, appelez-moi pour 20. À 18 000 euros, l'enchère est à droite. Alors, j'ai aperçu tout à l'heure Jean-Claude Rouget, mais je ne pense pas, sauf de ma part, je ne l'ai pas vu encore mettre des enchères. 20 000 euros l'enchère pour vous, Nathalie, 20. Il reste encore, on est un tout petit peu plus de la moitié seulement de la vente, hein. Enfin de la première journée de vente plutôt, qui comportera donc, comme je vous le rappelle, 150 numéros. L'enchère est à droite, à 22 000 euros, 24 si vous voulez, à 24 000 euros si vous voulez, j'ai 22 à gauche, c'est là. 22 000 euros l'enchère est bien vue. À 22 000 euros qui m'appelle pour 24. À 22 000 euros, c'est Laurence, votre enchère, pas d'erreur. À 22 000 euros, fini à gauche. À 22 000 euros, je voudrais qu'on jette une dernière regard sur le pédigré avec
La fille de Virgin, la mère Black Tap qui produit Black Tap, The Turning Point, la mère propulseur de printemps. Et on parle de 22 000 euros. À 22 000 euros, le marteau va se lever cette fois-ci. À 22 000 euros, 23. Non ? À 22 000 euros, le marteau se lève. Bien vu ! À 22 000 euros, votre enchère, Laurence. À 22 000 euros. On a eu Laurence. 22 000, merci. On enchaîne avec le numéro 69 qui est présenté par Jika Torxbred. Une pouliche alsane. Et 22 000 euros, c'est acheté par roulement de tambour. Comment il s'appelle un espagnol. Dans la liste de prix des jouvenceaux et jouvencelles courus sur l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Monsieur Federico Barberini, merci beaucoup. La fille de Rock of Gibraltar qui se présente devant vous, qu'une mère qui est deux victoires. C'est la toute proche famille de Mutatir ici, tout bon pédigré ici, Bernardini, Love and Pride. Alors, on va passer maintenant au 79, présenté par Jake Etterbred, une fille de Rock of Gibraltar. Un peu plus tôt dans le catalogue, on avait déjà un Rock of Gibraltar alsan présenté par Jake Etterbred, les Anglais. Allez-y, 10 000, 10 000 kilos. La mère est par Key of Luck et la mère, c'est une sœur de Mutatir. Oui, Leaky Star est une sœur de Mutatir par Key of Luck. Mutatir était lui par El Mamul. 3 000, qui débute les enchères ? À 3 000 euros. À 3 000, qui m'appelle pour 3 000, 3 000, 3 000, 3 000 euros, qui débute 3 000, 3 000. À 3 000 euros, qui débute les enchères de 3 000. Regardez, petit gré, tout proche de la famille de Mutatir. À 3 000 euros. À 3 000 euros, qui débute 3 000. À Solide Pouliche ici, très sérieux. À 3 000 euros, qui démarre les enchères de 3 000, 3 000, qui m'appelle ? 3 000 euros, à 3 000 euros tout de même, avec un talon confirmé, 3 000, 3 000, à 3 000 euros qui débute, 3 000, 3 000, ah, à 3 000, de... c'est là, à 3 000, à 3 000. Pas beaucoup d'intérêt pour cette fille de Rock of Gibraltar, cette nièce de Mutatir par Rock of Gibraltar, 3 000 euros seulement. Mutatir, bon. Oui. À 3 000 euros, à 3 000 euros, c'est là, à 3 000 euros, qui m'appelle ? À 3 000 euros, dernier appel dans la salle, à 3 000. À 3 000 euros avec une mère qui sort de Mutatir, on parle bien la même chose, Pédigré 79, Chic Pouliche ici, à 3 000 euros, Rock of Gibraltar, à 3 000 euros, retiré, faute d'enchère. Eh ben, ils n'ont pas de d'enchère pour la nièce de Mutatir, c'est surprenant ça. Bon, maintenant on passe au 80, un fils de Silver Frost par Like Affleet, la mère elle-même par Affleet Alex, américain donc. Toute la souche est américaine, comme vous pouvez le constater dans le catalogue. La page de catalogue. Silver Force. La mère, Like Affleet, qui était quasiment Black Type. Hein. Pas Black Type, mais parce qu'elle a été 4e justement du prix des réserves à groupe 3 et 4e du prix Saraka. L'obtention du label Black Type peut se décrocher uniquement lorsqu'un cheval termine dans les 3 premiers de course dites principales, c'est-à-dire listed ou groupe 1. Elle est sœur de Max Pal, qui lui a remporté beaucoup de courses de niveau listed aux États-Unis. 12 victoires exactement. 3 qui débute les enchères de 3 000 pour aller vite à 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 avec la mère Alpha Flex, à 3 000 G, maintenant 4 000. 4 000 ici, à 4 000 euros. À 4 000 euros l'enchère, à 4 000. 4 000 l'enchère est à gauche avec Nathalie à 4 000. À 4 000 euros, 5 maintenant, Fred Bidder en face. À 5 000. À 6 000, on y revient maintenant, 6 000, 6 000 euros. À 6 000 euros, Silver Force, 6 000 euros. À 7 000 maintenant, 8 000, on y revient à 7 000 maintenant. À 8 000 euros en face, à 8 000, à 8 000 euros. À 8 000 euros, Harvey, à 8 000. À 8 000 euros, 9 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros, si vous les dites maintenant, qui m'appelle 10,000, who call me, 10,000 now, à 10 000, à 10 000 euros. Alors 10 000 euros. À 12 maintenant, 12 000. 12 pour Silver Frost, Silver Frost, le père de Silver Wave. À 12 000 euros, 12 000 euros, maintenant l'enchère en face avec vous, les 10 à 12, 14 G. Maintenant Nathalie, on vient avec vous à 14 000. À 14 000 euros, maintenant 20, si vous voulez 16, allez-y. À 14 000 euros, l'enchère en face, à gauche. Nathalie, à 14 000 euros, maintenant 16, allez, bien vu, 16 000. 16 000, on vient avec vous, Laurence, à 16 000. À 16 000 euros, à 16 000 euros, Silver Frost, Silver Wave. À 16 000, 8, 18, on vient avec vous, 18 000. 18 000 euros, maintenant 18 000. 18 000 euros, 20, si vous voulez 20, maintenant 18 000, Nathalie. À 18 000 euros, maintenant l'enchère, 18 000. 18 000 euros, à 18 000 euros, qui continue 20, si vous voulez 20, maintenant 18 000. 18 000. À 18 000 euros, Max Pal, famille, Founding Sherm, tout bon pédigré. À 18 000 euros, qui m'appelle 18 000, 18 000 euros, 18 000. À 18 000 euros avec Nathalie, bien vu. À 18 000 euros, 18,000 only. À 18 000 euros, l'enchère est à gauche et là avec Nathalie, bien vu. À 18 000 euros, le marteau peut se lever, alors pas de regret en face. À 18 000 euros, Laurence terminé, Laetitia, je vous entends plus. À 18 000 euros, l'enchère, Nathalie. À 18 000 euros, le fils de Silver Frost. À 18 000 euros. On la juge, Nathalie, 18 000, merci. Le